Bien, ben, on va peut-être pouvoir commencer si ça vous va, docteur Galsi. Oui, bien sûr, je suis prête. Merci beaucoup. Alors, du coup, bonjour à tous. Et puis, du coup, aujourd'hui, c'est le premier cours de DES sur les syndromes myélodysplasiques. On est deux membres de l'AIH accompagnés du docteur Galsi, puis des autres orateurs par la suite pour accompagner ce cours. Donc, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions. Et donc, ça, c'est très important parce qu'on fera le résumé. On pourra discuter de ça à la fin de la présentation, à la fin de chaque présentation. Vous pouvez également les envoyer dans l'onglet chat. Ça apparaît également. Et puis, on en discutera à la fin. J'en profite juste avant de vous laisser la parole pour rappeler deux choses pour la semaine prochaine. En tout premier lieu, donc, c'est le 12 février, il y a un webinaire qui est organisé par l'AIH sur l'intelligence artificielle, que ce soit le point de vue de la recherche privée, mais également de la recherche institutionnelle et donc de la place de l'intelligence artificielle. Et puis le deuxième cours, surtout vendredi prochain, sur les SMD. Sur lequel il y aura quatre présentations. Donc, je vous ai remis le programme d'aujourd'hui dans le chat. Aujourd'hui, on parle pour commencer de la cytologie des SMP et des SMD-SMP. Puis, il y aura un cours par le professeur V sur la classification pronostique des SMD. Ensuite, c'est le docteur Strelu qui parlera des SMD de l'enfant. Excusez-moi. Et en fait, on enchaînera par la suite avec les traitements, que ce soit le traitement des SMD de faible risque et les traitements des SMD de haut risque avec le professeur Fenot. Donc voilà, sur ce, je vous laisse la parole. N'hésitez pas à dire également s'il y a des soucis techniques. Moi, je coupe la webcam et puis je vous laisse la parole. Je vous remercie, docteur Galsi. Alors, je vais essayer de me mettre dans un coin, petit coin. Voilà. Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier les professeurs Fenot et V de m'avoir sollicité pour cette présentation sur la cytologie. Dans la première demi-heure, on va voir surtout la cytologie des syndromes myélodysplasiques. Et dans les 10 minutes, quart d'heure qui restent, nous verrons la cytologie des formes frontières. Alors, juste, voilà, le temps que je réalise comment ça fonctionne. Hop, voilà. Est-ce que vous pouvez vous mettre en plein écran? Je me demandais si c'était possible de mettre la présentation en plein écran pour les autres. Je vais essayer. Après, je crois que je perds le. C'est mieux comme ça? Ah oui, c'est mieux comme ça. Merci beaucoup, oui. Voilà. Voilà, et je peux changer par là. Donc, c'est bon. Donc, vous le savez, les syndromes myélodysplasiques sont des hémopathies malignes, clonales, issues de la cellule souche hématopoïétique que l'on surnomme aussi cytopénie à moelle riche en raison du caractère inefficace de leur hématopoïèse. Alors, leur diagnostic est essentiellement cytologique et ce diagnostic peut parfois être difficile. Alors pourquoi il est difficile? Parce que non seulement il faut évaluer la dysplasie et de plus il faut pouvoir la rattacher à un syndrome myélodysplasique. C'est-à-dire qu'il existe un certain nombre de pathologies et de circonstances cliniques qui génèrent de la dysplasie et qui parfois sont réversibles, ce qui veut dire que la dysplasie, ce n'est pas spécifique.
J'ai représenté ici les principales causes de dysplasie classique qu'il est possible de rencontrer. Celle de la carence en vitamine B12 et folate, bien sûr, va générer une mégaloblastose, les chimiothérapies, les drogues, l'intoxication par l'alcool, au plomb, les maladies infectieuses, auto-immunes et aussi la dyserythropoïèse congénitale. Alors, tout ceci se complique. D'autant plus qu'il existe de véritables dysplasies qui sont observées chez le sujet avec un hémogramme normal, et c'est ce qu'on appelle les IDUS, qui sont les dysplasies de signification indéterminée qu'il faut surveiller parce qu'elles sont à risque d'évolution vers une hémopathie maligne et en particulier vers un syndrome myélodysplasique. Ce qui veut dire que le cytologiste doit avoir un maximum de renseignements clinico-biologiques pour pouvoir interpréter ce qu'il voit. Alors justement, qu'est-ce qu'il voit? Eh bien, le diagnostic va se baser sur la cytologie essentiellement, comme je le disais, et requiert une numération forme sanguine, puisque le prérequis à ce diagnostic, c'est bien sûr la présence de cytopénie. Il faut faire une analyse attentive du frottis sanguin et bien sûr le myélogramme permet normalement de poser le diagnostic dans la majorité des cas. Il se complète par une coloration de Peirce et dans un petit pourcentage de cas, il faudra avoir recours à la biopsie ostéomédulaire. On verra dans quelles circonstances. Alors, sur la numération, qu'est-ce qu'il est possible d'observer? Des cytopénies diversement associées. Vous savez, c'est l'anémie qui est la plus fréquente, régénérative, le plus souvent macrocytaire. Les seuils présentés ici sont ceux qui ont été définis en 2008 par la classification OMS, qui ont été conservés dans la version révisée de 2016, mais il est recommandé de plutôt utiliser les valeurs de référence institutionnelles, en particulier pour l'hémoglobine, de sorte qu'il faut quand même s'adapter à l'âge, au sexe, à l'origine ethnique, voilà, pour pouvoir interpréter ces seuils. Alors, cette numération formule peut révéler la présence d'une monocytose et on s'orientera plutôt vers une leucémie myélomonocytaire chronique. Et puis, il arrive donc de temps en temps qu'il y ait une thrombocytose qui, lorsqu'elle est en plus associée à une anémie, doit générer trois hypothèses diagnostiques. Un syndrome myélodysplasique avec délétion 5q isolée ou un syndrome myélodysplasique avec anomalie impliquant EVI1, donc une inversion 3q ou translocation 3-3. Et alors, il est possible d'envisager aussi un syndrome frontière, donc de type sideroblaste en couronne et thrombocytose. Je le raccourcis comme ça, au lieu d'appeler SMD-SMD, je raccourcis sur la terminologie de forme frontière. Généralement, il n'existe pas de myélémie qui est plutôt observée quand il y a des signes indirects de myélofibrose. Alors, hop! Excusez-moi, mais j'arrive plus à accéder. Voilà, c'est plus simple. Donc, le frottis sanguin, il va être réalisé de façon systématique. L'idéal, c'est de le faire 2 heures après le prélèvement parce que sinon, il y a un artefact qui est généré par le délai de prise en charge technique du prélèvement. Du coup, on voit moins bien la morphologie des cellules et le but étant de détecter de la dysplasie ou un excès de blastes. Ce frottis sanguin est indispensable à la classification du syndrome myélodysplasique et il faut compter 200 cellules. Alors, sur ce frottis, on s'attache à rechercher des anomalies morphologiques des globules rouges, donc de la dyserythropoïèse, qui est non spécifique, mais qui peut déjà orienter le diagnostic. Par exemple, une double population d'hématies ou des anomalies de taille et de forme des globules rouges. Et donc cette première image montre ainsi une hématie à ponctuation basophile avec des granulations ici sombres réparties dans le cytoplasme qui traduisent en fait un trouble de l'hémoglobinosynthèse. Et on voit ici, j'ai volontairement pris cette image pour montrer des elliptocytes qui sont observés dans quelques cas de syndrome myélodysplasique avec délétion 20q et qui sont de véritables elliptocytoses acquises par déficit en protéines 4-1 de la membrane. On peut observer des érythroblastes circulants ou alors des signes indirects de myélofibrose, comme je le disais, c'est-à-dire des dacryocytes. Alors, les anomalies morphologiques des granuleux, donc la dysgranulopoïèse, sont les anomalies qui ont la plus grande valeur diagnostique.
En particulier les troubles de la segmentation nucléaire. Vous voyez que sur ces différentes images, ces polynucléaires neutrophiles ont un noyau hyposegmenté, au noyau arrondi ou ovalaire, parfois en bissac, et peu ou plus ou moins granuleux. C'est ce qui est dit dans notre jargon des polynucléaires pelgérisés ou anomalies de pseudo-Pelgère uvette. Pour l'anomalie des plaquettes, eh bien, généralement, il s'agit de plaquettes de grande taille, comme ici cette plaquette géante. On peut parfois retrouver des anomalies de granulation avec soit une hypo, soit une dégranulation pointée par la flèche. Et puis, de temps en temps, il y a des mégakaryocytes qui circulent sous forme de noyaux nus, et c'est classiquement vu dans les frottis sanguins de syndrome myéloprolifératif, et plus fréquemment des micromégakaryocytes circulants, c'est-à-dire des mégakaryocytes de toute petite taille, qui ont la taille d'un lymphocyte, en fait, avec un cytoplasme un peu flouté et parfois entouré de plaquettes. Sur ce frottis, on va aussi compter les blastes. Donc, il y a différentes morphologies possibles. Il est possible de voir donc des blastes agranulaires peu différenciés ou des blasts granuleux. Bien sûr, cet excès de blastes doit être inférieur à 20%, sinon on rentre dans le cadre de la leucémie aiguë myéloïde. Et par contre, si 1% de blasts est détecté, il faut absolument confirmer en fait. Ce pourcentage sur un autre prélèvement un peu à distance. Parce que ce décompte de blasts, et en particulier la présence d'1% de blasts ou non, est importante pour le classement du syndrome myélodysplasique. Alors, le myélogramme, il est généralement, pardon, riche, voire très riche, et il permet de poser le diagnostic dans la majorité de cas. Donc, c'est le reflet des cytopénies périphériques qui contrastent avec une moelle riche. C'est pour ça qu'on les appelle cytopénies à moelle riche. Donc, sur ce myélogramme, on effectue une analyse qualitative des trois lignées myéloïdes. Et pour dire qu'une lignée est dysplasique, il faut que 10% de ces cellules appartenant à la lignée présentent des anomalies morphologiques. Pour le décompte des blasts, il s'effectue sur 500 cellules. On parle d'excès de blasts lorsque ce pourcentage est supérieur ou égal à 5% et bien entendu inférieur à 20%. Ce décompte, il est important puisqu'il a un impact pronostique et sont inclus dans le décompte les blasts peu différenciés, les blasts granuleux, c'est-à-dire les myéloblastes et les monoblastes. À cela s'ajoute la quantification des sidéroblastes en couronne de type 3 qui se fait grâce à la coloration de Peirce, qui est indispensable à la classification des syndromes myélodysplasiques sans excès de blastes. Voici des exemples de dysplasie médullaire sur les différentes lignées. Donc ici, pour la lignée mégakaryocytaire, il existe ici un petit chapelet de micromégakaryocytes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous voyez qu'il y a plein de petites plaquettes autour. C'est sans doute donc l'anomalie morphologique qui est considérée par l'OMS comme la plus spécifique des syndromes myélodysplasiques. On peut également retrouver des anomalies de segmentation avec des mégakaryocytes de très petite taille. Hein. Normalement, le mégakaryocyte, c'est la plus grande cellule médullaire. Et là, ils sont tout petits, avec la particularité d'être binucléés et parfois trinucléés. Ces anomalies de segmentation peuvent être aussi comme ceci, c'est-à-dire un petit noyau rond qui contraste avec un grand cytoplasme dit en barbe à papa, et c'est l'image classiquement observée dans les myélodysplasies avec des lésions 5Q. Au contraire, les mégakaryocytes peuvent être un noyau hyper fragmenté, un noyau séparé, et c'est un aspect qu'on peut retrouver dans les mégaloblastoses. Nous avons déjà parlé des anomalies morphologiques de la lignée granuleuse à type d'hyposegmentation nucléaire, donc de type pseudo-Pelgère uvette. Il existe aussi des anomalies de condensation de la chromatine avec une condensation là, très anormale dans un noyau qui est d'ailleurs hyposegmenté et un cytoplasme quasiment dégranulé. Cette image représente un précurseur granuleux complètement hypogranulé. Et ici, vous avez la présence d'un cordower, c'est une autre possibilité de blast qu'on peut observer et donc qui est pathognomonique. Pour la dysplasie des érythroblastes, il existe soit une dysplasie cytoplasmique, soit nucléaire.
Pour la dysplasie cytoplasmique, on remarque ici en fait un érythroblaste acidophile qui a un cytoplasme complètement transparent, déshémoglobinisé avec des ponctuations basophiles. Il est dit en toile d'araignée et il traduit donc un trouble de l'hémoglobinosynthèse. Ici, il existe des anomalies nucléaires avec des irrégularités nucléaires dues à des lobulations plus ou moins importantes qui peuvent aller jusqu'à la cariorexie, c'est-à-dire la fragmentation nucléaire. Et ici, c'est un aspect mégaloblastique d'érythroblastes polychromatophiles, donc de plus grande taille que la normale, et qui a en plus des cytoplasmes effilochés avec des petits trous dans le cytoplasme, qui traduit donc en plus une anomalie de l'hémoglobinosynthèse. Alors, juste un petit mot sur la coloration de Peirce pour visualiser les sidéroblastes en couronne. C'est une technique cytochimique qui vise à faire précipiter, pardon, le fer non hémoglobinique par le ferrure de potassium sous forme de grains bleu vert que vous pouvez voir dans le cytoplasme. Et en fonction du nombre de grains observés, eh bien, trois types de sidéroblastes sont identifiés. Donc, pour ce qui nous concerne les sidéroblastes en couronne, la définition, c'est qu'il faut 5 grains bleu vert enfin, périnucléaires qui sont consécutifs et qui représentent au moins un tiers de la circonférence nucléaire. Classiquement, elles se répartissent tout autour du noyau, d'où leur nom de sidéroblastes en couronne, et ils traduisent une accumulation de fer dans les mitochondries périnucléaires, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'incorporation du fer dans la protoporphyrine 9 et du coup, plus de synthèse d'hémoglobine. Alors, ces moelles sont riches et parfois il existe une hyperplasie érythroblastique, donc on entend par là avec au moins 50% d'érythroblastes dans la moelle osseuse. Et généralement, quand il y a donc ce seuil de 50% qui est atteint avec une dyserythropoïèse marquée, c'est assez caricatural de ce qu'on appelait autrefois l'anémie réfractaire sidéroblastique, mais maintenant la terminologie a changé. Et puis, on fait aussi allusion à la problématique de cette hyperplasie érythroblastique en présence d'un excès de blastes. Et depuis 2016, en fait, la catégorie des érythroleucémies de type M6A qui existait autrefois a disparu, c'est-à-dire qu'avant, donc, il existait une hyperplasie érythroblastique représentée ici très importante avec un excès de blastes qui, lorsqu'il était supérieur à 20% des cellules non érythroblastiques, permettait de classer les patients en érythroleucémie, M6A. Depuis 2016, donc, ce seuil de blast est à interpréter par rapport à la cellularité totale, ce qui fait que les anciennes érythroleucémies de type M6A, autrefois, sont maintenant reclassées en syndrome myélodysplasique avec excès de blast, plutôt de type 2 d'ailleurs. Alors, ce myélogramme est riche dans la majorité des cas. Ça veut dire qu'il existe quand même des cas où la moelle va être pauvre. Et là, la problématique de classement va se poser, à savoir, est-ce qu'il s'agit véritablement d'un syndrome myélodysplasique à forme hypoplasique ou alors d'un syndrome myélodysplasique avec myélofibrose? Donc, en général, pour les SMD avec myélofibrose, il existe des signes indirects sur le frottis sanguin qui nous orientent vers le diagnostic. Et quand c'est pas le cas, donc on peut avoir un problème diagnostique entre une forme hypoplasique vraie et une aplasie médullaire. Et donc là, la BOM s'impose pour pouvoir donc préciser le diagnostic et affirmer qu'il s'agisse d'un syndrome myélodysplasique à forme hypoplasique. Généralement, donc, ce qui est décrit depuis longtemps, c'est qu'ils sont de meilleurs pronostics que les syndromes myélodysplasiques à moelle riche, et par contre que la survie est un peu plus mauvaise que les aplasies médullaires. Donc ça, c'est un papier relativement récent qui confirme ça. En tout cas, l'OMS recommande de classer ses patients à l'identique des formes riches, c'est-à-dire qu'on donnera le nom qu'on aurait donné à un syndrome myélodysplasique à moelle riche et qu'il faudra simplement préciser qu'il s'agit d'une forme hypoplasique dans le compte-rendu, puisque l'OMS reconnaît cette catégorie, mais ne l'identifie pas en tant qu'entité justement dans la classification OMS. Alors pour les SMD avec myélofibrose, eh bien,
On peut être embêté par rapport au diagnostic différentiel d'un syndrome myéloprolifératif. Donc, la BON est vraiment importante pour préciser le diagnostic et aussi pour grader la fibrose. Et donc, la fibrose se grade de 0 à 3, 3 étant le facteur le plus mauvais. Et donc, récemment, donc c'était connu que cette fibrose est un facteur de mauvais pronostic, et c'est encore confirmé sur une grande série de patients ici, où cette fibrose de grade 3 est donc de plus mauvais pronostic que la fibrose de grade 2 et bien sûr des fibroses moins importantes. Et ce qu'il est remarqué, c'est que ces fibroses de grade 3 sont des myélodysplasies avec un excès de blastes, un caryotype complexe et des anomalies de P53. Alors, juste pour vous illustrer tout ceci, c'était l'exemple d'un syndrome myélodysplasique à moelle pauvre, en tout cas sur le myélogramme. Et dans le cas, premier cas, la BOM a révélé, comme vous pouvez le voir, une moelle riche avec un excès de blastes. C'est-à-dire qu'on peut être non seulement en difficulté pour le diagnostic différentiel avec une aplasie médullaire, mais il existe une possibilité aussi s'il y a une petite hémodilution, ben, ça peut compliquer la tâche. Et donc, dans ce cas-là, il s'agissait d'un myélogramme partiellement hémodilué qui gênait l'interprétation de la richesse. Et vous voyez donc ce qu'il en est ressorti à la BOM. Et puis, donc, dans la majorité des cas, ce syndrome myélodysplasique à forme hypoplasique au niveau de la moelle est cohérent avec ce qui est observé à la BOM. On voit donc quasiment aucun espace médullaire riche en cellules. Il n'y a pratiquement que du gras, si je puis dire ainsi. Et donc, quand on fait une coloration par immunohistochimie et qu'on marque le CD34, eh bien, ça révèle, comme ici, donc un excès de blastes. Un petit exemple de myélodysplasie avec fibrose qui est obtenue par deux types de coloration, le trichrome et ici la rétuculine qui est à son maximum, donc avec vraiment très peu de cellules observables entre ces mailles de réticuline. Alors, une étude un peu ancienne, mais qui était intéressante, qui avait été faite sur une grande série de patients, montrer que généralement, il n'y a pas de corrélation entre la dysplasie et la profondeur de la cytopénie. Les anomalies les plus fréquentes qui avaient été décrites dans ce papier étaient la présence de sidéroblastes en couronne, une amysoplakétose et un trouble de la maturation granuleuse. Et puis, ce qui était remarqué, et c'est vrai qu'on l'observe dans notre pratique, c'est qu'il existe une bonne corrélation entre l'aggravation de la cytopénie et l'aggravation de la dysplasie. Une question qui se pose, et c'est est-ce qu'il existe finalement une concordance entre la cytopénie et la lignée dysplasique? Alors, ce n'est pas très évident d'y répondre parce que une étude d'Emmanuel Jean et de Valérie Andrieux sur les patients du registre du groupe francophone des myélodysplasies avait montré que finalement, devant une cytopénie isolée, il n'y avait pas tellement de moelle avec dysplasie unilignée. Il avait remarqué sur les patients du GFM, et puis ça a été contrôlé sur une autre population conjointement avec les Allemands et les Italiens, de sorte que sur les 594 patients qui avaient une cytopénie isolée, finalement, seuls 57 patients ont une dysplasie unilignée. Donc, c'est plutôt rare et ça veut dire finalement qu'en présence d'une cytopénie, il est fréquemment observé finalement une dysplasie sur deux lignées. C'était le cas dans le papier. Alors, de façon intéressante, il existe des corrélations entre la cytologie et la cytogénétique. Ici, il existe donc sur cette image un polynucléaire pelguérisé, comme on a vu, pseudo-pelguérisé, comme on a vu tout à l'heure, avec des vacuoles intracytoplasmiques qui corrèlent avec la délétion 17P, donc de P53, c'est ce qu'on appelle le syndrome 17P-. Et généralement, une bonne partie de ces patients ont une mutation P53 sur l'allèle controlatéral. Ici, il s'agit d'un érythroblaste en toile d'araignée, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, qui, lorsqu'on observe ça sur la moelle, on sait qu'à la coloration de Peierls, on va retrouver des sidéroblastes en couronne.
et qui est corrélée à la mutation de SF3B1, c'est-à-dire que il est maintenant montré que SF3B1 a une bonne valeur prédictive positive de la présence des sidéroblastes en couronne. Je vous ai parlé de ce mégakaryocyte hyposegmenté avec ce petit noyau qui contraste avec le grand cytoplasme qui est corrélé à l'anomalie DEL5U, donc la délétion du bras long du chromosome 5. Et ici, il existe un petit chapelet de micro-mégakaryocytes regroupés dans des amas de plaquettes avec des petits mégakaryocytes à noyau bi ou trinucléé, donc de très petite taille. Il y en a partout, ils sont très nombreux. Ça s'accompagne dans le sang d'une anisoplakettose avec des plaquettes ici dégranulées qui est corrélée en fait à l'inversion du 3 ou une anomalie 3Q26, c'est-à-dire qui implique EVI1 sous forme d'inversion ou de translocation réciproque. Alors, la classification de l'OMS va se baser sur tout ce qu'on vient de voir. Et donc, c'est-à-dire précisément suivant le nombre de cytopénies, le nombre de lignées dysplasiques, la coloration de Peirce, le pourcentage de blastes sanguins et médullaires, et quand même l'analyse cytogénétique. Ainsi, 9 catégories sont identifiées. Les myélodysplasies sans excès de blastes ou de faible grade, représentées par les unilignées sans et avec sidéroblastes en couronne. Les myélodysplasies avec dysplasie multilignée sans et avec sidéroblastes en couronne, l'entité avec délétion 5Q qui est vraiment à part, l'entité avec excès de blastes séparée en deux selon le pourcentage de blastes sanguins et médullaires, les inclassables quand on n'arrive pas à faire entrer tout ça dans les cases, et les myélodysplasies de l'enfant vous avez une présentation à ce sujet, donc je n'en parlerai pas. Donc, concrètement, la catégorie des myélodysplasies sans sidéroblastes en couronne pour l'entité avec dysplasie unilignée, bah, ça veut dire qu'une seule lignée est dysplasique avec une ou deux cytopénies, mais sans excès de blastes, ni sanguins et ni médullaires, et sans la présence de cordoueurs. Et la catégorie multilignée représente donc les myélodysplasies avec deux lignées dysplasiques au moins, quel que soit le nombre de cytopénies, et toujours sans excès de blastes sanguins et médullaires et sans cordoueur. Ici, c'est l'exemple d'une dysplasie érythroblastique et aussi un petit peu sur ce précurseur granuleux. Alors, il arrive que les dysplasies multilignées présente un petit excès de blastes circulant, c'est-à-dire entre 2 et 4%. À ce moment-là, ils ne peuvent pas être classés dans cette catégorie, et il faut les classer en myélodysplasie avec excès de blastes de type 1. La catégorie des sidéroblastes en couronne reprend exactement les critères précédents. À cela s'ajoute la présence de sidéroblastes en couronne d'un seuil de 15% au moins. Et si ce n'est pas le cas, mais que ces sidéroblastes sont présents dans une quantité minimum de 5%, eh bien, si la mutation de SF3 est présente, eh bien, c'est un équivalent et le patient peut être classé dans cette catégorie. Alors, les inclassables sont réservés à ce que, c'est qu'il est possible, enfin, quand on ne peut pas classer dans les catégories précédentes, on fait référence à ces inclassables. Il y a trois entités. C'est-à-dire qu'il arrive que lorsqu'il existe une seule lignée dysplasique, eh bien, trois cytopénies soient observées. Donc, on ne peut pas classer en dysplasie unilignée. Et ce, quel que soit le nombre de sidéroblastes présents, mais par contre, il faut qu'il n'y ait pas d'excès de blastes ni dans le sang, ni dans la moelle. À ce moment-là, donc, trois cytopénies et une lignée dysplasique permettent de classer donc, dans la catégorie des inclassables. Il arrive, comme je vous ai dit, que les myélodysplasies sans et avec sidéroblastes et couronnes ne devaient pas avoir d'excès de blastes dans le sang. Eh bien, il est possible que 1% de blastes soit détecté, d'où l'importance de confirmer sur un deuxième prélèvement donc, ce pourcentage de blastes. Donc, il arrive qu'on ne puisse pas les classer ces patients dans les catégories précédentes à cause de ce pourcentage de blastes. Et donc, à condition toujours, bien sûr, qu'il n'y ait pas d'excès de blastes dans la moelle osseuse. Et il apparaît que c'est plutôt une catégorie de plus mauvaise, c'est-à-dire qui évolue plus rapidement vers
une évolution en syndrome myélodysplasique et une transformation, pardon. Alors, pour il arrive, pardon, dans certaines situations, par contre, que le myélogramme ne soit pas contributif, c'est-à-dire que la cytologie n'a pas permis de poser le diagnostic de syndrome myélodysplasique. À ce moment-là, il arrive que la cytogénétique puisse mettre en évidence une anomalie cytogénétique associée ou reliée au syndrome myélodysplasique. Donc, s'il n'existe pas d'excès de blastes, quel que soit le nombre de sidéroblastes en couronne comptée, mais en présence d'une ou plusieurs cytopénies, la présence de cette anomalie cytogénétique permet de classer le patient en syndrome myélodysplasique, mais dans la catégorie des inclassables. Pour l'entité avec des lésions 5Q isolées, c'est une entité donc sans excès de blastes. C'est ce qu'on appelait autrefois le syndrome 5Q-, c'est-à-dire la même chose, mais classiquement, dans la définition, il fallait donc le caractère, l'anémie était importante et c'est généralement un terrain féminin avec une anémie macrocytaire régénérative et une thrombocytose. Donc, en tout cas, en 2016, une ou plusieurs lignées sont dysplasiques. Par contre, il faut seulement une ou deux cytopénies et absolument pas d'excès de blastes ni dans le sang ni dans la moelle, et ce, quel que soit le pourcentage de sidéroblastes en couronne. Donc ça, cette morphologie fait suspecter une anomalie d'L5Q qui permet donc par la cytogénétique d'affirmer cette entité, et une anomalie additionnelle est possible à l'exception d'une anomalie qui implique le 7 sous forme de monosomie ou de D7Q. Pour la catégorie avec excès de blastes, alors là, vous voyez, peu importe le nombre de lignées dysplasiques et peu importe le nombre de cytopénies, c'est donc le pourcentage de blastes sanguins et médullaires qui va classer. Donc, pour les myélodysplasies avec excès de blastes de type 1, le pourcentage de blastes dans le sang est compris entre 2 et 4 % ou dans la moelle entre 5 et 9 % et il ne faut pas de corps de rouleur dans les blastes. Pour les myélodysplasies avec excès de blastes de type 2, la définition, c'est un pourcentage compris entre 5 et 19 % dans le sang ou 10 et 19 % dans la moelle, et ou la présence d'un corps de Rohr, c'est-à-dire que même s'il y a un excès de blastes qui rentre dans cette catégorie, eh bien, s'il y a des corps de Rohr, le patient est classé en type 2. Alors, ici, ceci montre des images avec un excès de blastes que je pointe rapidement par la flèche et des signes de dysgranulopoïèse sur tous les précurseurs et un mégakaryocyte complètement anormal avec noyau disloqué. Alors, j'en ai terminé avec la cytologie des syndromes myélodysplasiques et j'aime bien cette phrase qui avait été dite il y a un petit moment, mais qui reste d'actualité dans la mesure où bien sûr que la cytologie, bien sûr que le séquençage est une aide précieuse dans le support diagnostique d'un syndrome myélodysplasique, mais ces critères ne sont pas toujours, entre guillemets, officiels dans la classification OMS, c'est-à-dire que pour l'instant, elle se base encore sur la cytologie et un tout petit peu sur la cytogénétique. Mais on va probablement bien avancer dans les années à venir. Alors, pour les syndromes frontières, les syndromes myélodysplasiques et les syndromes myéloprolifératifs. Alors, ce sont des hémopathies malignes clonales issues de la cellule souche hématopoïétique qui, comme son nom l'indique, associent des critères clinico-biologiques, tantôt dysplasiques, tantôt prolifératifs, si je puis dire ça comme ça. La cytologie est bien entendu nécessaire à leur diagnostic, mais elle ne suffit pas puisqu'il faut absolument les données de la cytogénétique et de moléculaire pour affirmer une entité frontière, quelle qu'elle soit. Donc, cinq catégories sont identifiées dans l'OMS, une chez l'enfant, et je ne vais pas en parler puisque ça va vous être présenté, et quatre chez l'adulte. Ce sont des hémopathies rares,
la LMMC est la plus fréquente de ces entités. Alors, juste pour vous illustrer la diapo précédente, c'est-à-dire que la cytologie n'est plus suffisante puisqu'il faut finalement éliminer tous les autres syndromes myéloprolifératifs. C'est-à-dire qu'il faut éliminer une LMC, il faut éliminer les SMP non LMC, c'est-à-dire une polyglobulite vaquèse, thrombocythémie essentielle, myélofibrose primitive. Il faut exclure les néoplasies lymphoïdes et myéloïdes associées à une éosinophilie et qui donc s'associent à ces différents réarrangements. Et donc pour la catégorie des SMD-SMP avec sidéroblastes en couronne et thrombocytose, il faut de plus éliminer les anomalies cytogénétiques qui sont reliées à ou associées à une thrombocytose, on en a déjà parlé tout à l'heure, les anomalies ici impliquant FV1, 3-3 ou INF3 et la délétion 5U. Donc, d'où l'importance de la cytogénétique et de la biologie moléculaire dans cette classification de syndrome frontière. Alors, pour en revenir plus précisément à la cytologie des syndromes myélodysplasie proliférative, ça veut dire que nous allons observer à la fois des critères dysplasiques et proliératifs sur la numération, la formule sanguine, le myélogramme, la coloration de Peierls et la biopsie ostéomédulaire, qui là, cette fois-ci, est importante pour documenter le caractère proliératif. Alors, comme je ne savais pas. Il y a eu beaucoup de changements, enfin des petits changements sur le temps. J'ai en fait résumé en deux diapositives à peu près tout ce qu'il faut remarquer de dysplasique ou de proliératif sur un hémogramme et sur un myélogramme ou BOM. En tout cas, c'est finalement en quelque sorte la démarche diagnostique que nous aurions, nous les cytologistes, c'est-à-dire commençons par la numération et pour le versant proliératif. Eh bien, la leucocytose, est-ce qu'il existe une hyperleucocytose? Eh bien oui, une leucocytose à type d'hyperleucocytose à polynucléose neutrophile est caractéristique de la LMC atypique. C'est un critère qui l'a défini et donc tout ce qui est en rouge est un critère obligatoire dans la définition. Cette hyperleucocytose est variable dans les deux autres entités, généralement peu élevée ici dans les formes sidéroblastes en couronne et thrombocytose et plus spécifiquement associée à la mutation JAK2. Et dans la LMC, cette leucocytose est variable et c'est un bon reflet du côté tantôt dysplasique, tantôt proliératif. C'est que l'OMS maintenant recommande d'identifier les deux variants. Le variant proliférative, si la leucocytose est supérieure ou égale, et j'ai oublié le égal ici, de 13 gigas par litre, et un versant dysplasique si c'est inférieur à 13 gigas par litre. Pour les éléments proliératifs, qu'est-ce que l'on peut observer? Une myélémie. Et cette myélémie est un critère de la LMC atypique. Elle doit être présente et supérieure ou égale à 10%, ce qui veut dire qu'il est possible d'observer une myélémie dans la LMMC, bon, possiblement dans la forme ici avec sidéroblastes en couronne et thrombocytose, mais plus rarement. Et d'ailleurs, les myélémies sont plutôt observées, surtout quand elles sont importantes, dans les formes proliératives. Concernant la monocytose, c'est un critère obligatoire pour, entre guillemets, en tout cas parmi les cinq critères de la LMMC, il faut qu'elle soit supérieure à 1 giga par litre ou supérieure ou égale à 10%, ce qui veut dire qu'une monocytose est possible dans la LMC, mais vous voyez, elle doit être inférieure à 10%, en tout cas si elle est présente, et c'est un critère donc qui définit la LMC atypique. Une basocytose est classiquement observée dans les syndromes myéloprolifératifs, c'est le cas ici, mais jamais très importante, puisque là aussi, il y a un critère quantitatif important. Pour la LMC atypique, eh bien, ce seuil doit être inférieur à 2%. Et dans les deux autres entités, eh bien, il est possible de remarquer une petite basocytose. La dernière chose sur la numération formule, c'est bien sûr l'existence d'une thrombocytose, qui est un critère qui va définir cette entité ici avec sidéroblastose et thrombocytose, et qui peut être aussi observée à un moindre degré dans les autres hémopathies. Pardon, mais voilà. Alors, pour le versant dysplasique, si je puis dire,
de la numération, eh bien, ce sont les cytopénies. Alors, évidemment, les cytopénies sont possibles de partout. Elles sont généralement corrélées à un impact défavorable et c'est un critère qui définit ici l'entité sidéroblaste en couronne thrombocytose. L'anémie, c'est donc obligatoire. Pour ce qui est du pourcentage de blastes, il est possible uniquement dans les formes de LMMC et de LMC atypique, toujours inférieur à 20%, et dans la LMMC, comme pour les syndromes myélodysplasiques, le frottis sanguin est important pour préciser le décompte dans le sang, puisque ça va être utile pour le classement de la LMMC. Alors, pardon, mais il y a un petit couac. Pour la cytomélogie médullaire, donc, qu'est-ce que nous allons observer? Eh bien, généralement, il s'agit d'une moelle riche, voire même très riche. En tout cas, l'hypercellularité avec une hyperplasie de la lignée granuleuse est un critère de la LMC atypique. Et donc, pour les deux autres entités, ce qui est remarqué, c'est qu'il existe bien sûr une hyperplasie, mais aussi une dystrophie des mégakaryocytes qui est habituellement celle observée. Donc, pour l'entité ici thrombocytose-sidéroblastose, les mégas sont de type thrombocytémie essentielle ou myélofibrose primitive. Et à l'inverse, la dystrophie des mégas pour les deux autres entités est possible. Donc, il peut y avoir, généralement, il est observé des petits mégakaryocytes de type LMC. Et en fait, ce qui attire l'œil pour le cytologiste, c'est justement cette hypercellularité, ces petits mégakaryocytes donc hyposegmentés de type LMC, qui, associés à une dysgranulopoïèse, va donc non pas nous orienter vers une LMC, mais plutôt une LMC atypique. Donc, j'en viens à vous parler donc de la dysplasie, qui est donc un critère obligatoire qui définit toutes ces entités, d'une ou plusieurs lignées pour la LMMC, de la dysgranulopylièse obligatoirement dans la LMC atypique, mais celle-ci peut être isolée ou associée à d'autres dysplasies, enfin des autres lignées myéloïdes, et évidemment dans l'entité avec sidéroblastes en couronne et thrombocytose, évidemment qu'il y a une dyserythropoïèse puisqu'il y a des sidéroblastes en couronne dont le seuil doit être de 15% et c'est un critère qui définit cette entité. L'excès de blastes, comme dans le sang, est possible pour les formes ici de LMMC et LMC atypique, toujours inférieur à 20%. Mais par contre, pour la forme avec thrombocytose et sidéroblastose, il n'y a pas d'excès de blastes, ni dans le sang, ni dans la moelle. Alors, pour couronner le tout, classiquement, dans les LMMC, il existe, donc la définition c'est une monocytose sanguine, donc il existe obligatoirement une monocytose médullaire, c'est pas un critère qui la définit obligatoire, mais forcément elle y est à partir de 5% de monocytes dans la moelle, mais par contre elle est en quantité variable et la monocytose donc peut s'observer généralement, enfin c'est vrai que en petite quantité, mais habituellement elle existe dans les moelles des LMC atypiques. Et il peut être parfois difficile de faire la part des choses entre une LMMC et une LMC atypique, et surtout si on n'a pas la numération forme sanguine, puisque vous avez vu, cet hémogramme et cette forme sanguine vraiment apportent des éléments importants pour les critères diagnostiques de ces entités. Alors, je ne vais pas détailler parce que j'ai presque fini, c'était juste pour résumer les critères diagnostiques et la cytologie en trois diapositives. La seule chose que je voulais ajouter, c'est que donc pour la LMMC, il y a cinq critères qui la définissent, que vous allez revoir bien sûr, mais qu'il arrive parfois que la dysplasie ne soit pas observée, comme pour les myélodysplasies, et que du coup, on peut la mise en évidence d'une anomalie clonale par le karyotype ou par la biologie moléculaire, ben, peut concourir au diagnostic. Et puis, si ce n'est pas le cas, le simple fait d'avoir une monocytose sanguine circulante qui est chronique et sans étiologie retrouvée, en plus, bien sûr, de tous ces critères, va suffire à poser le diagnostic. Un petit mot sur le décompte des glaces
des blasts pour rajouter que dans ce décompte, en plus des blasts dont j'ai parlé tout à l'heure, se rajoutent ici les précurseurs des monocytes, les promonocytes. Et juste pour illustrer la difficulté diagnostique parfois, ici c'est une LMMC avec une moelle riche et des mégakaryocytes dysplasiques. Eh bien, il peut être parfois difficile de différencier les précurseurs monocytaires des précurseurs granuleux, surtout lorsque la dysplasie est très importante, et généralement plus la dysplasie est importante, plus c'est difficile, comme sur ce cas ici. Bon, là c'est une petite série de précurseurs monocytaires avec on le voit assez bien, des précurseurs granuleux anormaux, et là une fois de plus près, donc une série de monocytes et précurseurs avec ici un petit précurseur granuleux enchevêtré. Je n'ai pas grand-chose à dire sur la LMC atypique. On a quasiment tout vu tout à l'heure dans les critères. Et puis, pour la forme avec sidéroblastes en couronne et thrombocytose, juste à tout ce que j'ai dit précédemment, en fait, je rajoute que la mutation de SF-TRA-B1 est un critère qui va permettre de classer les patients, c'est un critère, hein, mais si elle n'est pas présente, elle n'exclut pas le diagnostic. Bon, ben, par contre, il faut exclure tout ce qui peut, voilà, toutes les étiologies qui pourraient être responsable donc des aspects prolifératifs et dysplasiques, mais en tout cas ça n'exclut pas le diagnostic. Et donc dans ces formes-là, généralement les patients sont mutés JAK2 dans 50% des cas. Voilà ici des mégakaryocytes en cluster, très nombreux au faible grossissement, de très grande taille avec un noyau multiforme, vraiment plurinucléé, un grand cytoplasme. Ici, très caricatural des syndromes myéloprolifératifs avec ici cet aspect en corne de serre et la coexistence ici des anomalies érythroblastiques et sidéroblastes en couronne. Et pour terminer, les syndromes myélodysplasiques prolifératifs inclassables, eh bien en fait, c'est, comme je vous le disais, l'exclusion de tout ce qu'on a vu précédemment et de l'exclusion des syndromes myéloprolifératifs. Voilà, j'ai fini. J'avais mis je sais qu'on va vous en parler, mais voilà, je l'avais mise quand même pour, voilà, comme ça vous les avez ici aussi, les critères de la LMMJ, mais je ne vais pas en parler. Voilà, je pense que je suis dans le timing, j'ai terminé. Hop, merci de votre attention. Eh bien, merci beaucoup du coup pour cette présentation qui était très claire sur les différents types de cytologie des SMD. Alors, en fait, au niveau des questions, le module là pour poser des questions ne fonctionne pas, mais par contre, vous pouvez poser des questions dans le chat. Vous avez une languette vide. Alors, pour l'instant, je ne vois pas de questions. Moi non plus. Enfin, moi, peut-être que je ne peux pas voir les questions. Petit dans le chat, normalement, vous pouvez les voir. Ouais, bah, je ne vois rien. Ouais. Alors, je ne sais pas, Linka, si tu avais des questions de ton côté. Alors, du coup, Pierre-Edouard vient de poser une petite… vient d'écrire dans le module question. Le module question, en fait, nous, on ne peut pas y écrire, mais vous, par contre, vous pouvez y écrire tous, donc on peut les lire. Moi, j'avais une petite question qui a peut-être… qui est un peu sans transition avec le reste, mais c'est un petit peu mon obsession du moment, avec le syndrome qui a été décrit là, il n'y a pas très longtemps, le syndrome VEXAS, qui sont liés aux mutations de UBA1, et qui décrivent des inclusions en cytologie. En fait, moi, je me demandais si les inclusions dans les précurseurs, si vous les voyez dans d'autres circonstances, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut dire assez spécifique, finalement, du VEXAS? Ben, c'est une bonne question. Ouais, c'est pas évident à répondre parce que, en fait, on a commencé, nous, enfin, en tout cas, ici, à l'Institut Polycalmette, enfin, j'ai commencé un petit peu à regarder, à reprendre les lames de façon rétrospective. Finalement, alors oui, on voit très bien les vacuoles dans les précurseurs, il n'y a pas de problème. Dans les érythroblastes, dans les granuleux, mais en dehors de ces cas, en fait, les vacuoles, on en voit beaucoup, beaucoup, beaucoup dans d'autres circonstances qui ne sont pas du tout en rapport d'ailleurs avec un syndrome myélodysplasique.
De sorte que ça peut même être artefacté. Voilà, il peut y avoir des artefacts. Et c'est ce que j'étais en train de me dire, la difficulté de la valeur de ces vacuoles sur, finalement, d'un point de vue cytologique. Parce que les vacuoles, de toute façon, ça a toujours été décrit un petit peu partout d'un point de vue cytologique. C'est ce que j'ai lu. Mais en tout cas, en dehors des syndromes myélodysplasiques et aussi. J'ai remarqué sur des sangs un petit peu artéfactés ou des moelles dans de mauvaises conditions, on pouvait avoir aussi des vacuoles. Alors voilà, donc là, moi, j'en suis au début de la réflexion sur le sujet. Donc, je ne peux pas répondre plus précisément là-dessus. En tout cas, elle se voit très bien sur les précurseurs, il n'y a pas de problème. La problématique va se poser, donc, qu'est-ce qu'on va faire de ces vacuoles quand on va les voir en dehors des myélodysplasiques? Voilà. D'accord, merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. Alors, Merci. par contre. Si finalement on n'a pas d'autres questions, on va enchaîner du coup sur la deuxième présentation par le professeur V sur la classification pronostique des SMD. Je vais vous transmettre le partage d'écran. Alors, est-ce que vous me voyez ou vous m'entendez? Alors, on vous entend, mais on ne vous voit pas. Alors, peut-être que j'active la caméra. Ça se fait, ça? Oui, c'est mieux ça. Oui, OK. parfait. Le partage d'écran fonctionne, c'est bon? Écoutez, oui, c'est bon. On voit bien notre écran. Ouais. Alors, si vous voyez, ouais, par contre, si vous voyez l'écran, vous devez voir que vous enlève ça du milieu. Hop. On est bon? Oui, c'est bon, là, on voit C'est bien. bon? OK, parfait. Donc, on va commencer. Donc, bonjour, bonjour à tous et toutes. On m'a donc chargé de la tâche ingrate de vous parler de l'évaluation du pronostic des syndromes myélodysplasiques. Moi, j'ai toujours eu l'impression que moins on avait d'options de traitement dans les maladies et plus on passait du temps à se préoccuper du pronostic. Et bon, c'est pas totalement faux quand même. Alors, j'ai un petit problème là pour passer. Voilà. OK, c'est bon, c'est parti. Ceci dit, donc vous l'avez, enfin, je pense que les choses sont assez claires pour tout le monde sur l'importance de se préoccuper du pronostic et en particulier dans les maladies chroniques. Cette problématique-là, elle est spécialement vraie pour les syndromes myélodysplasiques. Il y a une autre dimension dans l'étude du pronostic et des classifications dans les maladies où il y a peu d'options thérapeutiques, c'est pour reprendre une formule de Emil J. Freyreich, qui est un des pères de l'oncohématologie moderne, c'est be prepared for success. C'est-à-dire que, OK, il ne se passe rien en ce moment, mais si on a des files de patients qui sont bien connues, des bases de données qui sont claires, des collections d'échantillons, qu'on sous-découpe en sous-entités, etc., le jour où il y a un traitement qui déboule, à ce moment-là, on est prêt à évaluer de façon plus précise les effets du médicament, éventuellement identifier des sous-groupes qui ont plus de chances de répondre, etc. Un exemple pour ça, c'est dans les syndromes myélodysplasiques, c'est le jour où le Revlimid a été étudié dans une phase 1. À cette époque-là, bon, il y avait tous les patients avaient un karyotype, en tout cas dans le centre où l'étude a été faite, et les investigateurs rapidement se sont aperçus que il y avait dans les répondeurs, il y en avait dans les premiers répondeurs, c'était des patients qui avaient une délétion 5Q, et donc après ils ont recruté des patients avec une délétion 5Q et ils ont pu montrer que le produit marchait dans cette situation-là. Alors, dans les syndromes myélodysplasiques, donc il ne vous a pas échappé qu'il y a une certaine hétérogénéité de la maladie et que finalement, sur le plan clinique, quand on voit un patient au diagnostic, c'est un peu difficile de savoir où il va se situer dans le spectre entre les formes les plus paisibles, les plus indolentes de syndromes myélodysplasiques qui sont caractérisées par des cytopénies isolées, peu évolutives, et puis à l'autre bout du spectre, des maladies où il y a un excès de blast et une transformation imminente en leucémie aiguë.
Imaginez que si vous prenez deux groupes de patients qui ont, rentrent dans la maladie avec une anémie et une thrombopénie, mettons à 80 gigas de plaquettes, en fonction de ce que, enfin, ce que vous savez maintenant, ou en tout cas qu'on va développer, c'est en fonction du karyotype et du pourcentage de blast dans la moelle. Dans ces deux groupes de patients, vous pouvez avoir des patients qui auront une survie médiane de l'ordre de 7 à 8 ans ou de 6 mois. Vous voyez, et donc ça, on a besoin de ces outils-là pour l'objectiver. Donc les scores pronostiques, enfin les facteurs pronostiques vont aider à choisir faire les décisions de traitement, à la fois pour savoir qui doit être traité ou à quel moment le patient doit être traité. C'est le cas aussi dans les syndromes myélodysplasiques, par exemple avec la problématique de la transplantation. Pouvez-vous dire un patient qui a un donneur et qui est jeune, qui a un syndrome myélodysplasique, ce patient-là, il sera greffé un jour. La question, c'est quand le bon moment pour y aller. Et puis, le comment, puisqu'on peut aussi analyser, mettre en évidence des facteurs prédictifs de la réponse à tel ou tel traitement. Alors, ce qu'on appelle les systèmes de stratification, donc des scores qui sont mis au point, donc c'est utile quand dans les maladies comme les syndromes myélodysplasiques, où vous avez... finalement, l'évaluation du pronostic, elle est multiparamétrique. Donc, vous avez plusieurs variables qui vont prédire l'évolution des patients. Donc, vous ne reposez pas sur un seul paramètre. Et du coup, dans le cerveau du clinicien, ces paramètres-là, ils vont se mélanger et vous pouvez prendre des décisions erronées ou qui, en tout cas, ne seront pas reproductibles. Donc là, les systèmes de score, c'est finalement une façon d'objectiver ça et vous affectez des points à chacune des variables. Vous allez à la sortie, vous calculez un score et le score vous dit au risque, bas risque, intermédiaire, etc. Donc ces scores-là, en tout cas, ils doivent être précis, ils doivent être reproductibles, évidemment, et ça va être très utile en recherche clinique, par exemple, pour comparer les résultats d'une étude à l'autre. Et puis, il y a aussi la notion de... le score doit être pratique, c'est-à-dire il doit être facile à utiliser par les cliniciens, parce que sinon, il ne sera pas utilisé tout simplement. Alors justement, dans les syndromes myélodysplasiques, des scores pronostiques, vous voyez, on n'est pas privé. Là, je vous en montre 5 qui ont été développés au cours des dernières années. En fait, il y en a probablement plus que ça, hein, si on gratte un peu. Mais bon, c'est ceux qui sont les plus importants, les plus régulièrement cités. À gauche, le score du MD Anderson. Un autre score du MD Anderson qui est le score spécifique pour les formes de bas risque. On en reparlera un petit peu plus tard. Un score qui a été mis au point proposé par un groupe italien qui s'appelle le WPSS. Donc le W parce qu'il repose sur la classification WHO, donc la classification OMS, que je ne développerai pas parce qu'il n'a pas été retenu par l'histoire, il a été supplanté par l'IPSS. Quoi qu'il en soit, ce WPSS, il avait le mérite de prendre en compte la dépendance transfusionnelle, ce qui n'avait pas été vu avant, et la dépendance transfusionnelle a un impact pronostique qui a été bien démontré. Et puis, l'autre élément important dans le WPSS, c'est que c'est un score qui est dynamique, c'est-à-dire qu'il reste valide même quand on avance dans le déroulement de la maladie. Le score IPSS, donc, c'est le score qui fait référence actuellement dans sa version révisée, mais je vous dirai deux mots de la version initiale pour que vous ayez une petite perspective historique. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, quand vous regardez les variables qui sont utilisées dans ces scores, bien en gros c'est à peu près les mêmes, les cytopénies avec plus ou moins leur profondeur ou la dépendance transfusionnelle qui est une autre illustration de la profondeur de la cytopénie, le pourcentage de blast dans la moelle, il y est dans tous sauf dans le WPSS où finalement il est masqué à l'intérieur de la classification OMS, et puis le karyotype l'âge reste évidemment une variable importante, surtout quand on est dans une maladie qui peut concerner des populations gériatriques où l'espérance de vie, évidemment, d'un 95 ans va être dépendante du fait d'avoir 95 ans, à peu près autant que d'avoir un syndrome myélodysplasique ou pas. Alors, donc, le score IPSS, donc, il a été publié en 1997.
Donc c'était une avancée importante à ce moment-là, puisque c'est voilà, la première tentative un peu organisée et de mettre de l'ordre dans l'évaluation pronostique des SMD. Le score a été mis au point à partir d'une cohorte de patients internationale qui comportait 800 ou 900 patients, si je me souviens bien. Donc, vous voyez qu'une cohorte qui était quand même relativement limitée. Tous les patients étaient évalués au diagnostic uniquement. Et les patients n'avaient pas reçu de traitement enfin, ou des traitements symptomatiques. Donc, c'est important aussi de connaître les conditions dans lesquelles ces scores sont établis, puisque la période de temps ou les traitements disponibles peuvent évidemment changer un petit peu la donne. Donc dans le score IPSS, donc il a dans sa version initiale, il a la beauté de la simplicité, trois variables indépendantes qui prédisent le pronostic, c'est-à-dire à la fois la survie globale, mais également le risque de transformation en LAM. Et ces variables, ce sont le pourcentage de blast, donc qui a été découpé là en moins de 5, 5 à 10%, 11 à 20, et à l'époque, donc on était avant la classification OMS de 2000, et donc les patients qui avaient entre 20 et 30% de blast avaient ce qu'on appelait à l'époque des anémies réfractaires avec excès de blast en transformation, donc c'était des SMD, d'où cette catégorie de 21-30% de blast qui n'a plus lieu d'être actuellement. La cytogénétique, donc divisée en trois catégories classiques, et les cytopénies, donc 0 ou 1 versus 2 ou 3. On affecte les points qui sont mentionnés au-dessus. Donc, ce que vous voyez tout de suite, c'est l'importance, le poids important du pourcentage de blast dans cette classification. Donc, parce que si vous avez un excès de blast à plus de 10%, vous avez 1,5 et 1,5, ça vous met directement dans la catégorie intermédiaire 2. Oui. Donc là, ici, c'est la traduction donc, en termes de survie médiane des différentes catégories qui ont pu être fabriquées avec donc les faibles, quatre catégories, faible, intermédiaire 1, intermédiaire 2 et haut. Vous voyez que les survies médianes vont de 60 à, enfin, vont de 4 mois pour le groupe le plus agressif à 60 mois. Donc, on voit bien qu'on a des maladies radicalement différentes qui se dessinent finalement avec ces catégories de risque. Et justement, d'ailleurs, une des conséquences importantes de la mise au point de ce score et de son application, ça a été d'en déduire des décisions thérapeutiques et des façons de manager les syndromes myélodysplasiques. Alors, donc le cerveau des cliniciens est fait de telle sorte que quatre catégories, c'est un peu compliqué pour lui. Donc, les gens sont dépêchés de prendre les quatre catégories, de les regrouper pour en faire deux. Donc, les catégories de faible risque qui regroupent les low et intermédiaires 1. Donc, vous voyez, ce sont des patients donc, qui ont des survies médianes qui sont comprises entre 3 et 6 ans. Et puis, les intermédiaires 2 et high avec des espérances de vie comprises entre 4 et 18 mois. Donc, là, ce sont des maladies agressives où on est prêt à prendre du risque thérapeutique. Et puis, ce qu'on s'aperçoit, en fait, c'est que les bas risques sont typiquement des formes où il y a généralement plutôt une seule cytopénie, pas d'excès de blast et des cytogénétiques non défavorables. Le problème de ces patients, finalement, c'est un problème plus de qualité de vie lié à la cytopénie, en particulier l'anémie, que à la quantité de vie. Et donc, les objectifs des traitements chez ces patients, c'est de corriger ces cytopénies avec des traitements de faible intensité, typiquement les agents stimulants l'érythropoïèse. Et les critères d'évaluation vont être des critères qui ont été inventés spécialement pour l'occasion, qui est ce qu'on appelle le hematologic improvement, c'est-à-dire la correction de l'anémie, de la neutropénie ou de la thrombopénie, ce qui est paraît tout à fait logique. À l'opposé, donc chez les hauts risques, donc typiquement des patients avec un excès de blast et ou une cytogénétique défavorable, chez ces patients-là, le problème, ce n'est pas la qualité de vie, ce n'est pas que la qualité de vie, mais c'est surtout la quantité de vie. Vous avez vu, l'espérance de vie, elle est très réduite. Donc là, on peut utiliser des traitements agressifs. Le but, c'est d'éradiquer le clone.
dégommer ces blasts, ce qui peut se faire avec de la chimio type LAM, de la greffe de moelle ou des agents déméthylants. Et donc, pour évaluer les résultats des traitements dans ces catégories-là, on va utiliser les critères de réponse des LAM, puisque finalement, si on veut virer les blasts, le bon critère de jugement, c'est la rémission complète qui reflète la disparition des blasts et la correction des cytopénies, donc l'hématologic improvement. Les limites du score IPSS sont assez vite apparues et donc le score a fait l'objet d'un certain nombre de critiques. La première, c'était qu'il n'était valide que pour des patients pris au diagnostic. Et quand vous êtes en consultation, vous voyez pour deuxième avis un patient qui a déjà 4 ans ou 5 ans d'évolution de son SMD de faible risque. Si vous calculez le score IPSS, vous commettez quand même une petite erreur méthodologique avec le risque de tirer des conclusions erronées. L'autre point, l'autre limite, c'est que les patients avec des SMD secondaires étaient exclus de l'analyse, donc de la cohorte qui s'appelait la cohorte IMRO. Et donc, du coup, même chose, vous avez un patient, une patiente qui a un SMD après un cancer du sein chimiothérapé, techniquement, l'IPSS n'est pas valide. L'autre chose plus importante, peut-être, c'est que il a été montré que le poids des blasts, donc qui est important, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, était surestimé par rapport au poids de la cytogénétique. Et du coup, les patients qui ont un excès de blasts peu important, mais des cytogénétiques défavorables, se retrouvaient, avaient un risque sous-estimé avec ce type de classification. Ou à l'inverse, ceux qui avaient un nombre de blasts un petit peu élevé, mais dans des cytogénétiques plus favorables, basculaient un peu trop vite du côté obscur. Ensuite, l'autre problème, c'est que dans cette cohorte de taille limitée, les anomalies cytogénétiques rares n'avaient pas de poids statistique permettant leur attribuer autre chose qu'un impact intermédiaire. Vous rappelez-vous toujours, dans ces classifications, où on va sortir des groupes favorables, intermédiaires, défavorables, le groupe intermédiaire n'est pas un groupe en soi, c'est un groupe défini par défaut qui est dû à une mixture de gens de favorables et de défavorables qui n'ont pas été identifiés. Et puis, la dépendance transfusionnelle n'avait pas été prise en considération, alors qu'il y a un certain nombre d'études, je vous montrerai tout à l'heure, qui montraient que ça avait un poids pronostique. Alors, pour aller plus loin là-dedans, sur le problème de la surestimation du poids des blasts, non seulement le poids des blasts était surestimé, mais l'évaluation de la blastose médulaire est un sujet qui mérite un peu de réflexion. Ce n'est pas une science exacte, comme vous l'a montré Véronique Gelsi auparavant, et il y a des problèmes de reproductibilité de l'évaluation du pourcentage de blasts. Et ce qui est montré là, c'est une étude du MD Anderson. Vous avez repris les moelles qui avaient été réévaluées au MD Anderson pour des patients qui avaient déjà eu une ponction de moelle dans un autre établissement moins spécialisé. Et donc, vous voyez que sur une série de 915 patients, il y en a 12% pour lesquels il y avait une discordance entre les blasts évalués dans le centre de référence par rapport à des centres moins experts. Et que, plus inquiétant, dans 77% des cas, après la réévaluation a fait reclassifier les patients vers une catégorie de risque IPSS plus élevée. C'est-à-dire que quand la discordance n'était pas sur 1% de blast, il est passé de 6 à 7. Non, c'était que les patients, ils étaient faible risque et ils passaient, sans excès de blast, et ils passaient avec un excès de blast supérieur à 10%. Donc ça, c'est une autre raison aussi pour remettre en question un peu cette classification. Alors sur le côté, sur la cytogénétique, donc du coup, il y a une grosse initiative internationale qui a réuni une cohorte de patients de 3500 et quelques patients, dont les résultats ont été publiés dans le JCO en 2012, et qui du coup proposait une nouvelle classification cytogénétique avec l'émergence de nouvelles anomalies cytogénétiques qu'on ne classait pas avant, et puis
un découpage plus fin, vous voyez en cinq catégories qui vont de très bon à très mauvais, avec des survies médianes de 60 mois pour les très bons à moins de 6 mois pour les très mauvais. Et c'est cette nouvelle classification cytogénétique qui a été intégrée dans la version révisée du score IPSS, donc qui a été publiée en 2012. Donc là, vous voyez ici donc comment ça se goupille, l'IPSS 2012. Donc c'est les mêmes variables que dans la version précédente. Le karyotype, le pourcentage de blastes et les cytopénies, mais l'affectation des points s'est faite différemment par rapport au précédent. Et vous le voyez, du côté des cytopénies, on n'est plus dans du on-off, mais on est là dans plusieurs catégories qui reflètent l'importance de la profondeur des cytopénies, ce qui du coup équivaut à intégrer la dépendance transfusionnelle, puisque vous voyez ici, si vous avez moins 8 d'hémoglobine, donc vous avez 1,5, et moins 8 d'hémoglobine, en général, vous êtes transfusé. Donc le score qui a été mis au point, c'est un score à 5 catégories cette fois-ci, avec des écarts finalement plus larges que ce qu'on avait vu avant dans les survies médianes. Et là encore, ça prédit à la fois la survie globale, mais également le temps de transformation vers la leucémie. Le fait d'avoir cinq catégories, c'est plus précis, mais c'est un boulet pour les cliniciens parce que du coup, c'est un peu compliqué de faire juste deux catégories avec ça parce qu'on a le petit problème de savoir si les intermédiaires doivent aller du côté des low ou du côté des high risk. Donc, c'est une petite difficulté et vous verrez tout à l'heure qu'il y a des initiatives qui sont mises en place pour essayer de les contourner. Donc ça, c'est juste la traduction visuelle des médianes de survie ou des temps pour la transformation en LAM de façon graphique et visuelle. Donc vous voyez que ça discrimine quand même assez bien et il est clair pour tout le monde qu'entre ça et ça, il y a quand même d'énormes différences et que les propositions thérapeutiques devront être adaptées. Alors, dans le passage de l'IPSS tout court au RIPSS, ça c'est un petit exemple pour montrer que ça peut faire quand même de grosses différences. Donc, vous avez une petite dame, profil classique de SMD, 71 ans, une tricytopénie avec des cytopénies quand même assez profondes, un tableau de SMD avec dysplasie multilignée, sans excès de blastes, avec une cytogénétique normale. Et si vous calculez l'IPSS, vous avez 0,5 points parce qu'il y a 3 cytopénies, 0 points parce qu'il n'y a pas d'excès de blast au-dessus de 5%, et 0 points parce que le karyotype est normal. Et donc, ça fait 0,5. 0,5. Et donc, c'est une catégorie low risk. Si vous appliquez le RIPSS, en fait, vous allez avoir 1,5 pour l'hémoglobine qui est à moins de 8, 0,5 pour les neutrons. Les plaquettes, 1 point, 1 point pour les blasts, 1 point pour le karyotype normal. Et vous sortez avec 5 points, c'est une forme de haut risque. Donc, vous voyez là, ça fait quand même, ça fait une sacrée différence. L'autre différence pratique aussi, qui n'est pas inutile de mentionner, c'est que l'IPSS, quand on l'a calculé 3 fois, on sait le calculer de tête. Le RIPSS, c'est impossible. Alors, la bonne chose, c'est que le RIPSS, donc, qui a été publié dans début des années 2010, c'est arrivé au moment où on avait tous déjà des smartphones avec la possibilité d'installer des applis qui calculent le score. Donc, on peut s'en servir sans trop de difficultés en pratique courante. Il y a d'autres variables pronostiques, d'autres variables qui ont une valeur pronostique dans les syndromes myélodysplasiques. L'âge, donc le score RIPSS, en fait, intègre l'âge des patients dans une deuxième couche, c'est-à-dire vous calculez votre score et après vous entrez l'âge et ça vous affine en fait le score. Les autres variables aussi qui étaient régulièrement rapportées, qui ont été retrouvées comme ayant une valeur pronostique indépendante dans l'analyse de la cohorte qui a permis de mettre au point le RIPSS, c'est le performance status, le taux de ferritine, donc qui traduit la surcharge en fer.
le taux de LDH, la bêta-2 microglobuline et la fibrose médulaire. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ces variables-là n'ont pas été intégrées dans le score IPSS? Ben, le problème, c'est qu'elles étaient, il y avait beaucoup de données manquantes, en fait, parce que, par exemple, pour analyser la fibrose, il faut faire des biopsies de moelle, et donc il y avait moins de la majorité des patients qui avaient eu qui était évaluable dans cette cohorte. Donc là aussi, c'est pareil, c'est que vous, la technique, c'est que vous calculez votre score IPSS et si vous avez une performance, vous allez ajouter ou enlever des points de votre score. Par exemple, si vous avez, je sais pas moi, un score à 4 RIPSS, chez un patient qui a un performance status à 0, vous allez enlever moins 0,8 points. À l'inverse, si le patient a un PS élevé, il prendra un point de plus. Et même chose pour la ferritine, les LDH, etc. Donc, ça permet de réajuster un peu le score de plus, un petit peu plus fine. Donc, ça aussi, Alors, le problème, c'est que l'application, par contre, celle que j'utilise, ne permet pas de faire ce réajustement. Il faut retourner dans la publication initiale. Autre facteur pronostic. Donc c'est la dépendance transfusionnelle. Donc juste pour vous montrer, donc cette étude là du registre italien qui montrait que l'existence d'une dépendance transfusionnelle était associée à une augmentation statistiquement significative du risque de décès de causes non leucémiques, dont les principales sont les causes cardiovasculaires, donc chez ces patients. Et puis, en corollaire de ça, la surcharge transfusionnelle, donc vous voyez que elle a aussi un impact sur la survie globale, ici, donc dans un groupe de faible risque, et ici, tous sont des faibles risques, mais là, c'est les formes les plus favorables, et là, un peu moins favorables, mais on retrouve le même impact de la surcharge en fer. Dernier point, donc les comorbidités, c'est pas le dernier point d'ailleurs, les comorbidités ont aussi été évaluées. Bon, ça paraissait assez évident puisqu'on s'adresse à des populations d'âge assez avancé. Et vous voyez, donc il y a une pléthore de publications qui toutes concourent à montrer que les comorbidités ont un impact défavorable sur la survie des patients qui ont des syndromes myélodysplasiques. Donc ça, c'est le groupe italien qui a proposé un score spécifique de comorbidité pour les syndromes myélodysplasiques que vous voyez ici. Donc, il est relativement simple. Et donc, ça permet de restratifier les patients, comme vous le voyez ici. L'autre élément susceptible d'avoir un impact pronostique, ce sont les mutations. On attendait beaucoup, évidemment, de ces mutations parce qu'on se disait que pour, vous savez qu'il y a 50% des patients qui ont une cytogénétique favorable, un karyotype normal, pardon. L'espoir était que quand on a eu des techniques de séquençage à haut débit, on puisse identifier des anomalies géniques chez les 50% de patients qui n'étaient pas capturés par le karyotype et que donc on pourrait affiner le pronostic dans ce groupe-là. Alors, vous allez avoir un cours tout à l'heure sur la cytogénétique d'abord et puis aussi sur les mutations dans la SMD où l'impact pronostique des mutations vous sera détaillé. Donc, je vais aller assez vite là-dessus pour dire que donc vous voyez qu'il y a beaucoup de mutations qui sont retrouvées chez les patients. La plupart des patients ont au moins une mutation et la majorité d'entre eux ont plusieurs mutations, en moyenne 5 à 6 par patient. Du coup, ça rend l'évaluation pronostique des mutations une par une un petit peu compliquée. C'est peut-être pour ça que pour l'instant, on n'a pas encore de score IPSS moléculaire validé. Ce qu'on sait, c'est que par exemple, le nombre de mutations est corrélé avec le pronostic. Plus vous avez de mutations, quelles qu'elles soient, et plus le pronostic est mauvais. Il y a un groupe qui a proposé un jeu de 5 gènes, vous voyez, qui sont présentés ici, qui sont de plus mauvais pronostic que les autres et sur lesquels on pourrait s'appuyer pour
pour stratifier les patients. Ce gène-là en particulier, qui lui est plutôt de bon pronostic parce qu'il identifie les formes avec sidéroblastes en couronne. Le problème, donc, c'est l'hétérogénéité, donc les plusieurs mutations par patient qui font que l'effet pronostique d'une mutation, ce dont on en sait, c'est qu'en fait, il est dépendant du contexte mutationnel dans lequel il se trouve. Autrement dit, donc, vous ne pouvez pas faire de l'analyse mutation par mutation. Donc, ça fait une variabilité qui est phénoménale, évidemment, et rend les analyses statistiques difficiles et pour lesquelles il faut faudrait des dizaines de milliers de patients. L'autre chose aussi, c'est que ça vous sera expliqué, notamment ça a été démontré pour P53, que l'impact pronostique, en fait, il dépend de la charge allélique, c'est-à-dire de la VAF du gène en question. Donc, vous voyez que c'est beaucoup de paramètres qui sont à prendre en compte, qui font d'autant plus de variabilité et qui vont donc demander du temps pour qu'on arrive à utiliser de façon appropriée le NGS dans l'évaluation pronostique des syndromes myélodysplasiques. Alors, de façon évidente, les traitements vont, modifient le pronostic des patients, enfin, en tout cas quand ils sont efficaces, et donc ils peuvent modifier les effets des scores pronostiques. Donc, c'est toujours important de revalider, et c'est ce qui avait été fait, par exemple, pour le RIPSS chez des patients traités par Vidaza pour voir si il était toujours valide. Donc ça, c'est cette étude-là a confirmé donc que le RIPSS était valide pour prédire le devenir d'un des patients qui seront traités par Vidaza. Autre même chose avec la transplantation. Vous voyez que donc globalement, effectivement, l'IPSS est valide avec des différences significatives, mais les groupes du milieu, les groupes autour de l'intermédiaire se distinguent assez mal l'un des autres et on a plutôt l'impression que voilà, l'IPSS c'est bien pour savoir qui est bon, qui est mauvais. Par contre, au milieu, ce n'est pas suffisamment précis. Une des questions importantes qui se pose actuellement en pratique, c'est comme depuis les débuts des années 2010, on a un standard de traitement de première ligne pour les syndromes de haut risque, ce qui vous sera également développé plus tard, qui est représenté par les agents hypométhylants. On a malheureusement les effets des hypométhylants ne sont pas définitifs, ce n'est pas un traitement curatif. Et donc, pour chaque patient traité par des méthylants, à un moment ou un autre, se pose la question du patient en échec de déméthylant. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'ils deviennent ? On avait montré, publié il y a une quinzaine d'années, que le pronostic était globalement mauvais pour un patient qui est en échec de Vidaza. Et là, cette initiative, donc, qui est une analyse coopérative, était de voir si on pouvait utiliser le RIPSS chez les patients en échec de Vidaza. Et vous voyez qu'à l'évidence, la réponse est non, ça ne discrimine pas bien. Et donc, il y a un nouveau score qui a été proposé pour évaluer plus efficacement le pronostic des patients qui sont en échec de Vidaza, avec en gros un score avec deux catégories, les faibles risques qui sont à une médiane de survie de 11 mois, donc vous voyez que c'est déjà pas terrible, et les hauts risques où c'est carrément la cata avec 4,5 mois. Les variables, c'est le performance status, le karyotype, l'âge, les blasts, mais supérieurs avec un cutoff à 20%, la dépendance transfusionnelle et les plaquettes, la thrombopénie. Donc ça peut être utile pour voyez, affiner un petit peu dans ce type de situation. À l'inverse, ça c'est une proposition du MD Anderson qui était d'affiner en fait à l'intérieur des faibles risques avec un score un peu plus précis. Donc vous voyez qu'on tourne toujours quand même un petit peu avec les mêmes variables. Bon, c'est un score qui est pas très utilisé. Vous voyez, il y a beaucoup de catégories, mais quand même on se dit que c'est intéressant parce que ça montre quand même une chose, c'est
la variabilité qui se cache sous l'appellation faible risque, puisque vous voyez qu'on a en fonction du score, chez des patients qui sont tous des bas risques, des survies à 4 ans qui vont de 7% jusqu'à 78%. Donc, ça montre quand même le caractère un peu relatif des scores pronostiques. Et au passage, d'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que ces scores-là sont, à l'échelle individuelle, ils sont une aide à la décision thérapeutique. Mais c'est en aucun cas, ça ne prédit l'avenir d'un patient, du patient que vous avez en face de vous. Le devenir, alors, dans les autres facteurs qui impactent le pronostic, donc c'est finalement où on en est par rapport aux possibilités thérapeutiques. Évidemment, quand vous êtes en échec d'un traitement, en général, les choses se passent pas forcément, plutôt moins bien pour vous. Donc là, c'était une étude du GFM qui avait repris les données de patients qui avaient eu un traitement par EPO et qui perdaient leur réponse érythroïde. Pour savoir quel était le pronostic de ces gens-là. Et donc, vous le voyez ici, sur ces courbes-là, en fait, il y avait, donc on arrivait à distinguer finalement les patients qui étaient en échec précoce, soit des résistants primaires, soit des rechutes dans des pertes de réponse dans les moins de 6 mois, qui avaient un pronostic plus défavorable, donc c'est la courbe du bas, par rapport à ceux qui étaient en échec tardif et qui évidemment allait moins bien que ceux qui n'avaient pas perdu la réponse. Et puis, avant de finir avec tout ça, donc je vous disais tout à l'heure, le problème avec le score IPSS révisé, c'est ces 5 catégories qui nous compliquent un petit peu la vie. Et donc, il y a une initiative intéressante qui a consisté à essayer de voir où on pouvait mettre le cut-off pour revenir à un système finalement à 2 classes, les bons et les mauvais, à partir du RIPSS. Donc, c'est une analyse qui a été faite à partir de la même base de données qui avait servi à faire le score RIPSS qui a essayé de trouver un cut-off, en fait, au milieu. Et il semblerait qu'en fait, on puisse couper à 3,5. Donc, c'est au milieu de la catégorie dite intermédiaire, vous voyez, qui est ici, du RIPSS. Et là, on se retrouve en fait avec ce système à 2 classes. La seule chose un peu embêtante, c'est qu'en général, quand même, on est censé trouver plutôt 2 tiers de patients qui sont des faibles risques. Et vous voyez, pour 1 tiers de haut risque, et là, les proportions sont un petit peu inversées. Mais ça peut aider à prendre des décisions parfois pour les cas qui sont entre deux. Voilà, donc j'en ai terminé. Donc en conclusion, donc le développement de score IPSS initial et puis dans sa version révisée, ça a été vraiment une assez importante dans la prise en charge des syndromes myélodysplasiques. Les décisions de traitement, elles doivent être basées sur ce score pronostique, puisque vous savez qu'en fonction des catégories, voilà, pour les faibles risques, on peut proposer une simple observation ou des traitements par agent stimulant l'érythropoïèse, ou pour les autres, des hypométhylants, la chimio ou de la transplantation. Donc, c'est des propositions qui sont radicalement différentes. Le score nous aide à choisir le moment de la transplantation. Ça vous sera expliqué un petit peu plus tard. Et puis, même l'AMM des agents hypométhylants repose sur le score. Alors, c'est l'ancien IPSS. Et dans tous les essais cliniques qui sont en cours depuis ces dernières années, le score IPSS est également dans des critères d'inclusion dans ces essais. Voilà, rappelez quand même que toujours faire un effort pour que les scores soient simples, pour pouvoir être utilisables, et puis que les scores, ils sont faits pour être révisés au gré des avancées thérapeutiques, bien évidemment. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention et je prendrai des questions si vous en avez. Alors, est-ce qu'il y en a? Je vais aller regarder dans la petite boîte magique. Ben non. Alors, il y a une petite question
qui est, est-ce que vous avez un avis sur la séparation entre 20 ou 30% pour parler de SMD à la M possiblastique? Je peux être intarissable sur le sujet, donc si vous avez le week-end, on peut y aller. J'y mets toute ma rancœur, vous voyez, toutes les frustrations, etc., de cliniciens. Non, en fait, bon, sérieusement, donc, je trouve, enfin, ce qui est intéressant dans ce sujet, c'est que finalement, ça illustre bien quand même le caractère arbitraire des classifications. Donc, mais parfois, on a tendance à l'oublier parce qu'on apprend par cœur les trucs et on dit, bon, la LAM, moi j'ai appris la LAM, c'était 30% de blast. Et le jour où quelqu'un a osé prétendre qu'on va avoir une LAM avec 20% de blast, je pensais que c'était un débile mental, vous voyez. Alors, l'histoire, en fait, c'est que la fameuse catégorie AREBT, il y a au moment où les gens, dans les années 90, les gens sont mis à utiliser des chimiothérapies intensives pour traiter les syndromes myélodysplasiques. Moi, j'appelle ça la stratégie Mix à bébé. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la pub Mix à bébé qui disait si c'est bon pour les cheveux de mon bébé, ça sera bon pour mes cheveux. Donc, ce qui est bon pour une leucémie aiguë, ça doit être bon pour le SMD qui va devenir une leucémie aiguë. C'était particulièrement vrai pour ce qu'on a appelé les AREBT. Et des gens, notamment au MD Anderson, l'IAST, avaient montré que ce qui prédisait le devenir d'une AREBT qui était traitée par chimiothérapie, c'était son karyotype, c'était pas son pourcentage de blast. Du coup, d'où l'idée qu'entre 20 et 30% de blast, finalement, le pourcentage de blast ne devait pas guider la prise en charge des patients. Et quand on pouvait proposer de l'intensif, on devait proposer de l'intensif. D'où l'idée de dire, bah, si on appelle tout ça AML et plus SMD, les gens, comme des benêts, ils vont donner de la chimiothérapie de LAM puisque ça s'appelle des LAM. Si vous appelez la même maladie des SMD, il y a des gens qui vous disent, ah maintenant, mais on va pas donner la chimiothérapie de LAM puisque c'est SMD. Vous voyez le truc? Voilà. Et donc, du coup, en 2000, du jour au lendemain, on a dit, bah voilà, tout ce qui a plus de 20% de blast s'appelle une LAM. Après, il y a des aberrations parce que il y a eu un décalage, et notamment MM, des syndromes des hypométhylants. Elle a reposé sur des études d'enregistrement dont les critères d'éligibilité avaient été conçus avant le changement de classification. Et donc, du coup, l'AMM, elle reposait sur des études où on avait inclus des gens jusqu'à 30% de blast. Donc, les agences d'approbation des médicaments, la FDA et le EMA, bah, ils ont dit, bah, on donne l'AMM jusqu'à 30% de blast et après, démerdez-vous. Vous voyez? Donc, du coup, cette espèce de débat des LAM oligoblastiques ou des SMD en transformation, etc., je crois il est vain, il est futile. Peut-être que selon les avancées thérapeutiques, dans le sens dans lequel elles vont se faire, peut-être si on avance et qu'on traite de plus en plus de la même façon tout ce qui a plus de 10% de blast, et ben après le cut-off de 30, de 20% de blast, il va peut-être disparaître dans les oubliettes de l'histoire, comme les dinosaures, vous voyez. Merci beaucoup, merci beaucoup pour l'histoire. Et moi, je me demandais si vous aviez une opinion sur d'autres variables, d'autres facteurs qui pourraient impacter le pronostic, autres que le moléculaire, d'autres choses, quoi. Parfois, j'ai l'impression que le moléculaire, c'est la réponse un peu à beaucoup de choses. Et est-ce qu'il y a d'autres facteurs que vous avez en tête qui pourraient être utilisés dans ces scores pronostiques? Alors sur le plan biologique, c'est ça, tu veux dire, par Oui, exemple? par exemple. Bah c'est une bonne question. Donc la réponse, elle est oui, parce que on retrouve là pas mal de publications sur des facteurs épigénétiques, par exemple. En gros, chaque fois que finalement on découvre un mécanisme physiopathologique dans la maladie ou une voie dérégulée, etc., l'idée, c'est évidemment pour comment dire, confirmer l'importance médicale, c'est regarder si ça a un impact sur le pronostic. Si oui, si le gène ou la voie dérégulée modifie le pronostic des patients, on se dit, bah, oui, c'est quelque chose qui a de la signification pathologique, physiopathologique. La plupart quand même de ces variables qui sont identifiées ne sont en général pas indépendantes des autres. Donc, ce qui nous est utile pour prendre de la décision,
Ce sont des variables qui vont impacter de façon indépendante le pronostic des patients. Après, si elles sont masquées par d'autres qui sont plus simples, autant utiliser la variable, par exemple le taux d'hémoglobine, vous l'avez en 2 heures, ça coûte 5 euros. C'est plus simple que faire un whole genome sequencing. Donc, c'est un processus qui est sans fin, en fait, hein, cette évaluation pronostique. Mais là, les principaux, en tout cas ceux qui ont vraiment une valeur validée pour prendre des décisions au lit du patient, c'est ceux que je vous ai montrés précédemment. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions là dans le chat. Merci beaucoup pour la présentation. C'était vraiment très clair et puis d'avoir insisté aussi sur le fait que les scores doivent être simples pour qu'ils puissent être applicables. Donc, on passe à la présentation suivante du docteur Strulu. Merci à tous et bon travail. Merci. Donc, je vous donne la main. Donc, Bonjour. Ok. Alors, je vais changer de présentateur, c'est ça ? Alors, je vais vous donner, la main. Je pense que j'ai, ok, affiché mon écran. Ouais. Je vous dis si vous voyez. Voilà. On voit bien votre écran qui est en plein écran et puis on vous voit, on vous entend très bien, donc c'est quand vous voulez. Super. Donc, zut. Voilà. Donc, je m'appelle Marion Strulu. Je suis MCUPH en hématologie pédiatrique à Robert Debré. Et en tant que bonne pédiatre, je fais la présentation avec un bébé dans les bras. Vous me pardonnerez si jamais… je ne sais pas si vous voyez bien là. Vous voyez en plein écran ? Ouais, ok. Vous me pardonnerez s'il y a un peu de bruit, mais voilà, j'ai un bébé dans les bras avec moi. Je vais vous parler SMD et aussi SMP pédiatrique. Avec une première partie vraiment sur les SMD et la deuxième partie sur SMD, SMP pédiatrique, parce que je suis un petit peu plus spécialisée sur cette partie-là. Donc, de quoi on va parler ? On va parler de pathologies rares en pédiatrie. Vous voyez ici sur le camembert de répartition des hémopathies malignes de l'enfant en France, elles sont largement dominées par les leucémies aiguës et les lymphomes. Et les SMD et les SMP et la LMMJ, qui est le SMD, SMP pédiatrique, représente 2% des hémopathies malignes, LMC exclu. Donc, dans la classification OMS, où elle se trouve, donc dans la catégorie MDS-MPN, vous voyez qu'ici, il y a LMMJ, qui est la seule pathologie exclusivement pédiatrique de cette catégorie-là. Et puis, dans la partie MDS, vous voyez les deux entités à la fin dont on va parler, les MDS qui sont liées à des prédispositions germinales et puis une entité qui était marquée, qui est en italique et qui est marquée comme provisoire depuis la classification MS 2008, qui sont les cytopénies réfractaires de l'enfant ou RCC et qui ont été introduites en 2008 sous l'impulsion du groupe européen qui est en fait largement dominé par les Allemands, qui a été introduite en 2008, mais qui reste une entité provisoire car elle est controversée. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Elle est controversée parce qu'elle a une définition qui est la suivante. Cytopénie persistante, moins de 5% de blastes médulaires, moins de 2% de blastes circulants et dysplasie dans 2 ou 3 lignées ou plus de 10% dans une lignée. La cohorte, donc c'est une définition assez large, et dans la cohorte de ce groupe allemand qu'ils avaient publié en 2011, donc ça date un petit peu maintenant, la plupart de leurs patients avec des RCC avaient des moelles hypocellulaires. Et puis, quand on regardait le karyotype de ces patients-là, la grosse majorité, 2/3, avaient un karyotype normal. Une partie pour laquelle on n'avait pas de données et les autres avaient des monosomies 7 ou d'autres anomalies, ce qui a fait dire que pour un certain nombre d'hémato-pédiatres ou d'anapathes, qu'il était difficile de faire la différence entre une moelle hypocellulaire avec un karyotype normal et pas d'excès de blast, avec un peu de dysplasie certes, mais c'est difficile de faire la part des choses entre une vraie MDS ou une aplasie médulaire idiopathique, ou quand il y avait une monosomie 7 ou une autre anomalie karyotypique avec une entité constitutionnelle.
Donc, pour ces raisons-là, cette entité qui est dans la classification MS reste en italique provisoire avec des guillemets, d'autant plus que les traitements qui sont proposés par le groupe allemand étaient soit une attitude de surveillance, soit la greffe, soit les traitements immunosuppresseurs tels que le SLC-CLO qui est efficace dans les aplasies médullaires idiopathiques, comme vous le savez. Donc, vraiment à prendre avec des pincettes. Alors, on attaque tout de suite avec la biologie moléculaire des MDS pédiatriques pour essayer de définir un peu cette entité-là, qui est une entité assez large, vous allez le voir. Donc ça, c'est une étude qui a été publiée assez récemment. Vous verrez, hein, les études pédiatriques, c'est petit nombre de patients par rapport à ce que vous avez pu voir dans les topos précédents. Donc, et pourtant, c'est quand même des études, des grosses études qui sont publiées dans des bons journaux. Donc, cette étude-là, sur 46 patients qui avaient une MDS à l'âge pédiatrique, bone marrow failure, donc aplasie médullaire sous-jacente, ou MDS secondaire, ou trisomie 21. Donc, ces patients qui avaient des MDS, ou aussi des LMMJ, ou aussi des leucémies aiguës myéloblastiques ont bénéficié, mais en nombre vraiment moindre et qui était un peu considéré comme des témoins dans cette étude, avaient bénéficié de panel NGS, plus de Wollexome, plus de RNA-seq pour essayer de définir le spectre mutationnel de ces patients-là. Et ce qu'on pouvait voir, c'était que ce qui prédominait étaient les mutations de la voie RAS-MAPKINase chez la moitié des patients quasiment, alors que les mutations des gènes qui contrôlaient l'épigénome où le spliceosome était retrouvé dans un nombre moins important de cas, ce qui était vraiment différent des MDS adultes, ce qui montre qu'on a des pathologies très différentes et des processus de leucémogénèse très différents dans les MDS pédiatriques par rapport aux MDS adultes. Donc, on ne parle pas de la même chose. Et ce qu'on voyait aussi dans ces études, donc dans la même étude là, de Schwartz, c'était que alors que ces patients avaient été sélectionnés sur les critères dont je vous ai parlé, donc l'absence de bone marrow failure sous-jacent, on retrouvait de façon méconnue qui était des syndromes de prédisposition sous-jacente, donc ici SAMD9, SAMD9L, les mutations germinales de GATA2, de RAS, de BRCA2, donc chez 14, donc un bon tiers des patients, qui avaient ces syndromes-là alors qu'ils avaient été dits comme n'ayant pas de syndrome de prédisposition. Et puis, une autre cohorte pédiatrique qui a été publiée l'année d'avant alors que SAMD9, SAMD9L n'avait pas encore été n'était pas encore connu les mutations de ces deux gènes-là. Donc, encore une autre cohorte de MDS pédiatrique, 50 patients cette fois-ci. Et là, à nouveau, ce qu'on retrouvait chez un bon tiers des patients, des mutations constitutionnelles, cette fois-ci de GATA2 et de RUNX1, qui étaient soit connues, soit méconnues au préalable. Donc ça, c'est vraiment l'information la plus importante à retenir, je pense, de tout le topo, c'est que dans les MDS pédiatriques, il y a une forte proportion de syndromes de prédisposition sous-jacents. Et puis, une étude, cette fois-ci, adulte, qui est donc avec un nombre de patients largement plus important, qui ont bénéficié de NGS, donc 1514 patients avec des MDS qui étaient allogreffés, à l'exclusion à nouveau des patients qui avaient une bone marrow failure constitutionnelle sous-jacente. Donc ces patients ont bénéficié d'un NGS avant la greffe, et ce qu'on pouvait voir sur cette cohorte qui avait été ici divisée en deux, chez les patients de plus de 40 ans et les jeunes adultes de moins de 40 ans, c'était qu'on avait à nouveau un spectre mutationnel très différent, avec les mutations que vous connaissez bien chez l'adulte plus âgé, qui touchait, comme on l'a dit, les gènes qui sont impliqués dans la régulation épigénétique, les gènes du spliceosome, alors que chez les patients de moins de 40 ans, on retrouvait des mutations germinales de GATA2, de SBDS biallélique, qui représentait 4% des moins de 40 ans quand même. Donc, ce n'était pas négligeable, même si ça reste quand même un score faible. Mais là, on voit aussi que ce qu'on retrouve chez l'adulte, dans les MDS pédiatriques, ça, il n'y a pas de cut-off avec arrivé à 18 ans, c'est que ça se prolonge. Et chez l'adulte jeune, on retrouve un spectre mutationnel très pédiatrique chez les patients qui ont des MDS.
Et ça a pas peu d'impact puisqu'on voyait que chez ces patients-là, qui n'avaient pas été pris en charge comme tels, les patients qui avaient des mutations constitutionnelles de SBDS, ils avaient des pronostics très sombres. Donc, vous voyez un petit peu tout ça pour arriver à cette diapo-là qui montre un peu le paysage des MDS de l'enfant. Les MDS de l'enfant, c'est finalement des entités très différentes. Donc, celles dont on ne parlera pas, les MDS post-aplasie médulaire idiopathique, parce que ça, c'est quand même un peu différent. Les MDS secondaires qui sont rares parce que il y a quand même peu d'enfants, il y en a quand même, mais il y a peu d'enfants qui ont une chimiothérapie pour une autre tumeur et qui font après une MDS secondaire, mais ça arrive. Mais celle surtout dont on va parler, c'est les MDS qui surviennent dans le cadre de cytopénie familiale ou d'aplasie médulaire constitutionnelle et les MDS qui surviennent dans le cadre de syndrome de prédisposition au MDS sans forcément bone marrow failure derrière. Et donc, notre entité là, dont on parlait tout à l'heure, là, les cytopénies réfractaires de l'enfant, elles se retrouvent un petit peu coincées entre ces trois entités-là. Et plus ça va, plus on découvre de nouveaux gènes, plus leur terrain se réduit, se restreint entre les aplasies médulaires idiopathiques, les cytopénies familiales, les syndromes de prédisposition. Et finalement, les MDS, on va dire, primitives, elles sont de plus en plus réduites et je ne sais pas si à la fin, elles vont pas disparaître complètement. Donc nous, on va s'intéresser plus à ces deux catégories-là. Bone marrow failure et syndrome de prédisposition, vous voyez que ça recouvre un nombre très important de pathologies qui sont différentes à la fois sur leurs mécanismes d'apparition, leur base moléculaire. On a des pathologies défaut de réparation de l'ADN, des téloméropathies, des pathologies du ribosome, des pathologies liées à des mutations des facteurs de transcription impliqués dans l'hématopoïèse. Donc des mécanismes biologiques très, très variés. Des présentations cliniques très variées, des prises en charge aussi différentes. Et donc, c'est difficile après de parler de ces différentes pathologies sans en parler les unes après les autres et de faire un peu un catalogue. Donc, on va éviter de faire trop le catalogue et je vais éviter de vous toutes vous en parler. Mais j'en ai sélectionné quelques-unes qui sont les plus fréquentes, qui démarrent à l'âge pédiatrique parce que c'était comme le sujet du topo, mais qui continuent, que vous pouvez aussi voir à l'âge adulte et donc sont potentiellement intéressantes pour votre pratique future. On commence par les bone marrow failure syndrome, les MDS qui surviennent dans ce contexte-là. Donc, comme je vous l'ai dit, les MDS, elles arrivent parfois à l'âge pédiatrique, mais parfois plus tard. Donc, il y a des pathologies qu'on a diagnostiquées à l'âge pédiatrique sur les anomalies extra-hématologiques, comme le black fang ou la dyskératose congénitale, mais pour lesquelles les cas de MDS à l'âge pédiatrique sont rarissimes et surviennent surtout après l'âge de 20 ans, comme vous pouvez le voir pour le black fang. Hein, il y a juste un cas qui a été décrit et qui avait 13 ans. Et pour la dyskératose congénitale, où vraiment les MDS surviennent vraiment plus chez les jeunes adultes ou carrément à l'âge adulte. Par contre, la maladie de Fanconi, la maladie de Schwachmann, que vous connaissez aussi, elles ont une initiation, enfin, l'incidence des MDS commence dès l'âge pédiatrique et après continue tout au long de la vie avec un autre ratio, enfin là c'est un rapport observé sur attendu qui est énorme dans ces deux pathologies, avec des médianes là, de survie de MDS, comme vous voyez, de 13 ans pour le Fanconi et de 15,5 ans pour la maladie de Schwachmann. Donc la première chose qui est difficile dans ces MDS qui surviennent dans le cadre d'IBMF, c'est de faire le diagnostic de MDS. Donc le diagnostic il est cytologique, mais il requiert une expertise vraiment importante, parce que bon nombre de ces pathologies, et c'est vraiment le cas, ça a été vraiment documenté pour le Fanconi et pour le Schwachmann, dans ces pathologies-là, il y a des signes de dysplasie qui existent alors qu'il n'y a pas de MDS. Et donc, un expert de ces pathologies-là va trouver que c'est des moelles typiques de Fanconi ou de Schwachmann, alors que quelqu'un qui n'a pas l'habitude va avoir plus tendance à catégoriser ces pathologies comme MDS, alors que ce ne sont pas encore des MDS.
Donc, on voit effectivement des signes de dysplasie plus fréquentes, notamment la dysérythropoïèse, des moelles qui sont souvent hypocellulaires, donc qui ne sont pas faciles non plus à interpréter. C'est des patients pour certains ont besoin de GCSF qui va induire parfois des modifications de la morphologie des polynucléaires neutrophiles, qui va induire une augmentation du taux de blast. Donc ça aussi, ça peut induire en erreur. Et puis, il y a certains signes, et là, ça reste des discussions entre experts de la cytologie, certains signes de dysplasie qui peuvent être interprétés comme tels ou ne pas interprétés comme tels. En plus de la difficulté du diagnostic cytologique, parfois la cytogénétique ne va pas aider puisque un certain nombre de patients qui n'ont pas de MDS, donc ça c'est une étude avec une étude publiée dans un journal d'anatomopathologie, donc avec que une revue des biopsies ostéomédulaires et des myélogrammes par des experts cytologistes chez des patients donc avec une anémie de Fanconi, chez des patients qui n'avaient été diagnostiqués comme n'ayant pas de myélodysplasie, et ben pourtant un nombre certain avait des anomalies au karyotype, des anomalies clonales, mais qui étaient des clones, comme on le verra un petit peu après, qui n'étaient pas des clones pathologiques, on dit des clones bénins, je ne sais pas comment on peut les appeler, mais en tout cas qui n'étaient pas des clones associés à de la myélodysplasie. Et là, on le voit aussi dans ce petit histogramme, parmi les patients qui avaient une dysérythropoïèse, seuls 33% avaient un clone au niveau du karyotype. Pareil, un petit peu de façon un petit peu plus importante, mais les patients qui avaient des sidéroblastes en couronne, trois quarts avaient une anomalie au niveau des karyotypes, mais tous ne l'avaient pas. Donc, ça, c'est un autre point important. Le diagnostic de MDS est très difficile dans ces pathologies-là, dans ces bone marrow failure. Il ne faut pas hésiter à demander l'expertise d'un cytologiste aguerri pour faire le diagnostic. Parce que certains patients n'ont pas de MDS, ont des signes de dysmyélopoïèse, mais qui ne sont pas considérés comme des MDS et pour le coup, ils n'auront pas besoin de la prise en charge thérapeutique qui est nécessaire quand on a un pré-diagnostic de myélodysplasie. Donc là, je vais vous parler plus précisément des anémies de Fanconi, des Schwachmann, du GATA2 et des mutations constitutionnelles de Ronixin. Voilà, quatre pathologies qui commencent à l'âge pédiatrique et que vous pouvez être amené à rencontrer chez des patients qui sont pris en charge en hématologie adulte. Donc, Fanconi, vous connaissez probablement un petit peu. Donc, c'est une maladie avec plusieurs gènes qui peuvent être touchés, des gènes de la voie FANC-BRCA. Donc, aujourd'hui, il y a 22 gènes, mais il y a un nouveau gène qui est découvert tous les jours. Donc, je ne doute pas que bientôt, il y en aura plus. De transmission majoritairement autosomique récessive, donc des mutations bialéliques à chaque fois qui sont, la plupart du temps, qui sont nécessaires. Et donc, tous ces gènes-là vont être altérés et donc il va y avoir une altération de la voie de réparation des ponts interbrins de l'ADN. La maladie de Fanconi, l'anémie de Fanconi, se manifeste par de nombreuses anomalies au niveau du phénotype extra-hématologique. Je vous ai encadré celles qui sont les signes cardinaux, la dysmorphie, l'anomalie crânio-faciale, la petite taille, les anomalies de la colonne du pouce, enfin du radius et du pouce, qu'on voit de façon assez fréquente, mais il y a aussi beaucoup d'autres anomalies, des taches café au lait ou des zones de dépigmentation, des cardiopathies congénitales, des malformations génito-urinaires, du rein. Chez certains patients, une altération des fonctions cognitives. Donc, un large spectre au niveau phénotypique, mais chez certains patients, 25 à 40%, on ne retrouve pas de malformations évidentes au niveau, pas d'anomalie développementale évidente. Donc, ces patients-là ne peuvent ne pas être diagnostiqués avant l'apparition d'un phénotype hématologique, voire des complications hématologiques que sont les MDS et les LAM ou les bone marrow failure chez ces patients-là. Le diagnostic, il se fait grâce à un test simple l'hypersensibilité des cellules de patients Fanconi aux agents pontants de l'ADN. Donc souvent, ce qu'on utilise, c'est la mitomycine C.
Et vous voyez qu'au niveau du karyotype, la jonction de mitomycine C crée la formation de ponts, de translocations, de fusions entre les différents chromosomes. Et ça, c'est des images très typiques de karyotypes de patients Fanconi. Donc ça, c'est un test très simple à faire. Qui est positif chez la plupart, qui est très sensible chez la plupart des patients Fanconi, mais qui parfois peut s'avérer en défaut chez les patients qui vont avoir le phénomène de réversion. Je ne sais pas si vous êtes familier de ce phénomène-là, mais les patients Fanconi font beaucoup de mutations, les cellules Fanconi font beaucoup, beaucoup de mutations, et parfois, certaines, au niveau de l'hématopoïèse, donc certaines cellules souches hématopoïétiques, il peut y avoir une correction de la mutation initiale, de la mutation de Fanc. Et la restauration d'une hématopoïèse saine. Et donc, ces patients gardent bien sûr la mutation dans tout le reste de leur organisme, mais restaurent une hématopoïèse normale et donc n'ont plus d'anomalie au niveau hématologique. Chez les autres, ça reste une minorité. Chez les autres, on voit l'apparition, vous voyez sur ces deux courbes, l'apparition au fil du temps de MDS. Avec une incidence de 50% à l'âge de 50 ans, ou d'aplasie médulaire qui augmente tout au long de la vie. Donc, aplasie médulaire, MDS, et puis les leucémies aiguës qui apparaissent également, alors moins à l'âge pédiatrique, hein, surtout à l'âge adulte, avec une incidence un peu plus faible, et aussi les tumeurs solides après l'âge de 30 ans. Les mécanismes de leucémogénèse, enfin, qui conduisent à l'apparition des MDS, ils sont pas encore complètement connu dans la maladie de Fanconi. On sait, ça c'est une étude qui avait été publiée par l'équipe de Jean Soulier à Saint-Louis, qui travaille sur la biologie du Fanconi. Donc on sait qu'il y a certaines anomalies récurrentes au niveau, donc là c'était les gains, les pertes chromosomiques qui avaient été analysées chez toute leur série de patients Fanconi, qui avaient des aplasies médulaires, qui étaient au stade MDS, au stade LAM, ou qui n'avaient pas encore de manifestations hématologiques. Ce qu'on voyait, c'était qu'il y avait, plus on avançait vers le stade MDS et la M, plus on avait une accumulation de gains et de pertes chromosomiques. Mais certaines anomalies chromosomiques étaient présentes alors que les patients n'avaient aucun phénotype hématologique, comme notamment les anomalies du 1Q. Donc, c'est partie de ces clones-là, dont je vous parlais tout à l'heure, des clones bénins. Quand on a une anomalie 1Q, un 1Q+, dans un Fanconi, il n'y a pas d'indication à aller rapidement vers une greffe en se disant « tiens, il est en cours d'évolution clonale, il va falloir le greffer rapidement ». Alors que d'autres anomalies, 3Q+, 11Q-, à réarrangement de Renixin, peuvent être plus associées avec de l'évolution clonale comme qui prédit l'apparition d'une MDS-LM. Ces patients-là, une fois qu'ils sont au stade MDS, et la M ou au stade bone marrow failure ont une indication de greffe. On essaye de le faire même avant le développement de ces anomalies-là, parce que vous voyez que ça a un impact sur la survie globale. Et les patients Fanconi ont, du fait de leur défaut de réparation de l'ADN, une sensibilité beaucoup plus élevée que les autres patients à la chimiothérapie et à la radiothérapie. Donc, il est nécessaire chez ces patients d'adapter les conditionnements de la greffe en utilisant des conditionnements à toxicité réduite. Maintenant, tous les patients sont greffés avec des conditionnements de toxicité réduite, et ce qui a énormément amélioré leur pronostic. Voilà pour le Fanconi. Je vous ai parlé tout à l'heure du Schwachmann, qui est lié à des mutations SBDS, de transmission également autosomique récessive. Donc, c'est des patients qui ont des mutations bialéliques de SBDS. Et SBDS, c'est un gène qui a un rôle dans la synthèse, la biogénèse des ribosomes avec la jonction des unités 40 et 60. La maladie de Schwachmann, le syndrome de Schwachmann-Diamond, il est diagnostiqué sur une triade classique qui est neutropénie, insuffisance pancréatique externe, et anomalies osseuses, mais à nouveau, comme pour le Fanconi, 50% des patients n'ont pas la triade classique, et parfois le diagnostic peut être vraiment très, enfin la symptomatologie peut être très fruste et on peut complètement passer à côté à l'âge pédiatrique et à l'âge adulte aussi, d'autant plus que l'insuffisance pancréatique externe a tendance à régresser, enfin peut régresser à l'âge adulte. Donc ces patients-là, comme les patients Fanconi, ils ont une incidence élevée de MDS
qui commence dès l'âge pédiatrique. Et vous voyez, à 20 ans, 20% ont une MDS ou une LAM, ça c'est sur le registre français, et 36% à l'âge de 30 ans. Là, à nouveau, l'évolution clonale, elle est un petit peu documentée dans le Freshman, mais tout n'est pas encore connu. Comme dans la maladie de Fanconi, on peut avoir des clones avec des isochromosomes 7, des délétions vaincues qui peuvent apparaître, rester stables, parfois disparaître et qui en soi ne définissent pas l'évolution imminente vers une MDS ou une LAM. Donc ces clones-là, on les surveille. Pareil, les mutations de TP53. Alors, les mutations de TP53, elles ont été montrées comme étant un événement systématique dans la leucémogénèse, dans la cohorte dont je vous ai parlé là tout à l'heure, la cohorte qui avait séparé les patients de moins de 40 ans, plus de 40 ans adultes. 100% des patients qui avaient été greffés pour une MDS sur Schwachmann avaient une mutation de TP53, une ou plusieurs mutations. Mais aussi, on sait que là, c'est une cohorte pédiatrique qui a été publiée récemment, 28 patients avec des formes de Schwachmann-Diamond, sans MDS, et ben 48% de ces patients-là avaient des mutations de TP53. Et ça avait tendance à augmenter avec l'âge. C'est plus après 5 ans ou après 10 ans même. Et ces mutations de TP53, elles pouvaient donc être très bien tolérées, sans MDS, ce qui fait qui rend difficile l'indication de la greffe parce que c'est difficile de prédire avec des événements cytogénétiques clonaux l'imminence de la transformation en MDS ou en LAM. Il y a quand même la fréquence allélique du variant peut être une indication si on a un clone TP53 à 20%, c'est sûr qu'on va être plus inquiet que si c'est un petit clone à 2%, dont on sait qu'il peut venir et partir. À nouveau, comme dans la maladie de Fanconi, le seul traitement curatif, c'est l'allograft de cellules souches hématopoïétiques. Donc, comme je vous disais, on le fait sur les cytopénies sévères, la transformation MDS et la M, mais pas pour des clones bénins. Donc, il faut trouver le bon moment entre le clone bénin et puis avant la MDS et la M, si possible. Donc, on fait des surveillances annuelles des moelles, du karyotype, des anomalies du NGS pour détecter les anomalies, l'augmentation de certaines fréquences alléliques de certaines mutations et pour prendre la décision de la greffe. Mais quand on a une expertise dans la pathologie, on arrive à prendre la décision au bon moment. Et il a été montré, là, c'est dans un abstract de Lash, il y a 2 ans, 3 ans, que la stratégie de surveillance annuelle était rentable puisqu'elle améliorait la survie avec 28% de survie chez les patients sans surveillance versus 62% chez les patients qui avaient bénéficié de cette surveillance annuelle. Donc, ils étaient greffés plus tôt avant d'arriver au stade MDS-LAM et d'avoir ces pronostics très sombres. L'autre chose, c'est que les patients SBDS, les patients Schwachmann, ont une mauvaise tolérance au conditionnement myéloablatif avec une toxicité cardiaque et pulmonaire importante. Diagnostiquer la pathologie avant la greffe est vraiment très important pour adapter le conditionnement, aussi pour choisir un donneur familial non atteint si possible. Ça, c'est toujours plus chic. Et ça évite d'avoir un pronostic catastrophique comme dans l'étude que je vous montrais tout à l'heure. Donc là, je vous ai montré deux syndromes avec aplasie médullaire constitutionnelle qui vont prédisposer à la survenue de MDS. Là, je rentre dans l'autre bulle là, que je vous avais montrée, qui sont les syndromes de prédisposition MDS sans forcément bone marrow failure associé. Donc, le syndrome GATA2, qui a été découvert il y a quinzaine d'années maintenant, de transmission autosomique dominante. Donc, voici une mutation monoallélique qui entraîne une haploinsuffisance de GATA2, qui est un facteur de transcription, comme vous savez, qui régule l'hématopoïèse. Le phénotype clinique, il est très, très large. Et si bien qu'avant avant de connaître GATA2, il y avait de nombreuses
cohorte qui avait découvert le même syndrome et qui avait nommé le même syndrome avec différents noms, le syndrome d'Asperger, Monomac, avant de se rendre compte qu'en fait, on parlait tout le monde parlait de la même chose, mais avec des portes d'entrée différentes, soit des portes d'entrée via les complications pulmonaires, la protéinose alvéolaire pulmonaire, soit par les infections à mycobactéries atypiques, ça c'était Monomac, soit par le lymphœdème congénital. Et en tout cas, le jour où GATA2 a été identifié, on s'est rendu compte que tous ces signes-là correspondaient à tout le large spectre du GATA2 syndrome. Et donc, en plus de ce phénotype extra-hématologique, les patients ont tendance à avoir une neutropénie, une monocytopénie, une lymphopénie B et NK qui concourent à la survenue d'infections à répétition, et également donc la survenue de MDS et de LAM, qui est très importante. Hein, comme vous le voyez, là, c'est à nouveau le registre français, les données du registre français, avec 6% de MDS et LAM à 10 ans et 40% quasiment à l'âge de 20 ans. Et puis, ça continue, 80% à l'âge de 40 ans. Il y a très peu de patients qui sont épargnés par cette complication-là. Les mécanismes, en plus de la mutation donc monoallélique de GATA2, pour arriver au stade MDS, passe par, chez une grande partie des patients, par l'acquisition d'une monosomie 7, enfin par la perte d'un chromosome 7. Et puis, il y a d'autres anomalies clonales aussi décrites de façon récurrente, comme les trisomies du 8 ou les mutations d'SXL1, NRAS, etc. Donc, la monosomie 7, c'est vraiment l'événement quasi systématique dans le processus de leucémogénèse des patients qui ont un syndrome GATA2. Là, ici, c'était une cohorte qui a été publiée aussi récemment, 426 patients qui avaient une MDS de l'enfant et dont 56 avaient une mutation de GATA2. Chez ces 56 patients-là qui avaient une mutation de GATA2, on voyait que 70% avaient une monosomie 7. Et si on regardait dans l'ensemble, chez l'ensemble de ces patients, de ces 426 patients qui avaient une MDS avec une monosomie 7, eh ben, entre 6 et 12 ans, 50% c'était des GATA2. Entre 12 et 19 ans, 72% étaient des patients avec une mutation GATA2. Donc MDS plus monosomie 7 à un âge jeune égale recherche de GATA2 syndrome, qui sont en tout cas en pédiatrie, qui sont la première cause de monosomie 7 chez un enfant qui a une myélodysplasie. Voilà. Là, contrairement au Schwachmann et au Fanconi, on a des courbes de survie qui ne sont pas trop mauvaises, en tout cas qui sont comparables avec les autres patients qui ont une MDS avec monosomie 7. Donc, comme vous le voyez, une survie globale à 5 ans, autour de 70% chez ces patients-là. Cependant, le pronostic de la greffe est quand même très variable en fonction de l'état dans lequel le patient arrive à la greffe, parce que vous avez vu, il peut avoir un nombre de comorbidités assez importantes au niveau infectieux, au niveau pulmonaire notamment. Et puis, le dernier syndrome de prédisposition dont je vais vous parler, je regarde quelle heure il est. Okay. Donc, c'est les mutations constitutionnelles de RUNX1, qui sont aussi de transmission autosomique dominante. Donc, RUNX1, vous le connaissez, c'est un facteur de transcription qui régule l'hématopoïèse, la mégacaryopoïèse, les fonctions plaquettaires. Et donc, ces patients, là, pour le coup, ont très peu de manifestations extra-hématologiques. Contrairement aux trois autres dont je vous ai parlé, là, le phénotype, il est purement hématologique, avec souvent, avant l'apparition de la MDS et de la LAM, ou de la LAM, un antécédent de thrombopénie modéré, avec des plaquettes de taille normale, mais qui est souvent associé avec des saignements, parce qu'il y a une thrombopathie associée à la thrombopénie. À vérifier dans les antécédents des patients, toujours les numérations antérieures chez le patient et chez ses apparentés. Donc, jusqu'à présent, on disait que c'est un phénotype purement hématologique, mais maintenant, on voit que les patients ils peuvent présenter de l'eczéma, du psoriasis qui a été décrit de façon un petit peu plus récurrente. Et ce qu'on constate aussi dans les familles avec mutation constitutionnelle de RUNX1, c'est un phénomène d'anticipation
avec l'apparition du phénotype hématologique de plus en plus tôt au fil des générations. Donc là, vous voyez ici l'incidence cumulée de MDS et de LAM qui est un petit peu moindre que dans le Fanconi, le GATA2, le Flashman, mais qui est quand même assez élevée. Hein. Arrivé à l'âge de 50 ans, 50% des patients ont présenté soit une LAM, une MDS et aussi des LALT. Là, l'évolution clonale, elle se fait souvent par la perte du second allèle de renifin. Mais EO, tu me laisses parler? Qui est associé à la transformation maligne. Et puis, il y a d'autres mutations chromatiques récurrentes. Là, pour le coup, donc, à nouveau, le traitement fait la greffe chez ces patients et on a une tolérance qui est plutôt correcte. Donc, voilà, pour cette première partie sur les MDS de l'enfant, le message à retenir, c'est MDS de l'enfant ou même enfin, du jeune adulte doit faire rechercher un certain nombre de prédispositions sous-jacentes. Donc, au niveau clinique, ça veut dire rechercher un antécédent de cytopénie chez les patients, mais aussi chez les apparentés. Faire un arbre généalogique et la recherche d'antécédents hématologiques ou extra-hématologiques qui vous feraient penser à une éventuelle anomalies constitutionnelles sous-jacentes, hein, des malformations X ou Y. Donc nous, on regarde dans le carnet de santé la taille de naissance, le poids de naissance, qui peuvent faire penser à certains nombres de prédispositions. Hein, le Fanconi, ils sont tous petits, ou en tout cas, personne n'est grand. Donc un Fanconi à plus de DS, ça n'existe pas. Et puis un examen clinique assez scrupuleux des patients qui permet de parfois détecter des taches achromiques, des taches café au lait, des anomalies de la colonne du pouce, certaines autres malformations qui vont pouvoir vous mettre la puce à l'oreille et vous faire dire il y a probablement un nombre de prédispositions. Et dans ces cas-là, il faut demander un NGS. Au laboratoire référent pour diagnostiquer cette pathologie chez le patient, parce que ça aura un impact non seulement pour le patient, parce qu'on va changer éventuellement de type de greffe avec le type de conditionnement. On peut aussi être amené à faire, je suis désolée, à faire le diagnostic des apparentés familiaux, et ça c'est important vu que le traitement à chaque fois. Quasiment chaque fois, la greffe. On ne va pas greffer avec un apparenté qui a la maladie. Et puis, ça va permettre aussi de prendre en charge les autres comorbidités du patient, cardiopathie, anomalie endocrinienne, etc. Tout ce qui peut constituer le syndrome. Donc, voilà pour la première partie sur les MDS. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade ou si j'enchaîne. Peut-être je vais enchaîner parce qu'il est déjà 16h10. Avec l'ALMMJ. Donc, je vais aller un petit peu plus vite sur l'ALMMJ parce que j'ai beaucoup parlé et il me reste 5 minutes. Donc, je vais vous donner juste quelques informations sur l'ALMMJ. Donc, je vous ai dit une pathologie rare à nouveau, classée dans les myélodysplasies myéloprolifération qui est caractérisée par une prolifération de la lignée granuleuse monocytaire, plus ou moins des signes de myélodysplasie associés. Donc là, c'est une pathologie exclusivement pédiatrique. L'âge médian de diagnostic, c'est 2 ans. Donc globalement, la présentation clinique est très hétérogène. Donc vous allez avoir des patients qui vont se présenter soit directement via les urgences dans votre service pour une altération de l'état général, de la fièvre, un syndrome tumoral, des signes relatifs aux cytopénies. Et aussi, parfois, des patients qui arrivent en consultation pour un bilan de splénomégalie. Donc, une présentation clinique très, très hétérogène. Ce qu'on constate quasiment de façon systématique dans la LMMJ, c'est une infiltration tumorale qui peut déborder largement sur les organes hématopoïétiques avec des lésions cutanées, des granulomes, parfois des infiltrations un peu polynucléaires neutrophiles qui donnent des pseudo-suites. Des infiltrations pulmonaires ou digestives qui parfois peuvent être au premier plan et qui témoignent bien de la propriété de cette lignée myélomonocytaire qui est proliférative. Je passe un petit peu. C'est un diagnostic qui est très difficile à faire parce que sur le plan biologique, la définition, c'est hyperleucocytose supérieure à 10 gigapalites, monocytose supérieure à 1 gigapalite et myélémie. Et ces anomalies-là, on peut les voir en pédiatrie. Dans
dans plein de d'autres diagnostics, même extra-hématologiques, comme les infections. Et donc, parfois, il suffit que la clinique ne soit pas très bruyante et on peut complètement passer à côté parce qu'on ne connaît pas ce diagnostic ou parce qu'on ne l'a pas évoqué. Et au niveau du myélogramme, si jamais on fait un myélogramme, le myélogramme est très peu informatif. On n'a pas systématiquement de signes de dysplasie. Par contre, on a des présentations morphologiques très différentes, de l'hyperplasie granuleuse, parfois de l'hyperlymphocytose, parfois de l'hyperplasie de la ligne érythroïde, ce qui montre bien que la cellule souche est touchée dans cette pathologie-là, mais qui peut faire errer le diagnostic à nouveau. Voilà, juste ce que je voulais vous dire pour la LMMJ, c'est que la LMMJ, c'est une pathologie de la voie RAS-MAPKinase. Donc, la LMMJ, c'est un peu le pendant pédiatrique de la LMMC sur le plan clinique, mais sur le plan biologique, il y a quand même beaucoup de différences. Et notamment dans les LMMJ, ce qu'on constate, c'est une hyperactivation systématique de la voie RAS-MAPKinase, qui n'est pas le cas dans la LMMC. Et pourquoi? Parce qu'on a une mutation. La LMMJ est caractérisée par la mutation de ces gènes de la voie RAS-MAPKinase, soit des mutations activatrices de NRAS, KRAS ou PTPN11, soit des mutations inactivatrices de gènes qui sont des régulateurs négatifs de la voie, comme NF1 ou CBL. Et donc, dans la LMMJ, ce qu'on constate systématiquement, c'est la mutation initiatrice touche un de ces gènes-là et c'est devenu le signe, la confirmation moléculaire indispensable pour poser le diagnostic. C'est la mutation initiatrice de la voie RAS-MAPKinase. Contrairement à de nombreuses pathologies hématologiques ou extra-hématologiques dans lesquelles RAS est un événement secondaire, dans les LMMJ, c'est l'événement initiateur. Donc voilà, ça c'est la particularité. Et l'autre particularité de la pathologie, c'est que dans un tiers des cas, on a un syndrome prédisposant sous-jacent, à nouveau, forte proportion de syndrome de prédisposition sous-jacent en pédiatrie, avec soit dans les cas de mutation d'NF1, une neurofibromatose de type 1 sous-jacente, avec une mutation monoallélique, constitutionnelle et biallélique dans les cellules hématopoïétiques, des mutations de CBL au niveau constitutionnel qui donnent le syndrome CBL et des mutations de PTPN11 au niveau constitutionnel qui donnent le syndrome de Noonan et qui vont favoriser la survenue de cette pathologie qu'est la LMMJ. Pour la LMMJ, je vais passer vite. Le traitement, c'est l'allograft de cellules souches hématopoïétiques. Pour nous, en pédiatrie, c'est la leucémie la plus, avec le pronostic le plus défavorable. Mais pour vous, chez les adultes, j'imagine que c'est des courbes de survie que vous avez l'habitude de voir. Enfin, là, c'est l'incidence cumulée de rechute. Donc, il y a à peu près un tiers des patients qui rechutent et 15% qui décèdent de TRM. Donc, on a 50% de survie dans cette pathologie, qui pour nous en pédiatrie est dramatique par rapport à ce qu'on est habitué à voir dans les leucémies et les lymphodrastiques notamment. Voilà, je vais passer très vite là-dessus parce que on n'a plus beaucoup de temps. Et donc, voilà, pour l'instant, malheureusement, malgré la bonne connaissance de la psychopathologie de la LMMJ, avec la voie RAS qui est au cœur de la physiopathologie, on n'a toujours pas trouvé de thérapeutique ciblée qui permette d'améliorer le pronostic, soit en traitement avant la greffe, soit en traitement qui remplacerait la greffe. Donc tout ce qui a été essayé, je vous en ai mis une partie là, a été soit un échec, soit un traitement palliatif d'efficacité aléatoire. Et donc, à l'heure actuelle, le seul traitement pour la LMMJ, c'est la greffe. Bon, un jour, je vous en parlerai plus longtemps de la LMMJ, parce que là, je suis obligée de passer vite. Mais donc, pour conclure, SMD et SMP pédiatrique, ce sont deux et LMMJ, ce sont deux entités pour lesquelles on a besoin de cytologistes référents. Ce sont des entités, l'une comme l'autre, dans laquelle il y a une forte prévalence de syndrome de prédisposition sous-jacent. Donc, il est important d'y penser systématiquement. Et je pense que pour vous, en tant qu'hématologue adulte, c'est aussi quelque chose à garder en mémoire chez les patients jeunes qui présentent des MDS ou même des MDS SMP. Avoir dans l'idée que peut-être derrière, enfin nous en tout cas en pédiatrie, on se dit toujours
plutôt dans ce sens-là, il y a un certain nombre de prédispositions jusqu'à preuve du contraire. Donc, on se donne les moyens de le mettre en évidence au minimum par un examen clinique et un arbre généalogique approfondi et au mieux avec un NGS ciblé sur du matériel constitutionnel, donc des fibroblastes qui sont le tissu de choix parce que c'est des patients qui ne sont jamais en rémission complète avant leur greffe. Voilà, et malheureusement, peu de traitements en dehors de la greffe à l'heure actuelle. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop débordé. Eh bien, merci beaucoup du coup pour ce topo. Pour enchaîner, en fait, on avait deux questions. Une question de Rim qui rejoint un peu celle que je voulais vous poser. Oui. Pour en fait les clones que vous qualifiez de bénins dans les Schwachman ou dans les Fanconi, comme la 1Q avec une fréquence allélique faible, quand est-ce à quelle fréquence vous contrôlez les clones? Alors pour la 1Q, ça a été montré que c'était pour la 1Q, c'est un petit peu différent. Ça a été montré que ça pourrait rester stable pendant des années chez les patients. Donc, s'il n'y a pas d'anomalie, de changement clinique au niveau de la cytologie, en général, on fait une surveillance annuelle. Pour les autres anomalies, si on voit un clone TP53 apparaître, en général, on va faire un contrôle plus rapproché, par exemple, pour les GATA2. Donc, ça peut être tous les 6 mois. Pour voir si ce clone disparaît ou si la tendance à s'expandre. Et dans ces cas-là, on est dans un processus de plus d'évolution vers une MDS. Mais après, on va pas non plus le faire plus fréquemment que ça, forcément. Voilà, puisque on évite aussi de multiplier les millogrammes chez ces patients-là. On peut le faire sur le faire finalement de greffe, par exemple, dans les Fanconi avec des anomalies du 7. Mais sans qu'il y ait de myélodysplasie à proprement parler, vous recontrôlez par exemple à 6 mois pour voir si… Oui, par exemple, à 6 mois, on fait une surveillance plus rapprochée de l'énumération formule sanguine et puis on peut recontrôler à 6 mois pour être sûr qu'il n'y a pas d'évolution de ce sous-clone qui est soit stable, soit en voie de régression, ce qui arrive quand même relativement fréquemment. D'accord. Et après, on avait une deuxième question de Johan. En fait, pour lui, il avait la notion d'une réversion, d'un phénomène de réversion spontanée dans le syndrome de Noonan dans la LMMJ. Alors, effectivement, j'ai passé vite. Dans le syndrome de Noonan, donc, avec les mutations de PTPN11 au niveau constitutionnel, un grand nombre de patients vont avoir faire des myéloproliférations transitoires, comme ce qu'on peut voir aussi, je ne sais pas si vous connaissez, dans la trisomie 21, où les patients ils font des transientes abnormales myéloprolifération, des TAM. Et donc, on a exactement la même chose chez les patients Noonan, sauf que chez les patients Noonan, on ne sait pas trop pourquoi, certains vont faire des LMMJ sévérissimes et vont décéder avec des médianes de décès qui sont de l'ordre de 1 mois de vie. Donc, vraiment très, très, très rapidement après le temps, alors que d'autres patients, et la plupart d'entre eux, heureusement, vont faire des myéloproliférations transitoires qui peuvent rester, ils peuvent rester avec des blastes circulants, une grosse rate myélémie pendant des mois, voire des années. Il y en a, on a 10 ans de recul où ils ont toujours leur grosse rate myélémie, une monocytose, et ils restent comme ça. Dans le Noonan, c'est encore très mystérieux parce qu'on n'a mis en évidence aucune anomalie additionnelle. Chez un patient qui a un syndrome de Noonan et qui fait une LMMJ, on fait un whole exome, un whole génome, on trouve zéro événement additionnel par rapport à celui qui a la même mutation initiatrice mais qui ne va pas faire la LMMJ. Donc après, on ne peut même pas savoir quel est l'événement qui va… Oh, tais-toi. Quel est l'événement qui va faire qu'on va… entrer dans la LMMJ et on ne sait pas non plus ce qui va du coup permettre de différencier une LMMJ transitoire ou sévère. Ok. Bon, bah merci beaucoup. Désolée pour l'intrusion. Et du coup, on va laisser la parole au professeur Park qui m'a parlé de bas risque. Alors, je vais changer et vous donner la main. Ouais. Alors, bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui, on vous entend bien. Ok, très bien.
Donc, montrer mon écran. Donc, pardonnez-moi parce que j'utilise GoToWebinar pour la première fois. Donc, il risque d'y avoir un peu de tâtonnement au début. Alors là, vous ici votre présentation. Là, vous voyez mon écran ou pas? Non. Hein. Oui, on voit votre écran, mais on voit vos. Ouais, voilà, c'est ça. En plein écran. Et vous voyez les SMD de bas risque, les ouais. diapos? C'est bon? Oui, là, comme ça, c'est parfait. Ok, parfait. Très bien. Bon, alors, bonjour à tous. Donc, je vais vous parler des syndromes myodysplasie de bas risque et surtout de traitement, parce que je pense que pendant la première partie, vous avez eu un cours sur les diagnostics et le pronostic. Donc, je vais aller assez droit vif au sujet, hein. Donc, comme vous savez, c'est des pathologies des sujets âgés et puis qu'on a des objectifs différents de traitement, que ce soit un SMD de bas risque ou un SMD de haut risque. Lorsque ce sont des SMD de bas risque, donc le gros problème, ce sont les cytopénies. Et donc, nos objectifs, c'est de corriger ces cytopénies et d'améliorer la qualité de vie de ces patients. L'objectif de curabilité ou de ralentir la progression de la maladie est secondaire par rapport aux priorités des myodysplasies de haut risque où le risque de transformation LM est plus important et où justement là l'objectif est s'inverse et où on souhaite plus traiter le patient de façon donc curative et puis diminuer le pourcentage de blastes qui risque d'entraîner la progression vers la leucémie aiguë myéloïde. Alors, malheureusement, il y a peu de drogues, hein, on va dire, disponibles sur le marché pour les syndromes myodysplasiques. Elles se comptent sur les doigts de la main. Vous avez l'azacitidine, le déferazirox, le lénalidomide, même pas l'AMM. Donc, bon, plus ou moins utilisé, je vous en parlerai un peu plus en détail, mais l'AMM seulement dans le syndrome 5U-. Et puis, étonnamment, l'érythropoïétine alpha, vous voyez que dans la chronologie, elle arrive que vers 2017-2018, alors qu'on l'utilise quasiment depuis plus de 20 ans dans les syndromes myodysplasiques. Et on espère très prochainement le luspatercept. Alors, donc, je vais suivre le plan suivant. Donc, on va d'abord s'intéresser à l'anémie et puis comment traiter l'anémie de ces syndromes myodysplasiques. Et puis, la thrombopénie. Je vais très peu parler de la neutropénie qu'on ne traite quasiment pas, seulement si vraiment très ennuyeuse, symptomatique, fébrile ou vous savez qu'il y a le GCSF. Alors, pourquoi commencer par l'anémie? Parce qu'en fait, ça représente la majorité des patients atteints de syndrome myodysplasique. C'est 80% des myodysplasies rentrent par l'anémie avec une grosse morbidité, comme vous la connaissez, fatigue, dyspnée, qualité de vie diminuée, hospitalisation plus fréquente, augmentation des accidents vasculaires et aussi également une surmortalité. Donc, évidemment, on pense aux transfusions. On peut transfuser donc ces patients par des culots globulaires. C'est un gros problème de santé publique puisque ça représente 3% des culots globulaires transfusés et 24% des hospitalisations pour transfusion. Le coût moyen est 800 euros et le problème, c'est l'hémochromatose post-transfusionnelle avec insuffisance cardiaque, alors très rarement diabète, mais quand même beaucoup plus insuffisance cardiaque avec une qualité de vie altérée puisque les transfusions entraînent un effet transitoire sur la fatigue qui peut durer entre une semaine à deux semaines, mais donc qui est clairement transitoire. Après, se posent aussi les questions sur l'impact sur la survie où les patients transfusion dépendants ont un impact sur la survie clairement défavorable, avec des hypothèses diverses et variées, rôle probable des infections, transformation LAM, hémorragie cardiovasculaire. Donc, intéressons-nous aux érythropoïétines. Donc, vous avez les agents stimulant l'érythropoïèse. Donc, vous en avez plusieurs formes, l'érythropoïétine alpha, l'érythropoïétine bêta et la darbepoïétine. Alors, je vous ai donné les doses qu'on utilise dans les myodysplasies. Donc, si vous connaissez l'insuffisance rénale chronique et puis les doses néphrologiques, vous voyez qu'il n'y a aucune commune mesure. Dans les syndromes myodysplasiques, on traite plutôt à forte dose. Là, je vous ai donné les 40 000 à 80 000 unités pour l'érythropoïétine alpha ou l'érythropoïétine bêta. En moyenne, disons, c'est entre 40 000 et 60 000 unités par semaine. Éventuellement, on peut monter à 80 000 unités si on a un patient pas très répondeur aux érythropoïétines au début.
Et puis la darbepoétine, donc entre 150 et 300 microgrammes par semaine ou 500 microgrammes toutes les 2 semaines. Alors, il n'y a pas de différence globale entre les différents types d'agents stimulant l'érythropoïèse. Là, je vous ai donné les taux de réponse selon l'érythropoïétine alpha, bêta ou darbepoétine. Vous voyez qu'on est aux alentours de 60% selon les critères anciens de l'IDOBG 2000. Et là, c'était une méta-analyse qui avait repris les différentes formes d'EPO et il n'y avait pas de différence entre l'érythropoïétine alpha et la darbepoïétine. Globalement, entre 57 et 59% de réponses. Par contre, ce qui change, c'est la dose d'érythropoïétine. Quand on a une dose standard plutôt aux alentours de 30 000 unités par semaine, on est entre 40 et 50% de réponses. Tandis que quand on monte déjà à 40 000, voire 60 000 unités par semaine, on monte déjà à 63-70% de réponses. Donc, en fait, quand vous introduisez un traitement par EPO dans les syndromes dysphasiques de Barry, il faut attaquer assez fort. Globalement, pour pouvoir obtenir la réponse le plus rapidement possible. Alors, comme je vous ai dit, hein, on utilisait les érythropoïétines depuis plus de 20 ans, mais sans avoir l'AMM. Et c'est suite à ces deux essais randomisés, donc EPO-AN qui randomisait l'EPO alpha et puis ARCAD qui utilisait donc la darbepoïétine. Que l'on a pu obtenir l'AMM, donc vers 2018, donc pour les érythropoïétines dans les syndromes dysplasiques. Donc là, vous voyez un petit peu le design. Globalement, à gauche, vous avez EPO-AN, donc avec l'EPO alpha administré à 450 unités par kilo, avec un taux de réponse érythroïde aux alentours de 30%. Donc là, c'est le critère de réponse selon l'IWG 2006. Donc le plus récent, donc vous voyez que quand même ça baisse par rapport à l'IDOBG 2000, et avec un taux de transfusion dépendance qui passait de 50% à 24% avec le PO alpha. Pour l'essai ARCAD, vous voyez que le taux de réponse érythroïde était quand même particulièrement bas, mais en fait le design de l'essai était un petit peu bizarre. C'est-à-dire, déjà, on utilisait la darbepoïétine à 500 microgrammes toutes les 3 semaines, et il y avait un des critères d'ajustement de ces doses de dépôt qui était qu'on arrêtait le PO dès que les patients y dépassaient les 12 ou 13 grammes d'hémoglobine. Donc, vous imaginez qu'à l'évaluation, ensuite, après, ben, l'hémoglobine rebaissait et puis qu'on avait des taux de réponse érythroïde assez bas. Toujours est-il que, quand même, grâce à cet essai, on a pu obtenir donc l'AMM de l'EPO alpha. Donc, en fait, il faut retenir, il n'y a que l'EPO alpha hein, qui a l'AMM dans les SMD de bas risque pour les indications suivantes: hémoglobine inférieure à 10 grammes ou besoin transfusionnel, IPSS de bas risque 0 ou 1 et pourcentage de blastes inférieur à 10% si karyotype non réalisé. Et donc, le taux de réponse attendu est entre 40 et 60%. Alors, pourquoi ces critères-là? On va le voir ultérieurement avec les facteurs prédictifs de réponse. Alors, quand traiter? En fait, il faut traiter assez rapidement, parce qu'en fait, on a un taux de réponse qui est plus élevé chez les patients non transfusés. Comme vous pouvez le voir ici, non transfusés, ce sont les colonnes bleues. Vous avez entre 70% de réponse à 60% de réponse versus 30% quand les patients ont déjà été transfusés avant l'introduction de l'EPO alpha, de l'EPO, pardon. Là, on avait montré que lorsqu'on introduisait l'EPO moins de 6 mois après le diagnostic, ben, en fait, on a un taux d'indépendance transfusionnelle qui est plus prolongé. Donc, lorsqu'on introduit précocement l'EPO chez ces patients-là. Donc, ça, c'était une étude rétrospective sur registre. Et donc là, il y a un essai qui est en cours au sein du GFM qui randomise l'introduction précoce versus tardive de l'EPO pour justement redémontrer ça de façon prospective. Et les objectifs, bah, c'est de comparer le délai d'apparition de la dépendance transfusionnelle chez les patients qui reçoivent un traitement par EPO alpha, soit précoce, c'est-à-dire dès le diagnostic de SMD chez le patient qui a entre 9 et 10,5 grammes d'hémoglobine, soit tardif lorsque le patient atteint le seuil transfusionnel. Donc, on introduit le PO alpha à ce moment-là. Et avec une étude ancillaire biologique qui permet d'étudier l'architecture clonale.
Alors, comment optimiser le choix des patients? Donc là, on va s'intéresser un peu aux facteurs prédictifs de réponse. Alors, je passe quelques diapos dessus, mais vous allez voir que finalement, il n'y a pas véritablement d'implication clinique dans la pratique courante, sauf le fait que les patients lourdement transfusés bon, vont avoir un taux de réponse très bas, et puis que le taux de dépôt alpha, le taux de dépôt endogène sérique supérieur à 500 est un facteur de mauvais pronostic. Et de toute façon, donc normalement, chez ces patients-là, chez qui on dose le taux de PO est supérieur à 500, normalement, on ne devrait pas proposer d'érythropoïétine puisque le taux de réponse est très faible. Là, je vous décline les différents facteurs prédictifs de réponse qu'on a trouvés donc chez les patients myélodysplasiques de bas risque traités par EPO pour comprendre un petit peu la physiopathogénèse et puis comment on peut améliorer ce traitement par EPO. Donc là, on avait repris donc une cohorte de 400 patients à peu près et puis on avait testé l'IPSSR et donc, ils avaient tous été traités par EPO, au moins 6 mois. Et vous pouvez voir qu'en fait, les facteurs prédictifs de réponse qui sortent sont… alors, attendez, parce que là, j'ai perdu mes diapos, là. On va leur faire une manip. Ah, voilà, c'est bon. Donc, l'IPSSR, le taux de dépôt endogène et puis le taux de ferritine. Et puis donc, en cumulant ces trois facteurs, donc vous avez des scores prédictifs de réponse avec des taux qui oscillent entre 70% et 30%. Donc, vous voyez clairement que les patients qui ont un IPSSR élevé bah, vont répondre très faiblement aux EPO, aux agents stimulants à l'érythropoïèse. EPO endogène supérieur à 200 également, et puis le taux de ferritine élevé également, donc une moins bonne réponse. Donc, c'est-à-dire qu'en pratique courante, quand même, quand vous avez une AREB 2 ou une myélodysplasie de haut risque IPSS-R, il n'est pas, on va dire, judicieux d'introduire de l'EPO, sachant qu'on va obtenir peu de réponses. Là, vous avez une étude donc moléculaire qui montre que plus les patients cumulent de mutations, donc moins bonne sera la réponse. Bon, ça pouvait être, on va dire, un petit peu intuitif, mais donc là, on l'a démontré, sachant que ça ne sort pas en multivarié, mais que globalement, donc, plus on a de mutations, ben, moins on répond. Là, alors je vous parle de l'hepcidine et de syndrome myélodysplasique, sachant que l'hepcidine, vous ne l'avez pas en pratique courante, ça se fait uniquement que dans 3 ou 4 centres en France, mais ça vous permet un peu de mieux comprendre un petit peu la physiopathogénèse de l'érythropoïèse dans les myélodysplasies. Donc vous savez que l'hepcidine contrôle on va dire, l'entrée de fer dans l'organisme. Et en fait, elle est abaissée dans les syndromes myélodysplasiques où il y a une dysérythropoïèse, donc l'hepcidine est abaissée, donc ça entraîne une surcharge martiale. Cette hepcidine, donc, elle est synthétisée par le foie et elle est contrôlée négativement par l'érythroférone qui est synthétisée dans les érythroblastes par les érythroblastes essentiellement de la moelle osseuse. Et comme vous savez, dans les myélodysplasies, comme il y a une dysérythropoïèse, donc, il y a une augmentation d'érythroférone qui va abaisser l'hepcidine et donc entraîner un dysmétabolisme du fer. Donc là, c'est tout juste une étude italienne qui avait mis en évidence que le ratio hepcidine sur ferritine était effondré dans les myélodysplasies, comme vous pouvez le voir ici. Et là également, donc par sous-type de myodysplasie, vous voyez surtout dans les anémies sidéroblastiques, hein, où vous avez la coloration de Peirce et puis les sidéroblastes en couronne, que le ratio hepcidine sur ferritine a effectivement été également effondré. Et alors nous, on a voulu on voir effectivement, est-ce que le taux de réponse aux ASE était corrélé à la dysérythropoïèse, à l'intensité de la dysérythropoïèse qu'on pouvait quantifier par le RED score. Vous savez que c'est un score de cytométrie de flux,
qui permet d'évaluer la dyséritropoïèse par l'élargissement du CV du marqueur CA71 et CA36 sur donc, les érythroblastes. Et plus vous avez un RAD score qui est élevé, plus ça reflète la dyséritropoïèse. D'accord ? Et donc, il y a le score OGATA, que vous, je ne sais pas si on vous en a parlé, mais qui reflète, on va dire, la dysmyélopoïèse. Et puis, on avait dosé également l'hepsidine, le ratio hepsidine sur ferritine. Et clairement, donc, ce qui ressort en multivarié, c'est que lorsque le ratio hepsidine sur ferritine est bas, le RAD score est élevé. En fait, vous avez une moins bonne réponse aux agents stimulants à l'érythropoïèse. Donc là, pareil, on le démontre. C'est peut-être intuitif, mais il fallait aussi le démontrer biologiquement que le taux de réponse aux ASE ben, en fait, est corrélé à la dysérythropoïèse et puis au dysmétabolisme du fer. Et ceci retentit également sur la durée de réponse aux agents stimulants à l'érythropoïèse avec GDF15, qui est un autre facteur qui régule l'hepsidine quand il est élevé. Donc, en fait, vous avez une réponse plus courte aux agents stimulants à l'érythropoïèse. Et le ratio hepsidine sur ferritine, quand il est bas également, vous avez une réponse plus courte. Alors, une fois que vous avez introduit l'EPO chez votre patient, donc à bonne dose, entre 40 000 et 60 000 unités, vous pouvez obtenir une durée des réponses de combien ? En moyenne, vous avez 20 mois. 20 mois de réponse que vous voyez ici. Et là, c'était selon l'IDOVG 2000, donc entre 24 et 14 mois. Donc, 20 mois. Et après, je ne sais pas si vous avez eu vent de cette polémique là sur les érythropoïétines, est-ce qu'elles favorisent le développement des cancers, des tumeurs solides. Et donc là, en fait, clairement, on peut se rassurer au niveau des myodysplasies, ça n'augmente pas le taux de transformation en LAM. Et donc, on peut administrer les agents stimulants d'érythropoïèse tant que la réponse dure. Alors, quels sont les bénéfices? Évidemment, donc, sur la qualité de vie, qu'on peut mesurer ici par différentes échelles de qualité de vie, FACT-AN ou FACT-F. Et en termes de survie, alors bon, c'est à chaque fois des courbes biaisées hein, sur répondeur, non-répondeur, mais clairement, quand même, les patients qui étaient répondeurs donc survivent mieux que les non-répondeurs et comparé à une cohorte historique qui avait servi à identifier le score IPSS à l'époque. Là, c'était une étude suédoise qui montrait également qu'il y avait une amélioration de survie chez les patients qui étaient répondeurs aux EPO. Et là, une étude randomisée cette fois-ci, qui montrait une tendance à une amélioration de survie, mais non significative. Donc, on a quand même la majorité des patients qu'on arrive à traiter par EPO, donc forte dose de façon précoce et à peu près 2 ans de réponse. Mais après, lorsque les patients perdent leur réponse, les choses commencent à se gâter et donc on essaie de trouver des solutions pour pouvoir les traiter. Et là, ce sont les courbes de survie qui vous montrent que quand on perd la réponse de façon précoce, on a une moins bonne survie et que le taux d'incidence de transformation LAM est également plus élevé lorsqu'on perd précocement la précoce à l'EPO. Donc finalement, quand vous administrez votre EPO, j'ai peut-être oublié de vous dire qu'on évalue la réponse au bout de 3 mois en général et qu'en pratique, on commence à voir l'augmentation de l'hémoglobine au bout d'un mois et qu'on évalue sur les critères de l'IWG les réponses érythroïdes à 3 mois. Donc le early failure, c'est globalement donc évalué soit à 3 mois ou à moins de 6 mois. Et donc les non-répondeurs finalement ont un pronostic quand même plus péjoratif. Alors, que peut-on proposer chez ces patients? Donc là, je vous donne des pistes mais historiques publiées, mais qui finalement n'ont pas abouti, parce que là, par exemple, vous avez EPO plus acide rétinoïque ou EPO plus ATRA, mais qu'on n'utilise pas dans la pratique courante. Le GCSF, vous en avez souvent entendu parler. Il y a un essai randomisé italien qui a montré éventuellement un avantage de rajout de GCSF
lorsque les patients étaient en échec d'ESA, mais vous voyez que l'étude est ancienne et puis c'était quand on utilise de faibles doses d'ESA. Maintenant qu'on utilise maintenant les agents stimulateurs érythropoïèses à forte dose, en fait, il n'a pas été montré davantage de rajout de GCSF sur le taux de réponse érythroïde. Alors ensuite, vous avez d'autres pistes. Vous avez thalidomide, une ancienne piste, mais qui finalement n'est pas utilisée puisque beaucoup d'effets secondaires. Et puis après, vous avez le revlimide, vidaza, allogreffe. Alors, on va un petit peu décliner ça. Donc, le revlimide, il y avait des études précoces qui montraient à peu près 46-50% de réponses en utilisant le revlimide post-échec d'EPO. Là, c'est l'étude randomisée. Les nalinomides, donc vous voyez là, c'est petite dose, hein, contrairement au myélome, hein, 10 mg versus placebo. Donc, chez les patients réfractaires aux ASE ou non répondeurs ou transfusion dépendants. Donc, on administrait l'énalamide 10 mg tous les jours et puis après, on évaluait la réponse érythroïde. Donc, vous voyez les caractéristiques des patients. Globalement, des taux de PO supérieurs à 500 dans un tiers des cas. Beaucoup de RCMD. Et un taux de réponse aux alentours de 26 à 30%. Donc, globalement, vous avez quand même un peu de réponse avec le lénalidomide à petite dose, 10 mg, avec l'apparition de la réponse au bout de 3, maximum 4 cycles. Pas assez significatif pour qu'on puisse avoir l'AMM pour cette molécule. Là, tout juste, c'est l'étude du GFM qui confirme à peu près ces mêmes taux. Il y a tout juste l'originalité par rapport à l'étude internationale randomisée, c'est que là, c'était l'énalumide versus l'EN plus EPO. Et là, donc, vous aviez l'énalumide 10 mg par jour et puis EPO bêta à 60 000 unités par semaine. Donc, vous avez les caractéristiques des patients sur 129 et vous avez les taux de réponse érythroïde selon l'IWG 2000 et puis la transfusion indépendance. Donc, vous voyez, transfusion indépendance, on est toujours à des taux assez bas, hein, aux alentours de 24-30%. Après, en termes de réponse érythroïde, c'est-à-dire augmentation de l'hémoglobine de plus de 2 grammes, on est quand même à 40%, ce qui est pas mal, hein, pour une qualité de vie du patient. Donc, chez vos patients qui sont réfractaires ou non répondants ou rechutants après une réponse aux EPO, éventuellement, peut-être l'EN plus EPO, quand même plus favorable que l'énalumide tout seul. Voilà. Alors, le problème, c'est que on n'a pas l'AMM au niveau de l'énalumide. Donc, chez les patients réfractaires, le PO, mais peut-être que vous avez pu voir dans vos centres, certains centres qui le prescrivent quand même sous couvert de RCP. Alors, là, on a beaucoup d'espoir, on va dire, sur cette drogue, mais donc le luspatercept, dont vous avez entendu parler probablement dans les congrès ou autres, donc qui va agir au niveau de l'érythropoïèse terminale. Donc, le PO agit au niveau de l'érythropoïèse plutôt précoce. Et puis luspatercept au niveau de l'érythropoïèse terminale à partir du basophile, polychromatophile, acidophile. Et en fait, il va essayer de passer, donc il va passer par la voie du GDF11 qui va activer donc une voie de la famille TGF-bêta, donc SMAD2, SMAD3, phosphorylation de SMAD2, SMAD3 qui mène à la dysérythropoïèse ou une érythropoïèse ineffective. Et donc, en fait, le luspatercept va être un trap ligand, c'est-à-dire qu'en fait, il va compétiter avec le GDF11 et puis donc, il va inhiber cette voie SMAD2, SMAD3. Vous avez, c'est une molécule qui s'administre en sous-cutané, donc toutes les 3 semaines. Et là, vous avez l'étude de phase 2, PASS, qui a été destinée à tous les myodysplasies de bas risque et qui a montré… Donc là, vous voyez une efficacité satisfaisante sur le taux d'hémoglobine et avec une réponse assez rapide. Et donc, des taux de réponse entre 70 à 50%.
et essentiellement des taux de réponse chez les sidéroblastiques, donc les RARS. D'où l'essai de phase 3 médaliste qui randomise donc le luspatercept à 1 mg de kilo en sous-cutané versus placebo toutes les 3 semaines, donc destiné uniquement aux anémies sidéroblastiques, avec plus de 15% sidéroblastes ou plus de 5% avec mutation de SF3B1, et qui montre donc sur une cohorte assez conséquente un taux d'indépendance transfusionnelle assez satisfaisant, donc quasiment frôlant les 50% sur le long terme, donc avec le luspatercept. Les taux initiaux étaient aux entours de 40% versus 13% pour placebo, et puis sur le plus long terme, donc ça se confirme. Là, vous voyez les courbes d'augmentation d'hémoglobine en présence de luspatercept. Donc, actuellement, il a l'AMM en Europe et aux USA, grâce à ses résultats donc publiés dans NEJM. Et donc, on est en cours de demande de remboursement à l'HAS pour pouvoir en bénéficier en France. Donc, il n'est pas accessible à l'heure actuelle. Et éventuellement, si vous voulez en administrer chez les patients, c'est dans le cadre d'essais du GFM, probablement donc en première ligne avec les Allemands, en deuxième ligne avec Combola. Pardon, avec l'essai Commands. Et deuxième ligne avec Combola. Voilà, donc là, je vous ai parlé en échec de PO, lénalidomide, mais hors AMM, luspatercept, et on attend son accessibilité en France. Après, vous avez des pistes dans le cadre d'essais cliniques. Et là, je ne résiste pas à vous présenter donc cette piste, on va dire, homemade Grenoble. C'est tout juste, donc en fait, vous savez que l'EGJAD, quand il y a eu les essais menant à l'AMM de l'EGJAD, donc chez les patients, donc myélodysplasie de bas risque, lourdement transfusé et puis en surcharge ferrique, il y avait certains patients qui avaient reçu le chélateur du fer, le déferazirox, qui amélioraient leur réponse érythroïde, c'est-à-dire qui écartaient leur rythme transfusionnel, et certains donc qui augmentaient leur taux d'hémoglobine, à peu près dans des proportions de 20% à entre 15 et 20%. Donc là, on a voulu comprendre physiopathologiquement qu'est-ce qui se passait. Et tout juste pour vous résumer cette étude, on a développé un modèle de différenciation érythroïde in vitro à partir de ces 34 différenciations érythroïdes. Et puis on a dosé, on a rajouté des petites doses de déferazirox. Et on a étudié différentes caractéristiques phénotypiques de ces progéniteurs érythroïdes. On a montré que donc ils proliféraient plus en présence de déferazirox faible dose, qui proliférait, qui se mettait plus en cycle, qui avait moins d'apoptose, et qu'en fait, il y avait une activation de la voie NF-kappa-B en présence de déferazirox faible dose, comme vous pouvez le voir ici avec la translocation de PT65 dans le noyau, et puis de gènes cibles de NF-kappa-B en aval de NF-kappa-B. Et tout ceci passe également par inhibition du stress oxydatif. Là, vous voyez un petit peu la voie du stress oxydatif. Et le fer favorise la catalyse, on va dire, de la réaction oxydative et qui va être délétère sur l'ADN, les protéines et les acides gras. Et on a pu montrer avec des déferazirox faible dose qu'on avait une diminution de la peroxydation lipidique et puis une diminution des ROS. Voilà. Et donc après, on a fait la corrélation entre les ROS et NF-kappa-B parce qu'il y a une interaction entre les deux. Et puis que, en fait, pour conclure, de faibles doses de déferazirox entraînent une prolifération des progéniteurs érythroïdes, atténuent les ROS et probablement favorisent la voie NF-kappa-B en modulant finement ce métabolisme des ROS. Donc c'est pour ça qu'on a enchaîné sur un essai translationnel qui propose donc le déferazirox à faible dose chez les patients résistants aux ASE, donc à 3,5 mg kilo. Hein, habituellement, vous savez que c'est 14 mg kilo. Et que on l'administre per os, et puis l'objectif, c'est d'obtenir une indépendance transfusionnelle. Et
Là, je parle de l'allogreffe parce que vous rappelez la courbe de la survie et de l'incidence des LAM chez les patients qui sont réfractaires aux ASE de façon précoce. Je vous ai montré donc des courbes de survie plus défavorables. Donc, chez certains de ces patients, justement, de bas risque, donc soit par exemple avec des mutations de mauvais pronostic ou des patients qui seraient résistants aux EPO et puis commençant à devenir transfusion dépendants, donc on sait que ces myélodysplasies de bas risque vont évoluer plus défavorablement. Donc, il est peut-être licite de proposer justement l'allogreffe chez ces patients-là. Et c'est l'essai du GFM que mène Marie Robin et qui propose donc à ces myélodysplasies soit IPSSR intermédiaire, soit réfractaire aux ASE, donc l'allogreffe de façon précoce et puis randomisée finalement sur la possibilité de donneur 10 sur 10 ou pas. Donc l'étude est en cours, hein, elle n'est toujours pas terminée, mais donc éventuellement il y a cet essai avec l'allogreffe. Alors les autres pistes les plus récentes, qui ont fait l'objet de communications donc à l'ASH et puis à l'EHA. Donc, vous avez l'inhibiteur de télomérase, donc qui est en cours de phase 2 dans les myélodysplasies de bas risque réfractaires donc aux ASE. Donc, l'imetelstat qui s'administre en intraveineux toutes les 4 semaines, donc randomisé versus placebo, et qui montre un taux d'indépendance transfusionnelle aux alentours de 42%. Avec une toxicité somme toute quand même sur les autres lignées, type thrombopénie et neutropénie, mais qui régresse sur le long terme. Donc c'est peut-être une piste chez les patients réfractaires aux ASE, et puis avec un effet biologique sur la réduction justement du raccourcissement de télomérase, et peut-être une diminution du clone pathologique, donc en présence d'imetelstat. Une autre piste également, c'est le roxadustat, qui est un stabilisateur de HIF1, de IF1. Donc, vous savez qu'il est également testé dans l'insuffisance rénale chronique. Et donc, en fait, il va mimer l'hypoxie, et donc la haute attitude, et donc stabiliser IF1, et donc favoriser le PO, le transport l'absorption du fer, et puis. La meilleure régulation, on va dire, du métabolisme du fer. Donc, l'essai est en cours, phase 3, avec plusieurs cohortes et des taux de réponse pareils, global, aux alentours de 38-40%, avec là, de façon peut-être complémentaire du luspatercept, un taux de réponse plus élevé dans les myélodysplasies non sidéroblastiques. Donc, le luspatercept, on pourrait peut-être le positionner pour les sidéroblastiques. Et puis, le roxadustat, s'il termine son développement, peut-être sur les non-sidéroblastiques. Voilà. Donc là, je termine, on va dire, sur des pistes diverses et variées. Tout juste pour vous dire que là, finalement, globalement, pour les patients résistants aux ASE, bon, donc là, vous avez le luspatercept. Donc, vous avez l'érythropoïétine, le luspatercept. Et éventuellement, comme on screen de plus en plus de façon moléculaire les patients, donc on peut avoir des cibles comme IDH1, IDH2. Donc on peut les tester de façon moléculaire et puis après leur proposer un anti-IDH1, IDH2. Voir par exemple les inhibiteurs de checkpoint. Ou éventuellement le venetoclax s'ils sont déjà un peu plus progressifs. Donc, il y a des pistes qui méritent d'être développées, démontrées, et pour l'instant, la piste la plus immédiate semble le luspatercept. Voilà, je ne sais pas si je suis à temps. Là, il est quelle heure? 16h55. Ok, très bien, parfait. Donc, je termine par la thrombopénie. Donc, qui intéresse quand même moins de patients. 13% des patients du registre du GFM ont moins de 50 gigas par litre de plaquettes. Et puis, vous voyez que les chiffres les plus bas, ben, représentent quand même une minorité de patients. Et un tiers de ces patients vont nécessiter des transfusions. Donc, et comme vous savez, donc, transfusion de plaquettes en dessous de 10 ou 20 gigas par litre de plaquettes, mais il y a deux agonistes de TPO.
qui ont été proposées au cours d'essai. Vous avez l'L-thrombopague qui est PEROS, qui s'administre tous les jours, et le romiplostim qui est en sous-cutané et qui a un mécanisme d'action un peu différent de l'L-thrombopague. Donc, l'L-thrombopague avait été testé dans des SMD de haut risque avec une diminution des besoins transfusionnels. Et après, donc là, c'est plutôt un essai donc, qui avait été proposé dans une dysplasie de bas risque. L-thrombopague versus placebo et les taux de réponse sont aux alentours de 47%. Donc, la moitié des patients vont répondre à l'L-thrombopague avec 14% de saignement versus 42% dans le bras placebo. Pas plus de progression de LLAM dans le bras L-thrombopague versus 16%. Donc, plutôt résultat encourageant, mais étonnamment, on n'a pas l'AMM pour cette molécule qui avait pourtant des résultats plutôt encourageants dans une dysplasie de bas risque. Après, il faut tout juste savoir que historiquement, il y avait aussi le romiplostim qui avait été testé, donc qui est en sous-cutané. Mais il y a eu un peu d'inquiétude avec cette molécule parce qu'il y avait plus de transformation LAM dans le bras romiplostim versus placebo avec une augmentation des blasts, mais qui était transitoire puisque lorsqu'on arrêtait le romiplostim, on avait une rediminution des blasts. Après, il y a eu une actualisation du suivi à long terme de cette étude avec le taux de progression LAM dans le bras romiplostim qui finalement est similaire au bras placebo. Toujours est-il que l'appareil, donc bon, ça n'a pas été plus développé. Il y a tout juste là, c'est une étude de CQRS qui montre que le taux de TPO, comme parallèlement à l'EPO, peut être prédictif de la réponse au romiplostim. C'est-à-dire que si vous avez un TPO bas, vous avez plus de chances de répondre qu'un taux de TPO élevé. Et là, pareil, si vous avez été transfusé en plaquettes précédemment, vous risquez moins de répondre au romiplostim. Et donc là, il y a un essai d'Europe, du GFM, qui voulait justement reconfirmer ce score prédictif de réponse. Bon, il n'a pas pu le confirmer. Mais là, vous avez quand même les taux de réponse au romiplostim qui sont assez intéressants, aux alentours de 43%. Voilà. Donc, c'est étonnant, mais on n'a pas d'arsenal, on va dire, pour les plaquettes, bien qu'il y a des essais qui montrent quand même des résultats satisfaisants. Mais bon, après, vous savez, c'est la vie des molécules hein, et du développement par les firmes pharmaceutiques. Il y en a qui n'aboutissent pas jusqu'au bout et donc qui n'ont pas forcément d'AMM. Donc, pour récapituler, myodysplasie de bas risque, donc vous avez l'anémie. Donc, vous avez l'anémie non d'L5Q, avec donc soit le taux de PO qui est supérieur à 500. Alors, je vous rassure, ça ne représente pas une majorité des patients, c'est à peine 7 à 17% des patients. Vous les considérez quasiment comme ceux qui ne vont pas pouvoir répondre aux ESA, et donc il faudra vite s'intéresser à voir s'ils sont sidéroblastiques ou pas. S'ils sont sidéroblastiques, SF3B1 muté, éventuellement, on pourra les acheminer vers le luspatercept si on a le remboursement de la molécule en France. S'ils ont un taux de PO endogène inférieur à 500, donc vous pouvez leur proposer le PO. Ils vont répondre dans un certain pourcentage de cas, entre 40 et 60% des cas. Et s'ils sont en échec, je vous ai énuméré les différents essais cliniques qui étaient en cours et avec probablement peut-être l'imetelstat ou le roxadustat qui pourraient peut-être aboutir si les firmes les développent. Et puis après, on a souvent la TG, la cyclosporine qui traîne, on va dire, un petit peu dans les manuels, mais globalement qu'on n'utilise pas beaucoup parce que finalement, on veut traiter initialement une anémie et après, on aboutit à une drogue qui est quand même assez toxique, hein, l'ATG, qui va entraîner une pancytopénie. Donc, on vraiment à discuter, mais de façon très. Bon, voilà, avec des pincettes, par exemple pour les myodysplasies hypoplasiques qui ressemblent quasiment à des aplasies médulaires.
Après, donc, pour les échecs EPO, donc, vous avez là un schéma LEN, mais ça, c'est du théorique. Ce n'est pas approuvé. Vous avez là le greffe et puis vous avez les essais cliniques. Pour le DEL5U, donc, je vous en ai pas parlé, mais clairement, bon, c'est l'EPO en première intention et puis après le lénalumine. Et après, on peut ajuster, affiner un petit peu en fonction de TP53, parce qu'on sait que quand TP53 est muté dans ces DL5U, en fait, on a un taux d'échec à l'EPO un peu plus élevé et peut-être un taux d'échec également au linamide plus élevé. Donc, en tout cas, méfiance parce que transformation LAM peut-être plus favorable. Et enfin, la thrombopénie, donc plutôt transfusion, les agonistes de TPO, mais qu'on utilise un peu en borderline. Voilà. Donc, conclusion, on a l'AMM pour le PO alpha dans les MDS de bas risque. Ça améliore la qualité de vie, ça améliore la survie globale probablement. Les patients réfractaires aux ASE, c'est pas forcément lié à la progression de la myélodysplasie en haut risque ou transformation LAM. Probablement, et c'est pour ça que je vous ai un peu détaillé la physiopathogénèse via les facteurs prédictifs de réponse, peut-être via la dysérythropoïèse, via des facteurs intrinsèques liés à la maladie ou à un dysmétabolisme du fer. Ils sont de plus mauvais pronostics. On peut leur proposer l'anomine, mais hors AMM. Luspatercept, on attend le remboursement. Chélateur du fer dans un essai clinique ou stabilisateur de IF, imetelstat ou thérapie ciblée. Et l'allogreffe chez certains sous-types de patients. Et les myélodysplasies thrombopéniques, agonistes de TPO, éventuellement mais hors AMM ou transfusion. Et donc, rester vigilant chez les IPSS-R intermédiaires. Voilà. Bon, j'espère que là, je crois que j'ai terminé à temps. Oui, parfait. OK. Merci beaucoup en tout cas. On avait deux questions. Alors la première, c'était une question de Grégoire dans les essais avec le luspatercept qui se demandait pourquoi là, finalement les 5Q- avaient été exclus. Alors je pense que vous avez déjà un peu répondu. Mais... Oui, alors en gros, les syndromes 5Q- c'est un petit peu une famille à part. Hein. Comme vous l'avez vu, en fait, ils répondent très bien aux lénalinomides. Donc déjà, ils répondent à peu près à 40-50% à l'EPO. Et après, quand ils sont réfractaires, donc il y a l'énalumide et puis ça, on obtient quasiment à 70 à 80% de réponse. Donc, je pense que ce n'était pas un problème spécifique. Et puis, donc, on n'avait pas forcément, effectivement, à les inclure dans les essais du luspatercept. D'accord, merci. Et puis, après, une question de Ouda. Finalement, qui se demandait, en fait, dans l'association EPO et l'énalidomide, est-ce qu'il y a un surrisque thrombotique et donc une indication de thromboprophylaxie? Alors, bonne question. Et c'est vrai que, alors, je ne vous ai pas parlé des effets secondaires de l'EPO. En fait, il n'y en a pas beaucoup, mais quand même, il faut être vigilant sur, effectivement, les problèmes tensionnels. Le thromboembolique, c'est aux alentours de 4 à 7% maximum. Donc, pas beaucoup. Et de toute façon, en fait, le moyen le plus... on va dire pragmatique d'administrer le PO, c'est en gros, on donne le PO à 40 000, 60 000 unités si l'hémoglobine est inférieure à 12 grammes. C'est-à-dire l'IDE, elle vient toutes les semaines, elle administre et puis elle surveille quand même la numération formule sanguine, par exemple, tous les 15 jours. Et dès que l'hémoglobine dépasse 120 ou 130 grammes, ben, on demande à l'infirmière de suspendre le PO. Et en restant vigilant sur ce taux d'hémoglobine, pour ne pas dépasser les 140, 150 grammes, on n'a quasiment aucun risque thromboembolique. Voilà. Donc, et dans les CELAN-EPO, a priori, il n'y avait pas de prophylaxie par aspirine. Donc, voilà. Okay. Et après, moi, j'avais une question. Du coup, dans les rares patients pour qui on fait de l'ATG cyclo, dans le cas de moelle hypoplasique, finalement, on a quel facteur prédictif de réponse à ce traitement? Alors, bonne question, parce qu'on dit tout le temps, c'est les HLA-DR15, les hypoplasiques, justement, qui pourraient répondre à cette association. Alors, il me semble qu'il y avait une étude américaine qui avait repris, on va dire, ces patients-là, et il me semble qu'il n'y avait pas de facteur prédictif qui sortait. D'accord. OK. Bon, je pense qu'on a une question. On va pouvoir passer à la présentation suivante. Merci.
De rien. Vous avez besoin des diapositives ou c'est bon pour vous? De toute façon, vous les enregistrez, c'est ça? Oui, vous les envoyez, oui. Parce que on là, vous les envoie? On a l'enregistrement qui sera mis en ligne, mais si vous pouvez nous envoyer les diapos, ouais. D'accord, ok. Merci. Très bien. Allez, au revoir. Bonne continuation et bonne fin. Merci. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend bien, oui. Attends, alors, je dois faire changer de présentateur, c'est ça? Ou juste charger mon... Vous êtes orateur 1, c'est ça? Enfin, vous n'avez pas changé votre nom? Montrer mon écran. Je clique dessus, montrer mon écran. Afficher écran, c'est ça? Donc, qu'est-ce que je fais? Je oui, clique voilà. Sur afficher écran. C'est ça, non? Oui, vous mettez afficher écran et vous allez pouvoir partager votre diaporama. Écran, oui, c'est bon. Et écoutez, je vais mettre mon diaporama, vous le voyez? Non, là, alors, on ne le voit pas. Pourtant, vous êtes bien. Je l'ai bien. Non, là, on ne voit pas. Écran nettoyé, non, juste une fenêtre, je ne sais pas. Ah bah remarquez, si on voit le PowerPoint, on doit le voir, là, c'est bon? Non? Alors. Non, on ne le voit pas. Et vous avez bien mis votre nom, vous ne l'aviez pas changé, c'est bien vous, orateur 1. Je ne sais pas, j'ai rien mis là, il y a je sais pas quoi faire. Alors, on va voir. Il faut que j'appuie sur changer la présentation, le présentateur, non? Je n'ai pas à faire ça. Parce que là, il y a montrer mon écran. Ah voilà, Line Pierre vient. Au secours. Appuyez sur OK pour montrer votre écran. OK, pour montrer mon écran. C'est fait, là, j'ai montré mes diapos. Le partage d'écran est en pause, c'est mis. Ah oui, non, mais c'est bon, là. Non, là, il est bon, non? Là, il est bon. Alors, attendez. Sinon, faut que tu... Une autre fenêtre est ouverte. Voilà, j'ai mes diapos, là, qui sont ouvertes. Je ne sais pas si... Affichage en mode plein écran, non, ça ne va pas servir à quelque chose. Demande de contrôle du clavier de la souris, donnez le contrôle. Line-Pierre Chao demande le contrôle. OK. Voilà. Maintenant, il y a montré mon écran. Alors. Non, effectivement, je n'arrive pas à accéder. Alors. Ah là, c'est... là, je peux remettre. Est-ce que vous avez... vous voyez le petit onglet sur la droite où il y a l'aiguille, la flèche orange? La flèche orange, oui. Oui. Donc, en bas, il y a l'icône pour le microphone, pour la caméra. Il devrait y avoir quelque chose d'autre. Juste en dessous, il y a personne ne peut voir votre écran. C'est mis, effectivement. Cliquez pour démarrer le partage d'écran. Ça doit être ici, alors c'est ça. C'est ça. Ah oui, c'est ça, je n'avais pas vu là, d'accord. Et là, c'est bon? Oui. Vous le voyez, d'accord. Oui. Donc, je peux le mettre en grand comme ça, c'est bon? Ça va? Voilà, on voit la présentation, on vous entend bien. Oh, OK, merci. Bonsoir à tous. Donc, moi, je vais passer au traitement des SMD de haut risque. Alors, les SMD de haut risque, donc, c'est en gros les patients qui ont un IPSS révisé supérieur ou strictement supérieur à 3,5. Évidemment, il y a des limites. Alors, qu'est-ce qu'on va proposer comme traitement à ces patients? Alors, il y a la greffe de moelle, hein, qui est le seul traitement, j'allais dire, vraiment curatif chez ces patients. Il y a la chimiothérapie qui revient finalement un petit peu avec le CPX. Il y a avant tout les hypométhylants et puis les autres agents qui seront utilisés avec les hypométhylants. Donc la greffe, alors bon, on sait que contrairement à l'azacitidine seule qui ne peut pas guérir de patients, la greffe peut le faire. Alors chez un pourcentage de patients qui est variable, ici on est à 40%, c'est une étude rétrospective. Ici dans une étude prospective de Marie Robin, on est de l'ordre de 40% aussi. Mais il faut voir, ce sont des études qui ont débuté il y a un certain temps. C'est vrai qu'il y a des patients qui n'arrivent pas à la greffe pour tout un tas de raisons. Ici c'était fait en intention de greffer. Je pense que les résultats de la greffe eux-mêmes, lorsqu'on peut faire la greffe, sont supérieurs et ils s'améliorent chaque année avec la diminution des complications post-greffe, le meilleur choix des donneurs, etc. Hein, mais effectivement, si on fait en
intention de traiter, voilà, il y a un certain nombre de patients qui n'arrivent pas à la greffe. Bon. Donc, en tout cas, là aussi, la courbe en clair, c'est Vidaza, où il n'y a pas de survie à long terme. Alors, à partir de là, donc, il faut faire une allogreffe quand on peut. On va maintenant, voilà, pour les patients qui n'ont pas de comorbidité, jusqu'à 75 ans, quand ils sont bien. Hein, c'est-à-dire que jusqu'à 70 ans, la majorité, entre 70 et 75, on voit qu'ils n'ont pas de comorbidité. Moi, je suis frappé par le fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont bien conservées, qui font du sport, etc., etc., et qui sont pas mal. Voilà. Et donc, faut-il, alors on verra les donneurs après, faut-il réduire les blasts avant la greffe, puisqu'on parle de SMD de haut risque, donc ils ont souvent plus de 10% de blasts. Il n'y a pas d'études randomisées qui montrent qu'il faut absolument le faire, mais c'est vrai que la tendance est quand il y a plus de 10% à réduire les blasts, alors, soit par de la chimiothérapie intensive quand le caryotype est normal, quand le caryotype est défavorable, hypométhylant, mais on le verra de plus en plus hypométhylant, plus un produit comme le venetoclax qui réduit mieux les blasts. Donc ça, c'est récent évidemment. Alors ça, ce sont les greffes haplos, ce sont des séries qui sont déjà pas toutes récentes. Vous voyez des patients effectivement greffés il y a déjà un certain temps, donc vous aviez une survie en faisant effectivement du cyclophosphamide post-transplant, vous aviez à 40%, maintenant on est au-delà, et je pense qu'on maintenant on est dans les courbes, on est, alors j'ai pas mis de diapo, on est pas très loin avec les haplos des greffes à partir de frères ou sœurs, ou des greffes à partir de fichiers 10 sur 10. Donc, on est un peu en dessous, certes, mais enfin, on n'est pas loin. Il faut se rappeler qu'on est devant des patients qui ont quand même souvent entre 60 et 70 ans, donc ils n'ont pas forcément de frères ou sœurs, parce que, ou bien ils ont des frères et sœurs très âgés qui ne peuvent pas être donneurs. Le fichier, c'est évidemment aléatoire. La plupart des gens ont des enfants. Donc, in fine, la plupart des gens ont un donneur, mais enfin, effectivement, il ne faut pas qu'ils aient de comorbidité. Et puis, il faut qu'on réduise la blastose quand même. Alors, il y a quand même des patients qui, même avec la greffe, parce que comme toujours, la greffe, on l'a fait quand il y a des facteurs de gravité, mais ce n'est pas pour autant qu'elle supprime les facteurs de gravité. Vous voyez que sur le côté gauche, les patients qui ont un caryotype très défavorable selon l'IPSS révisé, et à droite, ceux qui ont une mutation TP53, ont un pronostic qui est moins bon. Alors, la mutation TP53 qui confère un pronostic défavorable sont en général des mutations qu'on appelle bialléliques, c'est-à-dire en fait avec mutation d'un allèle et perte de l'autre par délétion. Hein. Il est rare que ce soit une mutation vraiment bialélique, c'est ça, c'est presque toujours une délétion 17P dans le cadre de caryotypes complexes avec souvent un 5U-. Pratiquement, c'est des patients où on devine la mutation avant même de la trouver, souvent des formes induites. C'est ceux-là qui gardent un mauvais pronostic malgré la greffe et chez qui on commence à envisager des traitements post-greffe. Par exemple, Marie-Robin à l'hôpital Saint-Louis vient de lancer un essai d'hypométhylant suivi de réinjection de lymphocytes du donneur chez ces patients à très haut risque. Excusez-moi. Voilà. Donc, oui. Les diapos sont un petit peu coupées. On voit que la moitié. Ah, comment diapos... faire là? Comment est-ce que je peux faire Pour revenir en bon, réduire un peu l'écran pour voir. Je peux réduire un petit peu l'écran. Comment est-ce que je peux réduire un petit peu l'écran? Parce que je... Là, je le réduis un petit peu comme ça. Voilà, je vais essayer de le mettre en plein écran comme ça. Est-ce que là, ça va mieux? Non, on voit encore moins bien que je tout à l'heure. Je comprends pas là. Je comprends pas comment on peut. Ouais, mais là, je suis en plein écran. Moi, je vois pas très bien comment je peux faire. Je vais peut-être pas mettre en plein écran. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas mettre voilà, en plein écran. Voilà. Donc comme ça, voilà. Donc on passe à la chimiothérapie. Est-ce que là, ça va mieux? Oui, comme ça, c'est beaucoup mieux. Merci. Voilà. Donc là, la chimiothérapie maintenant, donc après la greffe, encore une fois, je pense qu'il faut envisager la greffe chez un maximum de patients, mais tout le monde ne peut pas y arriver. Et là, le dilemme n'est pas le même que pour les SMD de faible risque. Quand vous greffez un patient avec SMD de faible risque, vous avez toujours le risque de mortalité initiale qu'on peut évaluer sans doute à 15%, peut-être même 20% quelquefois. Et forcément, c'est tout de suite ou très rapidement, alors que le patient avec un SMD de faible risque avec une espérance de vie non négligeable. Ici, vous êtes face à des patients qui ont une espérance de vie de moins de 18 mois. Et donc, voilà, là c'est un peu différent. Donc, en général, quand on peut greffer, on le fait rapidement. Donc, la chimiothérapie. Alors, le plus classique, c'était le 3 plus 7 classique qui donnait
des taux de RC de 40 à 50%, surtout des réponses courtes. Alors, c'est un vieux travail qu'on avait fait quand j'étais à Lille. Vous voyez, très peu de survie prolongée. Et donc, c'est utile pour baisser les blasts, pour aller à la greffe. Alors, peut-être quand même, il y a quelque chose de nouveau, c'est le CPX351, qui dans les leucémies aiguës secondaires, y compris dans les formes possiblastiques, 20 à 30% de blasts, semble faire mieux que le 3 plus 7 en termes de durée de réponse et de survie. Et au minimum, fait aussi moins toxique. L'aplasie est sûrement aussi longue, voire un peu plus longue, mais il y a notamment beaucoup moins de mucite. Et chez des patients de cet âge, encore une fois, même des SMD à qui on va faire de la chimio, c'est en général des patients de 60 à 70 ans, voire un peu plus. Et donc, c'est important d'avoir moins de mucite, d'arriver notamment à une greffe avec moins de toxicité. Donc, c'est important. Voilà, ça, c'est les patients ayant 20 à 30% de blase. Il y a un avantage de CPX par rapport à la chimiothérapie. Thérapie classique. Donc, au niveau du GFM, c'est un essai que mène Pierre Peterlin de Nantes. On a lancé donc un CPX351 pour traitement intensif des SMD de haut risque avec ou sans allogreffe derrière. Et les premiers résultats semblent intéressants. On ne les a pas encore, mais enfin, en tout cas, des taux de RC qui sont sans doute de l'ordre de 60-65% avec un certain nombre de RP. Voilà, donc tout ça est à analyser plus précisément, mais c'est un retour quand même de la chimiothérapie. Voilà. OK. Alors, pour autant, c'est quand même les agents hypométhylants qui restent le traitement un petit peu de base actuellement. Ça fait suite à un essai que vous connaissez qui avait montré que Vidaza faisait mieux que les autres traitements, notamment traitement symptomatique à RAC à faible dose. Mais voilà, c'était une survie médiane de 24 mois. C'est quand même pas extraordinaire. C'est quand même assez décevant. Et comme je l'ai déjà montré tout à l'heure, pratiquement pas de survie à long terme contre 15 mois par les autres traitements. Alors, quand on fait en vie réelle, on est plutôt à 20-21 mois. Mais là-dedans, il y a des patients qui ont reçu deux cures de Vidaza. Donc voilà, si on s'accroche un peu, si on va jusqu'à 6 cycles, si on essaie d'aller jusqu'à 6 cycles, on est plutôt sans doute 20, 21, 22 mois, mais ça reste quand même pas beaucoup. Hein. C'est comme un cancer du poumon à petites cellules, quoi, en gros. Hein. Voilà. Alors, comme vous le savez, la réponse est souvent lente, donc on sait qu'avec Vidaza seul, en tout cas, il faut continuer et jusqu'à 6 cycles et ne pas baisser les bras avant 6 cycles, c'est assez bien connu. Ce qu'on sait aussi, c'est que la plupart des réponses ne sont pas des réponses complètes. Vous voyez ici 17% de RC, 12% de RP et la majorité des réponses, 49%, sont des améliorations hématologiques, c'est-à-dire amélioration des plaquettes et disparition de besoins transfusionnels en globules rouges. Et qu'on sait que ces patients qui ont une HI, Hematological Improvement, ont quand même une amélioration de la survie parce que souvent, ils évoluent secondairement en RC ou RP. Donc, il faut là aussi s'accrocher si des patients au bout de 6 cycles ont une amélioration hématologique et continuer le traitement jusqu'à ce qu'ils s'améliorent. Voilà. Alors on sait que ça entraîne des cytopénies au début et qui peuvent durer plusieurs cycles. Donc, on le dit à nos patients, au minimum, souvent 3-4 cycles de cytopénie. Alors, faut-il donner du GSCSS? C'est discuté. Faut-il faire une prophylaxie des infections? Nous avons tendance à faire du levofloxacine, mais en général, pas de posaconazole systématiquement. Contrairement au Vidaza plus Venetoclax, on le reverra. Et par contre, il semble que les agonistes de la TPO soient non seulement ne servent à rien, mais éventuellement même aggravent. Ça a été dit dans un essai randomisé. Alors, il faut rappeler aussi, c'est important, qu'on est chez des patients, à propos des seuils transfusionnels, évidemment pour l'anémie, bon, c'est en général entre 8-9 grammes, etc. Pour les plaquettes, je rappelle qu'il y a beaucoup de travaux qui disent dans les LAM, on peut transfuser seulement à 10 000. Mais il faut se rappeler que ce sont souvent des sujets jeunes qui sont à l'hôpital et qui n'ont pas de thrombopathie, c'est des LAM. Ici, on est chez des patients qui vont être traités à domicile, qui ont souvent 75 ans et qui ont souvent une thrombopathie. Donc, il faut se méfier de ces règles qui ont été établies dans certaines circonstances. Nous, on met la barre à 20 000 et souvent, d'ailleurs, c'est des patients qui sont sous antiagrégants plaquettaires, sous anticoagulants, il faut mettre la barre à 50 000. C'est un point très précis, mais si on veut que le traitement soit bien conduit, c'est important. Pour ce qui est des effets secondaires locaux, on sait, il ne faut pas purger la seringue, il faut faire faire des traitements locaux, etc. C'est bien connu maintenant. Alors, quels sont les facteurs pronostiques? Eh bien, les facteurs pronostiques de réponse, il n'y a pas grand-chose. C'est une grosse étude qu'avait menée Marie Sébert montrant que, par exemple, le caryotype, à part les 3Q26, le taux de réponse était à peu près le même, quel que soit le caryotype. Et c'est important, y compris les caryotypes complexes. On nous parle beaucoup des réponses avec mutation TP53, mais finalement, le taux de réponse n'est pas négligeable avec Vidaza seul.
Par contre, ce qui est important, c'est que les patients à caryotype complexe ont une survie, une durée de réponse plus courte. Mais ce qui est quand même intéressant dans ce schéma, c'est de voir que les patients avec trisomie 8 et ceux qui sont mis DEL7Q isolé, qui en fait inclut aussi les monosomies 7, ont une survie identique à celle des patients à karyotype normaux, alors que normalement, ce n'est pas le cas. Donc, autrement dit, Vidaza est particulièrement active sur ces monosomies 7 isolées, ces trisomies 8, et fait que leur survie devient identique à celle de patients à karyotype normal. De même que pour ce qui est des réponses très prolongées, eh bien, c'est souvent le karyotype normal. Il peut y avoir quelques monosomies 7, mais avant tout les karyotypes normaux. Donc, ces patients peuvent avoir une réponse pendant 4-5 ans. Alors là aussi, vous dites, voilà, il ne faut peut-être pas se précipiter pour les greffer, parce que s'ils font une complication grave tout de suite et qu'ils auraient eu 4 ou 5 ans de réponse sous Vidaza, donc c'est peut-être quelquefois des patients où il faut, si on a décidé une greffe, ne pas greffer tout de suite, mais attendre une réévolution. Alors, la révolution, je crois que… Alors, oui, alors, autre facteur pronostique, les mutations. Il semble que les mutations de TET2 soient associées à un meilleur pronostic, comme l'avait montré Raphaël et Dixon. Ça a été confirmé par d'autres études. Mais globalement, on n'a pas tellement de facteurs pronostiques. Donc, c'est avant tout quand même le karyotype, éventuellement les mutations, mais surtout le karyotype. Voilà. Alors, donc, ceci est, voilà, selon des résultats, comme vous voyez, assez modestes. Et par ailleurs, quand on ne répond pas ou bien en rechute, la survie est très mauvaise. On a une médiane à 6 mois et donc il faut envisager d'autres traitements en association. C'est difficile, comme souvent, de mettre en avant qu'un traitement marche en échec. Et ça ne marche pas très bien. Jusqu'ici, il n'y en a aucun qui a vraiment montré qu'il améliorait le pronostic, d'où l'idée d'essayer de faire des combinaisons au départ, comme on le fait dans d'autres maladies. D'ailleurs, dans toutes les hémopathies malignes, il y en a très peu où il y a une monothérapie, à part peut-être la LMC. Hein, enfin, en général, il n'y en a pas. Et il faut ou des maladies où le traitement est particulièrement efficace. Donc, il faut envisager des doublets, voire des triplets. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? Eh bien, en gros, on peut utiliser en gros trois types de médicaments, j'allais dire. Il y a ceux qui vont cibler des voies de signalisation, comme par exemple les inhibiteurs d'histone déacétylase, BCL2, l'anédylation, etc. Il y en a qui vont cibler des mutations, des événements oncogéniques, et on en a assez peu actuellement. On a IDH1, IDH2, P53. Et il y a celles qui visent le système immun, et notamment les inhibiteurs de checkpoint. Très schématiquement. Il peut y avoir d'autres produits et puis les mécanismes d'action, on ne les connaît pas toujours. Alors, avant ça, il y a des formes orales d'hypométhylant qui partent du principe qu'un hypométhylant comme Vidaza s'est fait 7 jours par mois et que si on allonge la durée d'hypométhylation en faisant par exemple 14 jours, eh bien, on est potentiellement peut-être plus efficace. D'abord, il y a la décitabine orale qui s'appelle Aztec 727 qui a une pharmacocinétique et une efficacité absolument identique à celle de la décitabine. Donc voilà, ça peut être l'avantage, c'est que c'est une forme orale, mais comme vous savez, on n'a plus de décitabine en France. Est-ce que ça reviendra avec ça? On ne sait pas. Alors, l'autre chose, c'est la Vidaza orale, le CC486, qui, comme vous le savez, dans un essai dans les LAM, la diapo ne sort pas bien, j'en suis désolé, mais vous connaissez cette publication, dans les LAM en entretien, après chimio intensive, contre placebo, CC486 allonge la durée de réponse et améliore la survie, et ça se fait 14 jours par mois. Voilà cet essai qui s'appelle l'essai Quasar, évidemment, ça mérite d'être essayé maintenant dans les SMD de haut risque, soit en maintenance, soit même en induction. Donc, c'est peut-être le futur, et là aussi, il est possible qu'il y ait une efficacité supérieure si la durée d'hypométhylation est plus importante, mais ça reste à voir. Bon, l'idée, c'est surtout d'ajouter des médicaments. Et Lionel Hadès avait mené au nom du GFM un essai qu'on appelait AZA+, où il avait comparé Vidaza contre Vidaza plus Revlimid, plus Sidarubicine, plus un inhibiteur d'histone et acétylase, l'acide valproïque. Et comme vous le voyez, pas de différence en taux de réponse, pas de différence en survie, avec des survies médianes, vous voyez, de l'ordre de 20-21 mois, etc. Donc, quelque chose de décevant. Plutôt plus de toxicité. Donc, c'était des adjonctions de première génération dans des essais randomisés. Voilà. Alors, par contre, donc on arrive sur des nouveaux médicaments. Le premier, évidemment, c'est le venetoclax. Comme vous le savez, le venetoclax s'est avéré supérieur, l'association de venetoclax à Vidaza s'est avérée supérieure à Vidaza seul dans les LM du sujet âgé. Et voilà, d'où l'idée que probablement, ou au moins peut-être, mais probablement dans les SMD dans les SMD qui sont un continuum, les SMD de haut risque, il y aura aussi un avantage. Voilà. Alors, du coup, il y a effectivement un essai de phase 1B qui a été présenté
à l'ASH, qui montre, comme vous le voyez, 40% de RC, 40% aussi de réponse médullaire, c'est-à-dire il n'y a plus de blast. Alors, est-ce que, voilà, on ne sait pas très bien si elle se transforme tout en RC derrière. On sait que le vénétoclax est particulièrement efficace pour décaper les blasts. Voilà, mais en tout cas, alors, il y a plus de myélosuppression qu'avec vidazacel. Et la plupart des patients doivent retarder des cycles, etc. Là, on fait 14 jours ici, contrairement au LAM où on est supposé faire 28 jours, mais comme vous le savez, dans les LAM, la plupart d'entre nous, je pense, font plutôt 21 jours parce que c'est difficile d'aller jusqu'à 28. Alors, avec une survie médiane, là, qui est, c'est une phase 1B, de l'ordre de médiane 26-27 mois, qui est encourageante, hein, pour des patients qui étaient particulièrement graves, plus graves que ceux de l'ECASA 001, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de karyotypes complexes. Voilà, donc c'est intéressant. Et par ailleurs, comme dans les LAM, on peut tenir le raisonnement en disant, voilà, c'est plus myélosuppresseur au départ. D'un autre côté, les réponses sont plus rapides. Et comme elles sont plus rapides, la durée totale de myélosuppression est plus courte. Et c'est ce qu'on constate, je pense. On a tous cette expérience maintenant dans les LAM du sujet âgé, où comme la réponse survient au bout d'un ou de deux cycles, eh bien, ce n'est pas comme avant, où ça durait 5-6 cycles et les patients faisaient des complications répétées. Donc finalement, c'est peut-être une approche intéressante, mais ça reste encore à démontrer dans les SMD. Pour le moment, il n'y a pas d'essai randomisé qui le démontre. Mais évidemment, c'est extrêmement encourageant. Et alors, c'est tout particulièrement encourageant avant greffe, puisque ça réduit rapidement les blasts. Et je crois que très sincèrement, actuellement, on ne peut, enfin, il me semble qu'on ne puisse plus envisager avant greffe de faire de vidazacel parce que le résultat est trop aléatoire et que, par contre, vidazavénétoclax semble un bon traitement avant greffe quand on ne fait pas de chimio, c'est-à-dire en particulier pour les karyotypes complexes. Parce qu'on le sait dans les LAM du sujet âgé, les karyotypes complexes répondent à vidazavénétoclax. La réponse est courte, mais elle peut permettre de greffer un patient. Ok. Le pevonidosta est un autre produit qui est un inhibiteur de nédilation hein, sur une voie de signalisation que j'avoue que je connaissais pas trop, que voilà. Et il y a un essai de phase 2 randomisé. Alors, c'est le premier d'ailleurs randomisé dans la SMD qui comparait vidaza et vidaza plus pevonidosta. Vous voyez une différence qui est en fait significative en termes de survie sans événement, hein, EFS, et qui n'est pas significative en termes de survie, mais le nombre de patients n'était pas suffisant. Mais vous voyez, c'est intéressant d'introduire un critère d'évaluation comme la survie sans événement, qui est plus précoce que la survie, qui permet de mieux évaluer. Parce que le problème de la survie, c'est qu'évidemment, c'est plus tardif, et deuxièmement, il peut y avoir des traitements de deuxième ligne, y compris une allogreffe, qui vont changer de devenir. Tandis que là, vous avez, si le patient rechute, eh bien, c'est un événement. Et voilà. Donc, ça peut être intéressant pour évaluer les produits. C'est également un produit qui est très prometteur et qui, par ailleurs, ne donne pas de myélosuppression significative. Et dans les LAM, eh bien, l'idée est très simple. Maintenant, c'est on fait des triplets. C'est-à-dire qu'on fait vidaza plus vénétoclax plus pevonidosta. Et je suis assez convaincu qu'on y arrivera également dans les SMD, en tout cas, évidemment, les gens pas trop âgés. Mais là, par exemple, ça pourrait être une bonne association pour des patients très âgés, parce que comme vous le voyez, vous savez, on voit des SMD de 80-85 ans de haut risque. Aza plus pevonidosta ne devrait pas être plus toxique que Aza seul. Et en plus, pevonidosta vient d'avoir une ATU. Ça commence pour dans ce contexte. Donc, ça peut être une belle association. Et puis, alors, maintenant, les inhibiteurs. Alors, on passe maintenant aux produits qui ciblent des mutations. Les inhibiteurs d'IDH2, les nasidénibes, qui donnent. Alors, ça a été surtout fait, bien sûr, dans les LAM, mais dans les SMD, ça donne à peu près 50% de réponse avec des survies médianes ici de 17 mois, mais pour des patients déjà traités. Donc, c'est intéressant, indiscutablement. Et alors, il y a des essais GFM avec inhibiteur d'IDH1, IDH2 en cours chez des patients donc, qui n'ont pas répondu aux hypométhylants ou pour les faibles risques qui n'ont pas répondu à l'EPO. Donc, c'est sûrement intéressant, ça continue à inclure. Il est très important, dans les LAM comme dans les SMD, de contrôler régulièrement la survenue d'un clone muté IDH1, IDH2, parce qu'ils peuvent ne pas être présents au départ, mais survenir lors de l'évolution. Donc, à ce moment-là, vous pouvez cibler votre maladie avec un traitement par voie orale qui est bien toléré, c'est quand même important. Il y a même des patients très âgés qu'on traite en première ligne par inhibiteur d'IDH1 et IDH2. Donc, intéressant à contrôler régulièrement. La mutation se recherche rapidement par Sanger, donc vous l'avez en quelques jours. Voilà. Alors, maintenant, évidemment, l'inhibiteur d'IDH2 est maintenant utilisé en lien avec Vidaza. Ici, cet essai dans les LAM présenté à l'ASCO. Et vous voyez, c'est intéressant, il y a une différence en termes de survie sans événement. Il n'y a pas de différence en termes de survie parce que, tout simplement, les patients en seconde ligne ont reçu les nasitidines. Donc, vous voyez, il faut utiliser des critères qui soient cohérents. Si vous analysez en survie, et puis les investigateurs ne vous auront peut-être pas tous dit qu'ils utilisaient des nasitidines en deuxième ligne, ben vous concluez que ça ne sert à rien. Hein.
Mais pour autant, donc voilà, donc vous avez une survie médiane pour des LAM qui est à 21 mois, ce qui est bien supérieur à ce que donne Vidazasol, qui est de l'ordre de 10 ou 12 mois. Donc c'est un beau progrès quand même. Vous avez, bon, on se doute bien qu'il n'y aura pas un plateau, mais enfin bon, c'est quand même extrêmement encourageant pour Vidaza et Nadidenib, et on suppose que ça se reproduira également dans les SMD de Horis. Donc c'est sûrement une très belle association. En plus, c'est Nadidenib, mais globalement, bien toléré, pas de myélosuppression. Voilà. Alors, autre situation, c'est celle des mutations de TP53. Les mutations de TP53 se voient dans peut-être 10%, 15% des SMD de haut risque, mais la moitié des formes avec caryotype complexe sont une mutation de TP53. Comme je le disais, c'est en général une mutation biallélique avec mutation d'un allèle, perte de l'autre, dans des caryotypes très complexes, souvent des formes induites, et c'est des patients extrêmement graves, y compris après allogreffe. Donc, on a mené avec Thomas Cluzeau pour le GFM cet essai de DASA plus APR-246 chez 53 patients, donc il y avait des SMD, des LAM, très défavorables, donc des caryotypes très, très, très complexes, et donc avec un taux de rémission complète qui, en intention de traiter, était de 40%, et chez les patients qui avaient reçu au moins 3 cycles, de 60%. Sans doute quand même un peu plus que ce qu'on attendrait avec Vidazasol, où vous voyez les taux de réponse sont plutôt de l'ordre de 20%. Donc ceci est encourageant. Il y a un essai de phase 3, AZA contre APR, AZA plus ACR contre AZA seul, qui n'a pas montré de différence significative, mais ça reste à analyser. Enfin voilà, donc ce produit ou d'autres pour TP53 vont sûrement être intéressants. Et il faut savoir que ce sont des patients extrêmement graves, d'abord en termes de pronostic, et aussi parce qu'ils ont tendance à faire des infections très graves, sans doute par notamment la monosomie 7 qui est associée à un déficit fonctionnel des neutrophiles, ça a été assez bien montré. Voilà, donc c'est probablement les plus graves des hémopathies myéloïdes et donc souvent induits après un premier cancer. Voilà. Alors voilà la survie médiane à 12 mois qui est sans doute plus que ce que vous pouvez attendre avec Vidazasol qui est plutôt de l'ordre de 6-7 mois et là aussi beaucoup de patients pouvant aller à la greffe. Non pas tant dans notre essai qui va être sous presse que l'essai américain où les patients étaient plus jeunes, à peu près 40% des patients ont pu être greffés. Voilà un petit peu les choses, d'où l'importance de TP53. Je rappelle qu'il y a vraiment deux gènes importants en termes de SMD à analyser, TP53 parce que c'est grave, et à l'inverse SF3B1 parce que c'est moins grave. Et voilà, donc c'est les deux peut-être les plus importants. Alors, les immunothérapies maintenant, on a d'abord essayé les inhibiteurs de PD1, PDL1, et avec des résultats globalement décevants, il faut bien le dire, que ce soit en monothérapie, que ce soit en bithérapie, avec un hypométhylant, et quand même une certaine toxicité chez ces sujets âgés, des syndromes de largage de cytokines, etc. Donc, il y a peut-être des résultats encore en cours, mais globalement, ça ne semble pas extraordinaire. Alors, il y en a d'autres, par contre, qui sont essayés, qui touchent les checkpoints, un inhibiteur de CD34 qui est le magrolimab. Et le magrolimab a été essayé dans les LAM et les SMD en lien avec Vidaza avec des résultats très encourageants. Vous voyez 40% de RC dans les SMD et les LAM. La quasi-totalité des patients ont une diminution des blasts et avec une survie que j'ai mis ici qui, bon, il en manquait de recul, mais qui n'était pas atteinte à ce moment-là, ce qui est quand même très encourageant là aussi. Donc, des essais de randomisés vont être en cours. Voilà, avec le magrolimab. Et puis le sabatolimab, qui était cette fois un inhibiteur de TIM3, donc là aussi agissant sur le checkpoint, qui est testé en association avec Vidaza ou Decitabine, avec là aussi des taux de réponse qui sont encourageants par rapport à Vidaza seul, mais on manque de résultats randomisés. Il faut toujours évidemment se méfier des phases 2, toujours encourageantes, qui ne sont pas forcément confirmées par derrière. Donc voilà, d'où l'idée, si vous voulez, que un SMD de haut risque, si on veut résumer, il faut avant tout envisager la greffe. Bon, et puis, si on envisage la greffe, voir si on peut la faire d'emblée ou si on a intérêt à réduire les blasts. Globalement, moins de 10%, ça veut dire que c'est souvent des patients à caryotype complexe. L'idée est plutôt de les greffer d'emblée. Plus de 10%, c'est de réduire les blasts et soit chimio, soit, j'allais dire Vidaza plus Venetoclax, je me mouille même si c'est hors AMM, pour réduire les blasts rapidement avant greffe. Dans les cas particulièrement graves, réfléchir dans le cadre d'essais cliniques à des poursuites de traitement post-greffe.
Voilà, pour les patients qui ne peuvent pas être greffés maintenant, eh bien, je pense que ça sera une association d'hypométhylant et d'autres choses. Donc, qui tient la corde, c'est donc le venetoclax, le pévonidostat, peut-être les autres, et peut-être encore une fois des triples associations, comme on les voit dans le myélome. Je tiens toujours à rappeler que quand j'ai commencé à faire de l'hématologie, la survie d'un myélome moyenne, c'était de 2 ans et demi, et que maintenant, c'est devenu une maladie chronique, avec souvent 3 produits d'emblée, puis encore d'autres derrière, mais souvent 3 d'emblée. Hein. Donc, voilà un petit peu le message de ces SMD de haut risque. Pensez aux mutations IDH1, IDH2, parce qu'elles peuvent être ciblables. Exceptionnellement, il va y avoir une mutation ou une duplication de FLT3 qui pourrait faire l'objet d'un inhibiteur, mais ça n'est quand même pas courant. C'est pour les patients qui transforment en LAM. Et puis, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Donc, le retour de la chimio, comme je disais, mais avant tout avant greffe. Pour le reste, on ne sait pas encore. Et puis, juste, voilà le département auquel j'appartiens, Saint-Louis-Robert-Debray à Vicennes, à Paris, ou en Seine-Saint-Denis pour Avicenne. Et puis, enfin, le groupe francophone des myélodysplasies, qui est avant tout un groupe promoteur d'essais cliniques, mais qui aussi a des cohortes, etc. Donc, si vous êtes intéressé par des travaux scientifiques et participer à l'activation d'essais cliniques, vous êtes plus que les bienvenus. Voilà, je vous remercie. Et je suis à votre disposition pour des questions. Bien, merci beaucoup pour cette présentation avec beaucoup, beaucoup de données. Et effectivement, comme vous l'avez précisé, c'est étonnant de voir qu'on se dirige vraiment vers des associations doubles, triples, comme dans le myélome, vous l'avez exactement précisé. Alors, je ne vois pas de questions là, apparaître dans le fil des questions. Regardez ça. Et puis finalement, un rôle conservé quand même de la chimiothérapie. Alors, une des questions était quels sont les patients que vous allez cibler en fait principalement pour la chimiothérapie? Est-ce que c'est plutôt des patients qui sont plutôt jeunes est-ce que ce serait vraiment un rôle de bridge vers la transplantation? Est-ce qu'on peut avoir votre avis là-dessus? Moi, je crois que oui, comme je disais, pour la greffe, la question, c'est faut-il faire de la chimio? Alors, c'est ce qui est dans les recommandations. Ou faut-il faire plutôt, on mettait Vidaza, je crois qu'il faut mettre Vidaza venetoclax. Je pense que les greffeurs n'aiment pas Vidaza parce qu'au bout de 3 cures, hein, il reste encore 25% de blast, et ben on continue, on décale la greffe, le donneur est plus disponible. Enfin bon, et puis on n'a pas l'impression qu'on réduit très vite. Alors, lequel est le meilleur des deux, je ne sais pas. L'avantage de la chimio, c'est que c'est souvent en un cycle, et ça permet de, évidemment, ça entraîne une hospitalisation plus prolongée. D'un autre côté, être à domicile pour Vidaza venetoclax, ça donne une aplasie notable. Je crois qu'il faudra comparer les deux. Je pense que ça va être le prochain essai du GFM. En lien avec ses partenaires européens, d'ailleurs, parce qu'on travaille avec le groupe allemand, le groupe italien, le groupe espagnol. Alors, une autre question, comment positionner l'ASA plus anti-IDH dans les LAM, IDH, mutés, sachant que les patients avec IDH, avec des mutations d'IDH, sont aussi ceux qui répondent bien à ASA plus venetoclax? Alors, c'est vrai, je pense que ils répondent effectivement bien, souvent ceux qui sont, alors souvent parce qu'ils sont NPM1 aussi, enfin, etc. Moi, à mon avis, bon, non, mais je crois qu'en fait, il faut tout simplement tester en essai randomisé, c'est-à-dire ASA plus VEN plus inhibiteur contre ASA plus VEN, probablement, puisqu'ASA plus inhibiteur, on n'a pas encore assez d'éléments, encore que, il faudrait peut-être faire 3 bras, je ne sais pas, mais je pense que c'est la triplette qui va gagner. Hein. Moi, je suis un petit peu, j'ai toujours été empirique, mais je pense que, sauf s'il y a une toxicité, on a toujours intérêt à mettre tous les médicaments en même temps. C'est comme ça que ça marche le mieux, plutôt que de se dire on en met un, puis on en met un après. Enfin, y a des exceptions, hein, comme la maintenance des LAL de l'enfant, mais c'est parce qu'on ne peut pas tout mettre à la fois. Mais comme on met déjà 4 médicaments d'emblée, donc c'est difficile d'en mettre 6. Mais donc, je suis assez convaincu que l'association des 3, mais pour le moment, en tout cas, à la fois AZA-VEN, effectivement, et AZA inhibiteur d'IDH1, IDH2, semblent donner de bons résultats. Alors, voilà. Je pense que le prochain, ça va être vraiment de tester le triplet et si on pouvait arriver à des résultats très élevés. Parce que quand même, les LAM, ça reste catastrophique. Quoi. Il y a en dehors de certaines formes avec NPM1, inversion du la LAP, bien sûr, T8-21, inversion du 16, NPM1 éventuellement, et les LAM qui surviennent chez les enfants trisomiques, on en guérit pas vraiment plus de 50%, hein, donc c'est quand même catastrophique. Hein, voilà. Et bien, il y a la greffe, mais la greffe, ça pose d'autres problèmes. Voilà.
Et alors, dans ce cas-là, pour aller dans ce sens-là, quelle association triplée, alors, vous verriez là comme premier triplé à essayer dans les Bah, SMD je de pense haut-risque? qu'on va, ce qu'on va sans doute essayer, c'est ASA, VEN et PEVO, parce que c'est ce qui est testé dans les LAM. Comme ASA plus VEN est maintenant devenue la référence LAM, et on a la chance en France de pouvoir, il faut le dire, on fait du hors AMM, on a cette chance quand même, parce que bon, on n'a plus envie de traiter nos LAM par vie d'ASA seul, hein, sauf quand ils sont très très vieux. Là, ça commence, il y a un essai. ASA-VEN-PEVONIDOSTAT contre ASA-VEN dans les LAM. Donc, on aura une idée de la toxicité dans les LAM et l'idée, c'est de le reproduire assez vite dans les SMD. On peut aussi imaginer que quelquefois, il n'y ait que 8 jours de vénétoclax. Tout ça est à moduler en faisant la part entre la toxicité et l'efficacité. Voilà. Évidemment, il faudra bien mener les essais et si on veut convaincre, il faudra randomiser. Mais ce que je veux dire, c'est que le problème, c'est qu'effectivement, les essais industriels sont obligés encore actuellement de randomiser VISADAS seul contre VIDASA plus X, mettons. Et c'est vrai qu'on a envie qu'ils finissent assez vite parce que voilà, on est assez convaincu quand même que ça restera pas longtemps la référence, sauf chez les gens qui sont très très fatigués, quoi. Bon, voilà. Mais je Alors, suis une peut-être autre question. ambitieux et je veux aller trop vite pour ça, mais la situation est quand même tellement grave quand même que bon, on a envie d'avancer. Oui. Merci. Une autre question sur la prophylaxie sous vénétoclax, qu'est-ce que vous utilisez? Est-ce que le posaconazole doit être systématique? Alors, je crois qu'il n'y a pas d'études randomisées. C'est vrai que nous, on a tendance à faire du posaconazole et du coup, il faut baisser la dose de vénétoclax. Alors, il y a des gens qui font en fait, qui commencent le vénétoclax pendant par exemple 14 jours et qui commencent le posaconazole après, qui réduisent la dose, ou bien on commence le posaconazole, mais simplement, il faut diviser par 4 hein, quand on fait du posa. Donc, plutôt mettre effectivement 100 mg par jour. Voilà. J'ai, enfin. Quand même l'impression effectivement qu'il y a un risque fongique au moins au début, mais d'un autre côté, comme on voit de plus en plus de patients qui répondent au bout d'un cycle, on peut sans doute arrêter très vite le posa pour les cycles suivants. Alors que pour Vidaza seul, on a tendance par exemple à faire du lévofloxacine pendant les 6 premiers mois parce que quand même très souvent ils sont cytopéniques, neutropéniques pendant plusieurs mois. D'accord, donc vous arrivez à l'arrêter un petit peu plus rapidement alors peut-être. Oui, je crois. Enfin, oui, c'est l'idée. S'ils récupèrent des polys et qu'ils se mettent en rémission complète au bout d'un cycle, ce qui est maintenant fréquent dans les LAM, on peut à ce moment-là arrêter ou en tout cas, voilà, peut-être faire encore un cycle, mais en tout cas pas aller jusqu'à 6 cycles. Peut-être une dernière question pour préciser justement cette place de la chimiothérapie. Donc, Vidaza plus vénétoclax sont des traitements d'induction préalogreffe ou bien on préfère toujours le 3 plus 7? Alors, je crois que c'est la question. Je crois que on ne sait pas. Bon, la chimie, on avait largement lâché parce que voilà, et il semble que le CPX 351 soit moins toxique quand même. Enfin, moi, j'ai l'impression que surtout chez les sujets âgés, donc ça fait revenir la chimio. Mais d'un autre côté, Vidaza seul est assez décevant. Vidaza vénétoclax permet de réduire vite la blasto. Je crois qu'on peut pas. Là aussi, il n'y a pas d'essai randomisé et voilà, en pré-greffe, maintenant en dehors du pré-greffe, un sujet relativement jeune, je crois qu'on aurait tendance aussi à faire plus que Vidaza seul, mais bon, entre ce que c'est pas le résultat d'essais randomisés, mais voilà, ça fait plus de 10 ans qu'on fait Vidaza, on connaît bien Vidaza, c'est quand même voilà, des résultats assez limités dans l'ensemble, en monothérapie. Bien, merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres questions là dans le flow du chat. Donc merci beaucoup pour votre présentation. Et Merci à puis tous et je voudrais faire un commentaire parce qu'on s'est rendu compte que dans l'hôpital où je suis, les internes n'avaient pas forcément accès sur leur ordinateur de base à la possibilité d'avoir Zoom ou équivalent. Et donc, voilà, ce sera important de faire un sondage, voir si dans tous les hôpitaux ou la majorité des hôpitaux, c'est possible. Ce qui d'ailleurs, si c'est possible dans tous les hôpitaux sauf à la PHP, ça nous permettrait de retourner vers nos directions en leur disant que, comme souvent, voilà, ils sont pas les premiers, mais plutôt les derniers. Donc, merci de faire remonter cette information. Nous attendons avec impatience. C'est pas normal que vous puissiez pas suivre les cours ou que vous
deviez rentrer chez vous pour suivre les cours, ce qui à la fois vous fait bouger, et en plus c'est pas bon parce que vous n'êtes pas à l'hôpital finalement, donc ça n'arrange personne. Hein. Donc voilà, merci beaucoup encore et bravo pour cette organisation un peu au pied levé des cours de DES, puisque bon, je les ai organisés pendant mon temps, j'ai été 9 ans coordinateur, je m'occupais pas mal au niveau national, donc je suis très content de voir que le relais est pris et avec quel brio, parce que ça, la qualité est excellente. Voilà, merci beaucoup et bon week-end. Merci à vous. Donc avant de clore cette session, je vous rappelle simplement que du coup il y a un prochain cours, le prochain cours de DES la semaine prochaine sur les SMD, avec notamment une grosse partie sur la biologie et le traitement des par allogreffe et des leucémies myélomonocytaires chroniques. Ça sera lieu vendredi prochain. Et puis il y a un webinaire qui est organisé par l'AIH, pardon, qui est organisé mercredi soir sur l'intelligence artificielle. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous dis donc à bientôt. Merci.